Oui, ça y est, on y est. Salut YouTube. Allez, let's go. Bienvenue. Bienvenue pour cette petite découverte, enfin redécouverte, puisque j'avais déjà, on avait déjà un petit peu découvert Enshrouded lors de la bêta. Mais donc voilà, le jeu vient de sortir en Early Access et les développeurs m'ont proposé de faire une petite OP sur le jeu qui m'avait déjà laissé une excellente impression lors de la bêta. Donc évidemment que j'ai accepté avec très grand plaisir. Donc on est ici en multi, on va rejoindre Crane et Presea, enfin je suis déjà sur le serveur, et on va explorer un petit peu plus le jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un type action RPG qui met, donc c'est un mélange, hein, action RPG, survie, construction. Donc il va y avoir un petit côté farm, récolte de ressources, construction, tout ça. C'est le côté survie, se préparer à bouffer, etc., etc. Et il y a un gros côté RPG, recherche et fabrication d'équipements, équipements qui vont nous donner un gameplay différent. Il y a pas mal de gameplay différents dans le jeu. Donc on peut jouer soit vraiment corps à corps avec des épées, des boucliers, des haches, des trucs comme ça. On peut jouer de distance avec des arcs et ce genre de choses. Et puis il y a tout ce qui est magie, puisqu'on peut s'équiper avec des baguettes, des bâtons de magicien, et puis après se balader et balancer des éclairs de puissance dans tous les sens. Voilà. Je passais la petite cinématique. Le petit bleu. Oui, je suis là. Ah mais oui, moi j'ai déjà montré la cinématique. Ah oui, et puis il y a le côté effectivement point de compétence, ça. Voilà, bonsoir. Vous savez, on se ressemble pas trop, on est de la même famille. Je crois qu'on est un peu de la même famille quand même. On est un petit peu de la même famille. Alors, mon père. L'histoire du jeu, visiblement, c'est qu'une mystérieuse brume s'est répartie sur le monde et a décimé pratiquement toute la population. Et les anciens, des demi-dieux anciens ont créé nous, qui sommes capables de résister à cette brume. C'est pour ça qu'en fait au début on sort d'une espèce de cuve. Le pauvre. Oui. Si c'est nous la solution, ils sont foutus. Ah bah écoute, ils feront avec ce qu'ils ont. Hein. Et c'est pour ça qu'on sort au début d'une espèce de cuve en fait. C'est qu'on avait été mis en stase en gros et on sort maintenant et notre but c'est de percer les secrets de la brume et redonner vie au monde. Tout à fait. Va falloir... Va falloir faire tout ça, j'ai déjà fait. Va falloir procéder au réarmement démographique nous-mêmes, hein, je suis désolé. Déjà, attendez, vous faites pas le premier truc qu'ils vous disent de faire là. Utiliser un outil de terraformation des explosifs. Et casser le mur pour prendre le coffre. Mais alors, bah, attends, c'est ce qu'il faut faire. Prenez les bombes, prenez les bombes. Moi j'ai rien. Moi j'ai rien pour casser le mur. Bah, ici. Les grenades peuvent être jetées. Oui, si, utiliser un outil de terraformation ou des explosions pour créer un chemin. Regarde sur l'étagère là. Mais oui, mais moi, alors vous allez apprendre très vite que je suis aveugle. Ah, un coffre. Allez-y, tenez, prenez-le. Non, c'est bon, attends, j'ai déjà fait le début. Tu passes. Vous pouvez. Ah bah Matt, vas-y, prends-le. C'est, on se les partage les. Enfin, on se les partage pas justement. Il y a une hache, une masse, une épée. Ah. Il y a plus de trucs que dans la partie. Ah, ils ont fait en fonction du nombre de joueurs. Ah, peut-être. Alors, qui veut quoi? Moi, j'aimerais bien jouer magie, mais je suis ouvert à toute magie proposition. Après, là, ça va être compliqué, magie. Oui, effectivement, on a un petit écho. Dans mon chat, ils disent le level design. Pas vu, m'en fous. Ça, ça se moque déjà. Bah, moi, je vais prendre la masse, du coup. Toi, tu veux jouer bourrin, de toute façon, t'as dit. Oui. Moi, je vais prendre l'épée. Ah, bah non. Ah, attends. Ah, non, bah, non, j'en ai pas besoin, j'ai lâche, lâche. Ah! Tiens, ça c'est rigolo, ça, vu que ça n'a pas été... Ah non, heureusement que vous aviez encore une grenade. Heureusement, je me ouais. Ce qui se passait, je me demande là. Si on pouvait être coincé. Prenons-la. C'est le jeu. Attends, ah, j'ai ramassé les deux. Crane, tu veux la hache non, ou l'épée? Non, j'ai la hache, c'est la même, donc... Ah bah d'accord. C'est bon. De toute façon, préférée, elle a pris la masse. Je me demande s'il y a pas un petit écho chez toi, Crane. Ah, oui, parce que vous êtes un peu fort. Un petit. Faut que je... Alors attendez, je vais trouver la solution. Fais tout noir. Vas-y, parlez là pour voir. Oui, allô. Oui, allô, allô. Ah, encore un tout petit peu. La flamme vous permet de résister à la brume. Allez-y. Oui, bonjour, oui. Bonsoir. Ah oui, mais je vous entends plus. On est d'accord là, sur le chat, plus. Vous, ça change pas le volume, hein, c'est que le volume que j'entends moi, là. Hein. Vous pouvez parler pour qu'ils sachent s'ils vous entendent toujours. Moi, je parle, j'ai une grosse masse. On les entend bienvenue plus, à cette réunion des drogués des jeux de survie-construction.
C'est vrai que moi, je commence à enchaîner pas mal de jeux de survie, là. C'est... Les jeux où tu clignes des yeux, il est 4h du matin. Oui, c'est ça. Attention! Donc vous avez vu, ouais, on peut taper ça. Je sais pas trop... est-ce que c'est les trucs qui génèrent de la brume ou pas? Je sais pas ce que ça génère, mais ça génère quelque chose. En tout cas, on est embrumé, il y a un timer, et j'imagine que si le timer arrive à zéro, on meurt. Ah oui, d'accord, donc faut peut-être partir vite d'ici. Ouais, alors. Faut partir. On résiste à la brume, mais pas tant que ça. Oh! Ah. Oh, trop bien! Tu vois, rien qu'au système de combat, on sent un petit peu le Souls. Absolument, c'est vrai. Bah, c'est alors vraiment du... C'est du jeu d'action... pur quoi, enfin je veux dire les combats c'est du vrai temps réel quoi, avec des gameplays assez différents en fonction de l'arme qu'on prend. Et ça c'est chouette. Ouais, j'ai bien envie d'essayer la magie. Ouais, je vous ai entendu dire qu'il y avait de la magie, trop cool. Si tant mieux vous relevez. Ah, ou alors si tu veux jouer magie, Crane, moi je veux bien jouer Arc. Tu veux jouer Arc? Oh, meuf qui veut jouer Arc. Quoi? Je suis à la souris, je suis à la souris. Tu as eu des mauvaises expériences avec Maf qui joue Arc? Ah non, c'est pas ça. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il joue Arc. Aucun. J'ai aucun problème. OCA, tu joues clavier souris? Je joue manette. Je le savais. Je le savais. j'ai hésité en vrai. Bah, en vrai, ça s'y prête. Mais c'est bien, au moins, enfin, qu'il y ait un peu des deux, clavier souris. Et... Parce que je crois que ce jeu est aussi accessible sur PlayStation 5, hein, il me semble. Non, c'est que PC, je crois, pour le moment. Plus PC pour le moment? Je crois. Ok. Autant vous pour moi. Faites attention que vos armes ont une durabilité, bien évidemment. Ouais. Ça baisse quand même assez vite, pas méga vite, mais par contre, il y a un truc trop cool, c'est une fois que t'as ta base et que t'as l'établi, juste appuyer sur l'établir et partout automatiquement. Donc, c'est pas hyper frustrant dans le sens, tu sais que tu vas tout perdre 3 minutes après avoir crafté, et ça, je trouve ça cool. Ah! Ouais. On peut taper sur les squelettes pour choper des os. Ah! Je vais mettre ce petit. Ah, chouette! C'est chouette! J'adore faire une collection. Justement, une collection d'os dans le fond. Il y a l'air d'avoir tout un point lore dans le jeu, c'est cool. Alors. Oh, il y a un background. Que j'ai déjà lu la dernière fois. Page de la nouvelle histoire, tatata. Bon, on va essayer d'aller se faire un. Ah, je trouvais une goutte d'eau. On va se faire la base. Ouais, on va essayer de se poser une petite. L'eau cabanette. Est une grande source de vitalité. Oui, il y a plein de trucs pareil, ici. Truc trop cool, c'est que la bouffe est pas essentielle. Dans le sens, la bouffe te buff, mais ouais. Il faut pas que tu manges tout le temps, tout le temps. En haut à gauche, je vois que j'ai une barre de vie et en dessous, il y a une barre bleue. C'est quoi? C'est du mana? J'ai pas vu. Ah, c'est la barre bleue, tiens. La barre bleue, ouais, c'est peut-être bien. C'est bien, mana. Non, l'endurance, c'est la jauge verte quand tu cours. Ou tu fais une action qui la consomme. Tu peux la cuire après, c'est un. Tiens, juste là, t'as de la viande crue. Ah! Et en fait, là, c'est ils t'apprennent à cuire, tu te mets devant, tu t'assois. Et fais très attention, il va falloir que tu prennes ta viande, mais si tu la brûles, c'est foutu. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il faut se reposer pour être efficace. Mettez de la nourriture dans votre barre d'action et appuyez sur. Non, je suis en train de cuire. Ah, c'est comme de. Oh non! Oh, écoutez, messieurs, je crois que je suis pas très forte pour la cuisine. Et un bloc de charbon, hein! Et un bloc de charbon! Ça peut être utile aussi, le bloc de charbon, mais. C'est vrai qu'il faudra se reposer aussi pour être en forme. Oui. Yep. Crafter des lits et tout. Attends, c'est quoi ça? Grande source de vitalité. Mais on va boire un petit coup. Ah oui, on peut juste boire. J'ai trouvé une. Ah, j'ai. Vous avez ramassé la gourde? Moi, j'en ai 5 gourdes. Eh ben, en fait, si tu peux remplir ici, et ça t'en fera plus. Ah, ok. Ouais, ça file directement des gourdes. T'as pas besoin du contenant. Ah oui, c'est okay, encore un c'est... truc qui est facilité. Et j'ai l'impression que c'est très user friendly comme jeu. Oui, bah en fait, c'est parce que le jeu est assez fort axé exploration, combat. Il y a des combats de boss. Good. Ouais, hâte de voir ce que donnent les combats de boss aussi. Les potions de soins. Vas-y, je bon, on fera. Je prends...
On lancera officiellement le communisme plus tard, quand on fera la base, mais on mettra oui. tout en commun. Le partage des ressources, je suis d'accord. Le parti communiste plus tard, j'aime beaucoup. Tiens, t'as vu, Maf, là-bas, t'as de quoi tirer pour t'entraîner à l'arc. Yeah, t'as un petit lapin. Pardon, c'est un réflexe. Un petit lapin tout mignon. Viande maigre crue. C'est-à-dire. Et donc là, on a il le Il est mignon, mais il est délicieux. Pour poser la base. Ok, bah, je suis chaude. Attends, est-ce qu'il y a des... Je sais plus s'il y a des TP qu'on peut prendre. Pioche en pierre, ça doit être ça. Il est beau, hein, le jeu, quand même. Ça, juste, ça se ramasse. Alors, je crois que c'est artisanat, donc il faut qu'on mette... Alors, il faut de la ficelle et des bûches. Premier truc, non, c'est pas ça. Il faut des pierres. Enfin, si ça va changer. L'hôtel, c'est ça ? L'hôtel de flammes, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est pas. Ça. Trouve ta place dans la chaîne alimentaire ! Alors, les pierres, je sais pas comment on pourrait les craft. En tapant dessus ? Tu peux ramasser les pierres qui sont pas trop grosses, genre celle-là ici. Tu as un petit icône ramassé. Tu dois en avoir à côté de toi aussi. C'est des petites pierres. Et tu vas pouvoir faire des pioches. En effet. Ah oui ! Non, c'est quoi cette espèce de brume là ? Bah, c'est la fameuse brume qui nous. Non, le truc rougeâtre. Bah, c'est la quête. Ah oui, c'est les points clés où on doit aller. C'est là où il nous conseille de construire notre première base. Réclamer un emplacement. Avec en mettant construire. Un hôtel de la flamme. Tu mets un hôtel de la flamme et ça réclame l'emplacement. Attends, la construction. Comment on active la construction encore? C'est dans le. Facilement partager des items. Je ne sais pas comment, mais apparemment c'est facile. Hôtel de la flamme. Hein, hein. Pas besoin de placer l'hôtel dans les plaines, peut choisir n'importe quelle zone. Ok, c'est tellement le jeu de chill que tu lances et que tu ramasses des ressources pendant des heures. Ah oui, c'est V. Parfait. Ok, ouais, V. Construire. Pour le raccourci d'artisanat, ok. Ah bah oui, il suffisait d'aller là. Ouais, 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 on sélectionne ces icônes, trouver les exigences. Ouais. Oh, un petit mouton. Okay. Je suis curieux de voir si on peut construire chez les uns chez les autres ou pas. Si seulement l'un de vous pose une zone, là, est-ce qu'on peut construire dedans ou pas ? Ça, je sais pas. Oui, on est complètement en groupe. On peut. Mais comme voir le menu construction, c'est logique. Tout à fait. Ah, il est gentil le mouton, il m'a attendu. J'étais en train de le frapper. Un loup m'a attaqué. Et le mouton m'a attendu un petit peu plus loin en me disant t'inquiète, je t'attends pour que tu me tabasses. T'inquiète. C'est la nuit. Ah oui, si on n'a pas trois lits, comment on fait? Bon, c'est rien, on peut passer la nuit. Oh, hein. J'avais pas vu, vous avez vu? Attends, non, ça c'est des méchants, c'est pas vous, c'est des mobs. Vous avez vu les lumières rouges au bout là-bas? Oui, j'ai vu. Il a trouvé des ghouls au fond du bois. Oh, ils sont bleus, regardez. Mais ils sont pas pareils. Je vais être très gentil, je savais que j'étais pas belle, mais à ce point. Waouh! Il y a un lit dans les petites ruines, mais on peut pas dormir à trois dans le petit lit, je pense. On peut essayer après. On peut bloquer avec. Oh, ils sont un peu plus solides là déjà. Ouais, non, je fabrique des hôtels, mais. Attendez, faut que je comprenne comment on les pose les hôtels. Vous en avez fabriqué un ? Oh, et brume. Non, pas encore. Si tu veux le poser, tu peux. Hein. Bah voilà, bah, moi, pareil, t'appuies sur V. Tu fais fabriquer avec S. Ah oui, mais non. Oh, regardez. Eh oui, moi je suis chiante. En fait, j'étais dans le menu, je l'ai fabriqué. Et ensuite, comment on le fait pour le poser? C'est. Attendez, un lit, attendez, 20% attendez. De vitesse pour passer le temps, 2 lits 40%, 3 lits instant. Et quand c'est solo, c'est instant. Tu te mets dans un lit et ça passe la nuit directement. Putain, mais il n'y avait pas ça pendant la bêta. Il y a une brume rouge au loin. Oh, c'est super beau. Ah, d'ailleurs, ça s'est un petit peu dégagé le ciel. Ah, dans l'inventaire, en fait, j'en ai deux. Vous avez vu jusqu'à la falaise? J'arrive. C'est cadeau. Oh, c'est stylé. Ça a l'air d'être un endroit accueillant. Ah, ouais. Ah oui, j'en ai deux. Non, c'est trop classe. On mettait notre base là-bas. Yeah. Ça a l'air super. Hein. Ah, à terme. Pourquoi pas? Ah, je peux t'offrir. On peut vous donner plus facilement. Ok. Alors, on peut aller faire notre base où on veut. Hein. On n'est pas obligé de faire ça là. Hein. Oui. Oh, bon. Ça a l'air bien quand même ici, il y a une grande... Le jeu, ouais. Si vous voulez, on peut faire ça
poser les bases et avancer. Ouais. Donc, t'as rien à perdre, je pense, de la mettre ici. Ça fait. Donc là. Ah ouais. Ok, d'accord, je comprends. Bah, je vais le mettre vraiment dans le. Ok. J'ai mis un tout petit peu de temps avec la manette à savoir comment faire, mais. Communier avec la flamme. Vous n'êtes pas seul, il y a d'autres survivants qui somnolent dans les cryptes. Ah oui. Bah oui, il va falloir accueillir en fait, l'oreille. Voilà. À partir de là, j'ai pas fait. Okay. Parce qu'il faut aller secourir des NPC, apparemment. Cœur de brume. Ah, on peut étendre l'air de constructible, obtenir des avantages permanents. Ouais. Ok. Je vais rien faire pour le coup. Comme c'est juste un début. Alors attends, faut absolument faire l'établi, donc nous faut 3 ficelles. Attends, je viens de le faire. T'as assez de ficelles ? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui n'est pas invité qui est là-bas, là. Bon, je le mets là. On pourra toujours le déplacer après, de toute façon. Marteau de construction, voilà ce qu'il nous faut. Ouais, je viens de m'en faire un aussi. Yep. Hein. Vous pouvez vous faire un marteau de construction, faire le truc pour couper le bois, le truc pour couper pour la pierre aussi. Et donc voilà, si tu cliques juste, tu fais juste E sur l'établi, ça répare tout. Et ça se trouve. Oh ouais, d'accord, il y a vraiment la possibilité de construire pas mal de trucs. Ah ouais. Ok. Attends, ah oui. Comment ça marche encore avec le marteau ? C'est à toi le gros. Oui, c'est toi. Ah, je vois ce que tu es en train d'essayer de construire, c'est rigolo. Tu vois le rouge là ? Alors, c'est juste que je pense que j'ai fait le blueprint. Alors, les lits, ça demande de la fibre, de la ficelle et du tissu déchiré. Attends, comment tu fais avec le marteau ? Parce que je fais clic droit, clic gauche, ça fait rien, moi. Alors, Alt, tu le sélectionnes et ensuite tu appuies sur Tab, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, tout à fait, merci. Ah oui, on peut vraiment construire... Bon, rappelons aussi, bien sûr, que vous pouvez aller checker les liens vers le jeu dans tous les streams allumés, bien de la galaxie, hein, bien sûr. Souvenez-vous, vous avez pensé à mettre un petit hashtag de publicité. Bien sûr. Nos liens, hein, bien sûr. Dictionnaire. Alors, attendez, il faut qu'on se fasse des lits. Ficelle, je vais faire... je vais essayer de t'aider à en faire. Mais toi, tu peux faire des lits ? Parce que moi, attends, j'ai hache d'abattage en pierre, pioche en pierre, torche, arc, baguette, bâton. C'est probablement parce que j'ai déjà les recettes, vu que j'ai fait un lit dans ma maison. Ok, moi, j'en ai pas. Tu peux déjà faire l'arc ? Ça dépend des recettes. Attendez, j'essaie de trouver du tissu. Fabrication manuelle, ficelle, feu de camp, torche. Ah, ça permet, oui. Est-ce qu'il y a du tissu ? Oui, arc. Alors, marteau de la ficelle de nouveau. Oh, ah ouais. Okay. Ah, je comprends. Ok. Je casse tous les tours, nous, en essayant de trouver des trucs. Ok, je vais essayer de me faire une hache et une pioche, je crois que c'est possible. Ouais, bon d'accord, il faut récolter un petit peu. À avoir des... Ouais, là il va falloir qu'on passe un moment à récolter. Un petit peu. Un poteau pour. Alors... J'ai la hache. Sac à dos. Le bûcheron il est dans un shonen là. J'ai les tissus déchirés, il en faut 12 si je veux faire 3 lits. Ok. Je peux manger. On va voir pour se crafter une pioche pour pouvoir taper des gros cailloux. Ouais, des gros cailloux, ouais. Alors, est-ce que je peux taper tout ? Ah, il y a pas mal de petits. Là, pour le coup, il y a des vrais ghouls. Ah, quoi ? Plus forte, tu veux dire ? Bah. Oh, plus forte. Vite fait. En solo, ça peut se faire, hein, mais. Attends. Elles sont autour de moi, elles sont nombreuses. Ennemi tué, j'ai pris de l'XP. Est-ce que je serai la première mort du jeu, hein ? Non mais meurs pas tout de suite. Non c'est bon. C'est bon. Ouf. J'ai eu un coup en fait. Un petit coup, ça fait du mal. T'as pris un coup ? J'ai pris un coup ouais. Et ça m'a donné cette vie là. Ouais tu la vois ma vie ? Oui. Ouais, j'ai pris un coup, c'est ça. Okay. Après je suis à poil. Hein. Deux tiers de ta vie quoi. Ouais. Ok. Allez c'est parti pour couper du bois. On va espérer que ça coupe vraiment. J'ai pris un gros. Pour info, pour la ficelle, il en faut plein. C'est les petits arbustes qu'on ramasse directement avec E où il n'y a pas besoin de couper. Ouais. Il faut transformer la fibre en ficelle. Ok. Quoi ça, champignon ? C'est parti pour réguler la nature. Et la zone de brume. Aussi rapidement. Ah ouais, je sais, on sait y aller 5 minutes.
Vous pensez que qui va mourir entre nous trois là en proms? Moi j'ai trouvé une grotte, enfin une crypte. Ah. Quelque chose sous terre en tout cas. Ah, faudra qu'on y aille tout à l'heure je pense. Regarde. Ah ouais. Alors il faut de la ficelle. Toi t'y vas toi. Bon moi du coup je dis que c'est ma fille qui va mourir en premier. Je suis curieux. Ah ouais, non, attends, pas tout de suite. Pas tout de suite. T'as 4 minutes pour être curieux, ma fille. Mais putain. Oh plus tard. Oh, le lit en bois brut. Oh, j'ai tellement plus j'ai appris. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais du coup, j'ai appris à. Y'en a qui arrivent. Ah. Ah oui, en effet. Je vais le toucher un jour. Parfait. J'adore ce que vous faites. Ok, il y a un lit. Il en manque plus que deux. Qu'est-ce qui te manque? Ficelle? Alors, je te dis ça. Ouais, il me manque de quoi faire. Trois ficelles et deux fibres, je pense. Ah, attends, ouais. Le lit. Boum! Je me demande comment on apprend les... Peut-être un peu plus. Je crois que j'ai vu que je pouvais faire un lit. J'ai cru voir. Je cherche des buissons. Peut-être parce que comme je t'ai vu faire un lit, je l'ai peut-être appris. Peut-être. Alors tu regarderas, tu feras gaffe parce que ça c'est un peu bizarre. Dans l'établi, t'as deux menus de construction en fait. Tu regardes en haut. Ouais, il y a deux onglets. Oui, dans... Ah, c'est peut-être pas dans artisanat, c'est dans établi pour faire le lit. Bah si tu cliques sur l'établi, logiquement tu as... T'as les deux menus en haut. Enfin après sur manette, je sais pas si c'est... Non si, ça doit être pareil. Oui c'est pareil. Oh, on peut poser du mobilier. Ah, je peux faire un lit. Putain, je me souvenais pas de ça. Il y avait peut-être pas dans la bêta, je sais plus. Oh, il y a moyen de faire du housing. J'ai envie de faire la déco moi. Mais ouais, de fou. Fourrure, ficelle, matelas rudimentaire. Il me faut de la vie moi. Attends, est-ce que ça rend... On a dû faire un matelas. Okay, la vie remonte pas. Il me manque un tissu déchiré. Est-ce que quelqu'un a un tissu déchiré? Je vais regarder ça dans Je crois pas avoir ça. Attends, je ramasse des fibres. Et je peux pouvoir faire des trucs. J'ai un tissu déchiré, trois ficelles. Je te donne tout. Normalement, t'as reçu. Comment remonte la vie de base? Elle remonte pas toute seule. Pourtant, j'ai mangé. Ok, donc là, me manque juste trois ficelles. Est-ce que t'aurais ça, Maf? À mon avis, oui. Trois ficelles. Je peux probablement les craft. Neuf fibres ou je sais pas quoi. Du coup, pour la construction du lit Crane, parce qu'il y a un truc que je comprends pas trop, okay, là je vois qu'il faut fourrure, ficelle et matelas rudimentaire. Parce que ça, c'est le gros lit. Regarde le petit lit à côté. Pareil, juste au-dessus, tu peux switcher entre les deux lits. Alors attends, comment je te donne. Ah non, pas moi. Comment je te donne quelque chose? Pourquoi? Pressé à trouver tout de suite avec la manette et j'avoue que je ne sais pas comment faire avec le clavier. Ah, elle va m'obliger à jouer manette, c'est de sa faute. Et ouais, et comme quoi. Chat, comment on file quelque chose à quelqu'un en clavier souris? Bon, sinon on fait un petit coffre. On doit forcément pouvoir faire un petit coffre. Vous cherchez la ficelle pour le coffre. Stockage, il faut trois ficelles et 6 brindilles. T'as peut-être de quoi le crafter. Alors, attends. Ah, mais tu vois peut-être pas non plus. Ah, je sais pas si tu le vois. Ah si, tu dois le voir. Je peux faire une baguette magique dès le début. Ah oui. Ah, pioche en pierre. Okay. Je comprends mieux en mieux. Moi aussi, je veux une baguette. Comment on fait une baguette? Je crois que ça, il faut les trouver. Surtout au début. Non, je peux le faire, moi, une baguette. En gros, dans ton artisanat, sur toi, tu peux... Dans armes, il y a armes magiques. Moi j'ai débloqué baguette et bâton. Là, Ah, t'as débloqué ça? Ouais. Alors, je vais voir si je peux pas retrouver tout pour faire de la ficelle. C'est quoi ça? Une luciole. Ah, c'était bien, il y avait une luciole, on voyait super bien. Je l'ai ramassée, on voit plus rien. Ouais. Peut-être... Ça te fait une ressource? Du coup, j'avais du mal à comprendre. Mais il doit forcément y avoir un truc. Bloc. Bah, à la limite, attendez, pour qu'on voit stockage. Mieux. Vous voyez les deux lits là? Ouais. Je vais aller prendre le lit qui est dans les ruines et on va tous les trois s'allonger, comme ça il va faire jour. Ah bah attends, il fait jour. On bah pas besoin. C'est bon. Ah non, mais moi j'étais bien. Viens, coffre. Ah oui, parce que t'as passé le temps quand même. Je pense qu'il restait pas beaucoup de temps pour la nuit.
Et du coup, ouais, ça a avancé jusqu'au jour. Bon bah nickel. Alors j'ai mis et un petit coffre, j'ai mis de la ficelle dedans si tu veux, Crane. Ah bah merci. Oh attends, comment je vérifie un truc. Petit coffre, c'est dans l'artisanat ou c'est dans avec l'établi. Avec l'établi. Ouais. On veut ça. Donc, il y je déclare officiellement le communisme ouvert. Alors, Alors attends, faut juste que je vérifie un truc. Si je mets tout ça là-dedans. Établi. Est-ce que ça prend en compte le coffre ? Dame, chaise, banc, éclairage. Voilà, on a trois lits. Maintenant, si on veut faire dodo, on pourra. Parfait. Non, bon, il prend pas en compte les coffres, par contre, j'ai l'impression. En tout cas, pas le coffre à côté. Ça m'étonne, quand même, j'ai une vraie question. C'est que j'ai l'impression que je n'ai pas les mêmes items que vous dans l'établi. C'est possible parce qu'il faut débloquer des trucs. Ah, il faut débloquer les recettes. Des trucs. Parce que moi, j'ai table, chaise, banc, éclairage. Tac. Précia. La barrière. Mais j'ai pas de coffre, par exemple. Précia. Oui, regarde, oui, dans le petit coffre, il y a un pansement. Ah, ok. Tu peux l'utiliser. Normalement, tu l'as au début, le coffre, c'est stockage. C'est juste au-dessus, là où tu vois lit, table, foyer, t'as une catégorie au-dessus qui s'appelle survie et il y a stockage. Et c'est le coffre. Je suis peut-être aveugle, hein. Mais il semblerait que non. Ah, sinon, dans l'inventaire, on me dit pour faire. Attends, quoi ? Je sais pas si. J'ai mis dans des flèches en bois, sélectionner si un des item flèches. Et faire offrir. Ah. Stockage. Oh ah, autant pour moi, pardon. C'est ma faute. Sac à dos. Ah oui, offrir. Ah oui, voilà. C'est tout bête. Ok, je me disais, c'est bizarre de pas avoir la Donc même. En fait, chose. Effectivement, dans votre inventaire, vous faites clic droit sur un item et puis offrir, et puis vous choisissez le joueur à qui vous voulez donner. Ah, ça a l'air simple. Alors attendez, j'aimerais trouver des os pour crafter une baguette. Il doit bien y avoir des cadavres quelque part. Si tu veux, je peux t'en faire une, je te l'offre. Sinon, on peut les faire. Les cadavres. T'as pas t'en faire une aussi Bah, si tu veux. Bon, moi, je veux pas faire magie, je veux faire vraiment bourrin. Mais si tu veux, je te donne des os parce que j'en ai pas mal. Je te donne. Hop, tiens, je te donne des os. Ah, t'es trop loin de moi. J'arrive. Je reviens. Sinon, je les mets dans le coffre si tu veux. C'est le moment de faire les aspiraloot. L'aspiraloot. D'aller ramasser tout ce qu'on voit. Et puis après, voir ce qu'on peut craft. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est simple à offrir. Ah bah, tu sais, les ruches depuis les arbres à côté, les miennes et les ruches. Les ruches sont généralement protégées par leurs essaims. Nickel. Ah. Tout, je t'ai donné les os. T'en as deux. Ça devrait suffire, je crois, pour une baguette. Ouais, c'est ça. Alors, fabrication. Ah, donc on peut les craft. Je croyais qu'on pouvait que les récolter, celles-là. Les baguettes ? Les looter. Ouais. Ok. Oh, un petit mouton. Un petit mouton. Alors, on met ça là. On est censé. Notre mission, c'est de traverser la brume pour l'instant. Enfin bon, quand on sera mieux équipé, mais. J'avoue que le petit donjon, je suis chaud pour le faire. Peut-être qu'on peut trouver du loot intéressant. Ah oui, d'office. Mais le jeu est très fort basé sur l'exploration. Hein, donc franchement, faut y aller. Hein. On va débloquer plein de trucs, ramasser des ressources spéciales et tout. Il y a beaucoup d'exploration à faire dans le jeu. Et l'exploration est très. Elle récompense beaucoup, quoi. Ah, ok. Ah, il y a un loup. Dans le vide. Ah, même s'il résiste, il prend quand même du dégât. Je vais fouiller encore ça un petit peu. Ça a l'air bien la baguette. Pour voir. Ça a l'air trop bien. Ah, ça y est, tu joues de la magie là ? Ouais, ouais. Vas-y. Enfin, faut qu'on trouve quelqu'un. Vas-y, tape sur Maf. Je suis pas là. Ah, ça rend bien. J'ai tapé un loup. Ouais, non, c'est tout. Ça vide pas ma barre bleue. Donc en plus, je peux faire ça à l'infini. La barre bleue encore. Je peux frapper des arbres si je veux. Je pense que ça doit être long de couper un arbre comme ça. Bon, écoutez-moi, pendant ce temps-là, je bosse dur dans la forêt. Je vous laisse également travailler. Faut qu'on fasse un petit peu avancer un peu. J'ai hâte de commencer. Je vais peut-être faire une toute petite maison par principe. Parce que je crois qu'il y a quand même un système de chaud-froid là. Dont il va falloir s'occuper. Attends, je cherche où. Où est-ce qu'on fait justement un feu pour chauffer la bouffe ? Récoltez bien des ressources. Alors, artisanat. Bloc de bois brut. Ok, j'en ai construit. T'as vu comment ça marche ? Tu prends ton marteau pour construire. Est-ce qu'il y a un système de... Ah oui. Tu sélectionnes le sol. Et par contre, il faut que tu aies la bonne...
le bon matériau dans le... sur toi pour pouvoir le crafter. Un grand coup de pioche sur le lit, j'ai appris un truc. Okay. On peut apprendre des tas de choses en tapant des choses. Ça, c'est un bloc de bois. Non, ça, c'était un bloc de pierre. Je sens l'intelligence venir. Okay. Ouais. Alors, moi, allons-y. Donc, c'est le petit marteau. Hop, on y va. Ah oui, c'est vrai, on peut creuser seul, on peut tout creuser dans le jeu. Ça, c'est incroyable. Oui. Je fais faire un. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ah, je peux faire. Oh, ah oui, je peux déjà faire un sol, même si on a déjà construit un. Attends, justement, je vais essayer. Parce que là, on a construit l'établi. Est-ce que je peux construire du coup? Ok. Ça n'a pas l'air d'embêter trop la collision. C'est une bonne nouvelle si et c'est le on cas. Peut, on peut tout détruire dans le jeu. On peut tout détruire tout. Trop bien. Et tu peux récolter les ressources de n'importe quoi. Je croyais qu'Arlure me disait un truc sérieux, je comprenais pas. Il me dit pensez à mettre vos armures à l'envers. Le côté du verre à l'arrière et le côté mou à l'avant. Attends, comme... Et à la fin, il a rajouté parce que Maf est à l'arc. Voilà. LOL, LOL, c'est super comme dernier message avant d'être banni. Est-ce que, Crane, tu peux vérifier si tu as encore accès au coffre? J'avoue que j'ai construit un... Ouais, ouais, on a encore accès. Ouais. Pour le déplacer, il faut le vider. Et une fois qu'il est vidé, tu peux le déplacer et le re-remplir. Ok. Mais j'avoue que oui, tu as construit sur le coffre. Ouais, je l'ai construit. Mais pourquoi pas, c'est un coffre semi-enterré, ça a son charme. Je voulais tenter. Mais par contre, Lily, je peux pas faire ça. Lily, sont déplaçables ou pas? C'est de moi. Oui, c'est déplaçable. Le viewer attends, en question vient se constituer prisonnier chez moi. C'est bien, on a besoin d'esclaves, okay. Ouais. Par contre, je vois plus où on fait. Il faut... Le feu, il est où le feu? On en a fait. Est-ce que t'as pas le craft encore? Moi j'avoue que je l'ai pas vu. Après je suis enfin pas le feu, pardon, l'endroit, enfin la petite cheminée, c'est ça que je cherche. Foyer, c'est ça, foyer. Et bah, je... Fabriqué, c'est ah, bon. Y a un arbre qui pousse dans la maison. Non, peut-être que ça se casse pas. Alors, où est-ce que tu veux le petit, la petite cheminée Oh, ouais, un truc central, je vais essayer d'agrandir un peu la maison, mais le foyer on va le faire au... Oui, toi aussi, dans des grandes maisons en direct. Oh, j'ai trouvé une baguette réchauffée. Ça te va genre là? Ouais, c'est parfait. Pas centré, peut-être que je faudrait le centrer. Ah, c'est nickel. Si, on peut le ramasser. J'ai trouvé une baguette. Nice. Ah, t'en as trouvé? Mais t'es où? Ouais, c'est pareil. Moi, je suis juste dans le petit, l'espèce de ruine qu'on a traversée avant d'atteindre ah, le oui, camp. Il y a plein de trucs okay. à détruire. Du coup, je récupère. C'est bien, c'est bien. Je me fais peut-être un peu trop. Où est-ce qu'on va poser les lits? Je vais commencer à faire des murs. Ah, c'est un os. Attends, je pose où les lits? Je vais agrandir un petit peu pour faire un peu plus de place, mais où tu veux, vas-y. Je vais agrandir ici. Comme ça, tu pourras les poser là. Ah, c'est la recette, pardon. Ah. Voilà, ça sera assez grand. Ah oui, les crochets pour pouvoir... Alors, éloigne-toi, rapproche-toi. On n'a pas des chambres individuelles, hein, j'espère que ça vous va. Oh, oh là là. Vous ronflez ou... Parce que bon... Ah mais attends, ah, le bâton c'est un truc... Attends, j'ai envie d'essayer quand même ça. Ah ouais, sympa. Que je peux tout prendre. Sinon on peut tous être des sorciers. Le coffre. Tout prendre. Groupe de sorciers. Ouais, on va sortir l'école de magie. Ok. Où est-ce qu'on peut mettre le petit alors, coffre? Alors du coup justement avec la manette je vais voir ce que ça donne. J'ai pas de munitions. Tom. Merde. Avec son bâton. J'ai pas de munitions dans mon bâton, il est pas chargé. Ollivander, enfoiré. Il m'a vendu un bâton vide. Ah oui, tu peux vraiment construire comme tu le souhaites. Ok, le système de construction dans ce jeu donne d'énormes possibilités. Ouais, ouais, il est trop cool. Bon bah voilà, c'est pas mal. Oh. Ok. Ça commence à ressembler à un chez soi. En termes de porte, je vais vous faire un petit casse-croûte. C'est gentil. Est-ce que je peux faire des fenêtres? Je peux en faire. Alors une. Les fenêtres sont possibles en effet. T'as posé combien d'emplacements de fenêtres? Là j'en ai mis que deux là. Ok, ici. J'en fabrique deux. Tu nous dis poser les fenêtres. Tiens. Ah oui, je sais. Et voilà, regarde. Porte. C'est pas magnifique cette petite fenêtre. Ah mais là ça y est, j'ai un gain de vie. Oubliez pas de manger si vous avez de la bouffe.
Ah, ok. Ça vous donnera des stats en plus. C'est 20 minutes. Tant qu'on part pas à l'aventure. N'oublie pas de faire un endroit pour une porte aussi. Ouais, justement, parce que moi j'ai pas de porte dans mes suggestions. Toi, comme tu peux faire des fenêtres. Normalement, tu l'as, on l'a tous. Attends. Ah bon ? Attends. Non, je suis en train d'ouvrir un million de trucs. Attends, Alt, Tab. Ok, j'ai déjà envie de faire un escalier. Tab, il faut que tu refasses Alt pour avoir plus de forme. Ah oui, mais non, t'es à la manette. Et ça oui, doit être marqué. Oui. Oui, oui, c'est affiché sur le truc. Hein. Au-dessus de terrain, ça doit être marqué. Sur quoi tu dois appuyer. Et ça te fait ouvrir plein d'autres menus avec des trucs à construire. Oh, trier le stockage, il y a l'option. Ah, j'ai pas remis d'ailleurs le stockage. Attends, je vais mettre. Ah oui ça, y ça y est, on l'a perdu. C'est fini. Game over. Oh, la possibilité c'est fou. Oula, attends, t'as tout mis dedans. Tiens, il y a des flèches hein, dans le coffre. Hein. Hésite pas à les prendre. Il faudrait qu'on recrafte un deuxième coffre. Est-ce que je peux crafter ça, stockage? Il me manque y a des ficelles. Flèches. Est-ce qu'il y a des ficelles? Bon, je vais les prendre. Il y a ça. On va avoir assez. Continuer à farm un petit peu. Ce qu'il nous faudrait, c'est du tissu. Attends, c'est comment on a le tissu? Pas en coupant des arbres. Non, le tissu, c'est trouvé. J'ai cassé des caisses dans les ruines, tout ça, pour en avoir. Ou alors, c'est des. Ça peut être sur les mobs, c'est pas les. Non, les moutons, ils donnent du cuir. À moins que parfois, ils aient des loots différents. Non, c'est par contre, on a. Ah, ouais, on aura un petit jardin d'intérieur. Écoutez. Petit jardin d'intérieur. Ça commence. C'est le choix de design. Oui, et puis là, on va mettre un petit aquarium. On va dire... J'espère que vous n'êtes pas trop grands tous les deux parce que la porte, elle est basse. elle est bien basse. Tu l'as mis à la bonne hauteur ou t'as mis le truc un peu enfoncé dans le sol? Bah, en fait, c'est que on est sur un terrain un peu surélevé, donc. Mais c'est pas mal. Bon, je fais une petite maison de rien du tout. Hein, De toute façon, je pense qu'on verra plus tard. Oula. Parce que là, par exemple, j'ai envie de trouver une maison. Enfin, comment on s'y prête? J'avoue que... Oh, comment ça a l'air bon, ça. Ah ouais, par contre, c'est pas bien construit du tout, mais ok. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notion de poids dans le jeu. Je crois qu'on peut surcharger son inventaire, mais je crois qu'il n'y a pas de notion de poids. Ah, ça j'avoue. Ah, mais comme que... je disais, le jeu il est gentil. Ouais, ça j'avoue que dans les jeux de survie, c'était toujours un truc que je trouve plus chiant qu'autre chose. La gestion du poids. Les limites de poids en fait. À chaque fois, je me dis, ouais. En vrai, à quoi ça sert de le laisser Oui, ici le jeu est vraiment fait pour que t'ailles assez vite là-dessus. Tac, tac, tac. Ok. Alors, stockage, il faut que je fasse 3 ficelles. Ça favorise plutôt la création. Je viens de looter une ch'tite grotte. Une ch'tite grotte ? En tapant des loups. Bon, on aura un petit peu de toi. Hein. Un toit plat, c'est ça ? Utilisation directe, consommable. Ah bon, je peux le bouffer cru ? Oui, je l'ai cassé. Ah non, on va cuisiner ça. Il n'y a qu'une seule manière de manger ces lapins. Eh merde ! Attendez, je fais de la merde. Je veux juste. LT, c'est terminé. Alors, la porte. La porte. Je peux crafter une porte. Ah, vas-y. Ah non, il manque 2 ficelles. La ficelle, c'est un problème. Hein. Est-ce que je peux en faire 2 ficelles Oui. Ouais, bon. Ficelle, j'avoue, ça part vite. J'ai pris de quoi en faire un peu plus, mais je vais essayer d'en récolter un petit peu plus. Faut des buissons, hein, c'est ça? C'est voilà. Des fibres. Ouais. Oui. Ok. Voilà. Ah, cool. C'est quand même assez efficace, que c'est, hein, je dois avouer que... Ah. Merci. Oh, des... Je te sens à l'aise avec la construction. Oh, on peut récolter les flèches qui étaient dans la cible. Putain, tu peux vraiment interagir avec tout ce que tu veux, en fait. En vrai, c'est un Valheim, mais gentil, ça me plaît bien. Je peux pas comparer, mais en effet, le jeu a l'air là-dessus agréable. Oui. Je suis d'accord. Détruis les tentes pour le tissu. Où est-ce qu'il y a des tentes? Ah, les tentes. Vas-y, en moi aussi, je sais. Donc on peut vraiment détruire tout ce qu'on veut? Par exemple, il y a des charrettes, tu peux les détruire? Oui.
Non. Paraît-il que les trucs qui sont construits en jeu sont construits avec les outils qui sont disponibles en jeu, et donc que les devs ont construit des trucs qu'on serait potentiellement tous capables de construire. Ah ouais, non mais d'accord. Ah mais tu peux raser le jeu en fait. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont raser toutes les maps. Ça va être une grande ligne droite. Ah, ah oui, attends, mais je peux vraiment tout détruire. C'est un peu triste, mais... En train de tuer, casser une grosse tente. J'ai vu une grosse bête. Amène-moi vers la grosse bête. Attends, il me reste un HP. J'avoue. Je suis déçue, on avait voté pour que ça soit toi dans mon chat que tu meurs. Oh merde, t'es mort. T'es mort. Il est mort. J'ai bouffé un truc pas net. T'es beaucoup trop heureux de stresser à ça. J'ai bouffé un truc pas net. Mais non, pourquoi je suis mort comme ça? C'est dégueulasse. Mais qui avait pissé sur ce champignon? J'avoue que t'as l'air malade. Je suis intoxiqué, intoxication alimentaire. Ah merde. Mais t'as mangé le champignon sans le cuire? Ah non, c'est la viande. Ah bah... Mais attends, la viande en question, il était marqué consommable immédiatement. Ah oui, tu pouvais, c'est consommable après. Ah oui, en fait, c'est ça, c'est oui, consommable, mais à vos risques et périls. Hein. Viande doit être cuite pour être consommée. Hein. Mais alors pourquoi il me disait consommable directement? Ah, j'ai dû sauter une ligne. Tu pouvais la consommer immédiatement, mais à tes risques et périls. Je pense qu'il y avait cette phrase qui manquait. Tu peux la mettre dans ta bouche. Voilà, ouais, c'est ça. La viande est consommable. Cela dit, la direction décline toute responsabilité en cas de... Tiens, je t'ai trouvé des flèches en silex. Je suis fatigué. Ah, c'est vrai que c'est meilleur quand c'est cuit. Alors, je te mets ça dans le Oula. Premier. Ah, j'aurais pu te défier, attends. Oh. offrir. Faut que je trouve un moyen de rouler. Normalement, et peut-être c'est des... bon, t'as eu les flèches. Hop. Ah, merci. Ah oui, flèches en silex. Ah, j'avais trouvé des flèches en métal. Ah, en silex. Sympa. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Alors, ok, je vais me transformer en gueule, ça y est. Tissus. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, il me manque un peu du tissu, j'aimerais bien avoir l'habit. Je vois que... Tissu, j'en ai masse. Ah ouais, t'as trouvé ça où? J'ai cassé des tentes en haut. Hein. Ah. Tiens, voilà, il y en a 15. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des objectifs que le jeu nous suggère de faire? Ou non, on est vraiment laissé à nous-mêmes haut, et on si, en haut à droite, t'as un truc. Traverser la bande. Ah, c'est ça? Les gars, trouver quoi. Ok. Oui. Trouver le survivant endormi. Ok. Après, la brume, il y en a un peu partout. Il parle de quelle brume? La brume de la ruine qui est juste à côté de nous, ou la brume, un qui est peu en face, là. Il nous donne un objectif en fait, un peu plus... Ah oui, il y a... Tu vois un trait de lumière rouge, c'est ça? Dans la brume? Je crois. Ah, c'est ça, en fait, la régène de vie, c'est quand tu as mangé trois nourritures différentes. Quand tes trois emplacements de nourriture sont remplis, tu régènes ta vie. D'accord. J'ai déjà des pansements. Je crois que j'ai un petit lapin là. Non, vas-y, j'en fais pas. Hop. Ouais, les combats sont très fluides. Je suis d'accord avec vous, chat. Le combat est très agréable. Ah, c'est pour ça que j'ai hâte de voir un donjon. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec vous quand vous allez vous battre à la magie ou à l'arc. Ah oui, tu disais, Crane, tu as du tissu. Je veux faire ça un petit t-shirt. J'ai tout mis dans le coffre. Il y en a 15, donc n'hésitez pas. Merci. Et moi, pour les trois... Qu'est-ce que je peux vouloir? C'est les baies qui régènent la vie. Une fois cuit, peut-être que c'est bien pour la baguette. Plus 2, plus 1 d'intelligence. Ah oui, alors non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas quand les trois emplacements sont faits. En fait, chaque aliment, il faut cliquer dessus et voir l'effet qu'il donne. Par exemple, les baies violettes donnent plus 2 de régénération de santé, les champignons donnent plus 1 d'intelligence. Donc pour les mages, en fait, il faut se bourrer de champignons. D'accord. La viande cuite, ça donne plus 2 de constitution. Enfin ouais, donc en fait, il faut vraiment manger en fonction de ce que tu veux faire, quoi. La viande de loup donne plus 2 et la viande de plus bas de gamme, plus 1, je crois. Un repère ajouté. Ouais, parce que je suis allé dans des ruines. Enfin, juste à côté, là. Ok, ok. Il y a plein de brume. Est-ce qu'on peut automatiser?
Je me demande si je peux automatiser non, la question des champignons. Non, je ne serai pas ton esclave. Tu veux pas me cuire des petites brochettes de champignons? Ah, il y a un Ellie ici aussi. du tissu. Et ben voilà, du tissu, on en a effectivement. Non, je vais pas me coucher. On a des baies, hein, n'hésitez pas. Bon, je suis en train de casser des tentes, donc si vous arrivez ici, vous ne découvrirez pas l'endroit avec plein de tentes. Ok. Et ça fait du tissu. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Oh, il reste encore de la ficelle. Faut que je vois comment faire des toits. Je sais pas quel est l'outil dont j'ai besoin. Tac, je crois que c'est... je m'habitue à la manette. Du coup, on avait dit que c'est X. Ok. Bah, utilise l'objet. C'est le même. Ok. Bonus de dégâts magiques. Ah oui, c'est ce que tu disais. D'accord. Quand tu manges des champignons, t'as des bonus de dégâts magiques. Tu fais les champignons, hein. Ah, ça, ouais, bien. Ouais. Vas-y, on va faire la viande. Ah mince, c'était pas le lit que je voulais casser. D'accord. Ah, il y en a qui me disent dans le chat que c'est, ça change pour quelqu'un du chat. Alors, un vote chat, on sait pas, mais okay. C'est plus sainte constitution. Après, ça dépend de champignon, j'imagine. Bah en fait tu vas dans ton inventaire, tu cliques dessus et puis il va te le dire. Ah, il te dit tu vois l'effet. Donc bon, c'est un truc à savoir, les baies faut les garder parce que la régène de vie clairement Ah oui, plus sainte constitution la viande pour moi. Plus 15. Ah oui, en recherche en endurance le miel. Et si j'en bouffe une direct? D'accord. Non, ça change rien. Par contre, ça sert à rien de manger deux trucs le même d'affilée, ça prolonge pas l'effet. Et ça ne le remet même pas à zéro, donc ça sert vraiment à rien. Quoi. Ah, ça ne remet pas à zéro. Non, faut vraiment attendre que l'effet soit fini et puis après tu remanges quoi. Je vais pas trop avancer sans vous. Je vais juste ramasser 2-3 trucs. On va pas peut-être partir à l'aventure là. On va essayer d'explorer ensemble. Ah ouais, moi voilà, je suis chaud là. On peut partir. T'es chaud? Ouais. Allez, t'as vas-y. Fini ton toit ou pas? Non, j'ai pas fini mon toit, je vais justement regarder. En fait, je savais pas ce qui me manquait pour le toit. Il me manque. Attends, je reviens au camp, je cuis mes champignons. Des fibres de plantes. Ah, voilà. Merci, Unalf. Je pense que c'est les fibres de plantes, faut que je ramasse. Nice. Les fibres, c'est les petits arbustes. C'est ce qui permet de faire la ficelle. Ok. J'en ai sur moi, donc je vais t'en apporter si tu veux. Ouais, je veux bien que tu m'en donnes. Ouais, moi là, si vous êtes chaud, on peut partir explorer. Bon, on va partir explorer, c'est pas grave, si le toit est pas fini. On le finira après. Je hein. vide mon inventaire. Ouais. Offrir, est-ce que t'es... Ouais, non, t'es trop loin, Mav, j'ai encore des flèches pour toi. De l'autre côté... Ouais, c'est ça, je lis à ma manière. Et si je loupe une information, et ben, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Bah c'est à ça que ça sert d'avoir un chat. Quelqu'un crafter des pantalons usés faute. Apparemment dans le... Attends, j'ai quoi moi? Non, c'est celui qu'on avait sur nous. Ah, ok. Je m'en suis fait plus un autre. Plus tu explores, plus tu vois de choses, plus tu débloques du coup de craft. En fonction de ce que tu trouves. Ouais. Ça, je vais cuire ça. Oh, il y a un lit. Ah, mais c'est ici le machin. Trop cool. Oui, c'était vraiment très près du camp en fait. Oh là là. Je sais pas. En plus la musique qui qui rend tout hyper sombre. Ne pas cramer les champignons. Bon. Ah t'es au camp, j'arrive quand même. Oui, y a des trucs bizarres. Voilà, vraiment, je descends pas tout seul là-dedans. Ah bah on y retournera ensemble. Je finis de cuire et après je suis ready. Ah, hop. J'approuve l'idée, je vais faire ça aussi. Est-ce qu'on peut cuire à deux en même temps? Oui. Fibre de plante. Un champignon ici, la baguette là. Je veux bien si jamais craigne les fibres de plante. Yes. Et pareil, si Maf, tu as des fibres de plantes avec toi? Bon, je vais tout te toucher. Des fibres de plantes. Ouais. Non, j'ai déjà tout fait en. J'ai déposé pas mal dans le coffre en plus. Ah bon? Il y en avait? Je viens de t'en mettre 28.
Alors, étonnamment, attends, je n'en avais... des choses que j'ai... Dans le premier coffre à droite, on a 28, logiquement. D'accord. Ah oui. Mettre le bâton, hop. Si j'en ai pas besoin. Hop. Ok. Encore les raccourcis, voilà. Manette, vous inquiétez pas de chat. Je les trouverai progressivement. T'as voulu jouer manette. Et on va manger et boire. Hop. Ah, attends. Ah oui, boire, truc. C'est vrai, j'oublie moi. Attends, mais ça fait quoi de boire du coup? Ouais, j'ai un peu de mal à savoir ce que ça fait attends, de manger. Attends, bah en fait, il suffit de regarder. Plus 1 résistance, plus 2 recharges en endurance. Ah. Ah, bah c'est bien l'eau en fait. Oui. L'eau, c'est pas mal. C'est utile, hein, franchement. Non, j'essayerai. Okay, donc les baies, ça dure 2 secondes. Ok. Ouais, les baies, ça dure pas longtemps. Ready, ready. C'est qu'elle laisse un bout de toit là en plein milieu. Faut les manger régulièrement, les baies. Ah oui, merde, j'avais déjà 3 effets actifs. Du coup, je peux pas manger les baies, ça se rajoute pas. Ah ouais, faut vraiment gérer la bouffe. Hein. Ah, c'est pour ça, là, je suis en champignon plus eau. Et si besoin, je peux prendre une baie. Ouais, ouais, moi j'ai fait le kéké, je suis en champignon alors que j'ai rien. Attends, il est. Elle est là-bas, la petite crypte. C'est RT. Alors attendez 2 secondes, je vous avoue, dans 2 secondes. C'est des tout petits trucs ici, il y en a une ici, bah, il y a peut-être celle que dans la brume que vous avez déjà fait. J'ai du mal à faire le toit. Ah, oui. Elle est là-haut, je pense. Alors, oh, peut-être... la bannière. Là où peut-être que clavier souris, peut-être un peu mieux, mais. Ça va pas donner de position. Terrible. Par contre, il y a de la ferraille. À mon avis, la ferraille, ça va vite devenir intéressant. Ah bah. Ouais, j'ai un peu de mal. Potion. Fais voir les sorts. Mais c'est quoi les munitions que t'as dans tes sorts? Ah là, comme ça. Et c'est infini, c'est plutôt cool. Ah bon? Moi, j'avais trouvé un bâton et il était marqué « manque des munitions ». Ah bon? Ah bon? Mais, j'ai pas compris. Non, qu'est-ce qu'il y a marqué? Comment ça, des munitions? Cette baguette a une chance d'amplifier les dégâts qu'elle inflige. Les attaques infligent des dégâts bonus jusqu'au pourcentage de surcharge. Non, il n'y a pas de plus 1 régénération de mana. Non, rien de spécial. Après, c'est peut-être le bâton. Là, c'est la baguette. Donc... peut-être. Ou alors, j'ai pas sélectionné quand le bon truc. Quand tu fais du transfert en pas. Caisse, regarde les commandes en bas à 3 de mage plus R, ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Infected running. Ah, mais attends, du coup, quand tu lootes un coffre. J'espère qu'il y a. Est-ce qu'il y a des dégâts qui apparaissent quand tu tapes le coffre? Oui. Donc c'est que ça, ouais. Alors le toit, il est construit dans le vide. Ah bah attends, ça fait du fer. Très très solide ce coffre. Là, c'est la hache de bûcheronnage. Alors, et ça donne... Non, ça donne juste des bûches. Ah, c'est pas ma faute. Même pas un petit peu de ferraille. Il est écrit. Ah ouais. Triste. Ah ouais. Ils ont pensé à tout. Oui, le bâton, faut des munitions, mais la baguette, c'est infini. Ok. Et les baguettes ont pas de sorts, mais les bâtons peuvent utiliser des sorts que tu looteras dans des coffres et des mobs. Ok, ok. Bon, nous spoiler pas trop non plus, mais... Ok. Oh, tous ces bannes qui tombent, c'est délicieux. Alors, ce toit pressé, hein. Mais en fait, je galère un peu parce que je suis manette, mais ils ont pensé à tout parce que justement j'arrivais pas à atteindre le plafond. Mais ils ont pensé en manette à faire en sorte justement de gérer la hauteur ou. Enfin, la construction, tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Oui, mais ça, c'est un truc du jeu. La hauteur, justement, c'est normal que tu sois limité. Ils ont fait aussi des échafaudages à crafter pour te permettre d'aller plus haut et de crafter un peu plus haut, etc. Ok, du coup, je ressens le besoin, en effet, d'un échafaudage. Là, ce que tu pourrais faire, à la limite, s'il te reste du bois, tu craftes un escalier, un petit sol, et tu montes dessus juste le temps de faire le toit. Ouais. Tu peux pas le poser, là ? Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il va falloir. Sur les rebords, elle peut, tout en haut, je pense que c'est trop haut. Merci Madou. Je même peux si un sautes. Peu, mais il faut que je vise bien. C'est juste, j'avoue que je galère un chouïa. Mais ça se fait, ça se fait. Normalement, quand ce sera fermé, on aura un bonus de... De chair, de confort. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tac. Et du coup, le bâton, je vais le garder, mais... Oh, le coucher de soleil. Ouais, c'est ça, j'ai rien looté pour l'utiliser en fait. Ah oui, échafaudage. Échafaudage. Ah, j'avoue que l'échafaudage, je suis chaude si quelqu'un... De toute façon, on manque de ficelle. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Hein. Ouais, on verra ça après.
Ouais, je peux le faire si tu veux l'échafaudage. Tu veux un échafaudage ou pas? Bah après, parce que de toute manière, j'ai plus de brindilles pour faire le toit, donc... Piquez tous une fois sur l'établi pour réparer votre stuff. Ah attends, on va faire dodo déjà, on va peut-être pas aller explorer la nuit. Ah ouais, bonne idée. Ok. Allez. Dodo. Je vous préviens, je me suis enfilé une platée de champignons avant de me coucher. Attends, faut peut-être rester un peu plus longtemps à allonger, ça, il fait pas encore jour. Ah. Okay. On m'avait dit que c'était un stand quand c'était trois lits, mais on m'a menti. Ah si, tout le monde qui se tourne. Quand vous positionnez en mode relax. Là, c'est bon là. J'ai un doute sur notre humanité maintenant qu'on prend tous exactement la même position pour dormir. Mais là, je crois que c'est bon hein, en fait. Ouais, ouais. C'est bon, regarde, c'est l'aube. Niveau 6, niveau 5. En fait, il y a un différent niveau de confort. Amusant. Yep. Je ferme la porte, je suis prête pour l'aventure. Alors, c'était bon, là-bas. Le point, On y va. On va essayer de voir un peu. Embrumé. Est-ce que ça donne des bonus le repos? C'est surtout parce que c'est bien de... Bon, même si on va être dans une grotte, mais c'est vrai d'être deux jours, c'est peut-être un peu mieux. Il y a des trucs pas nets. Faites gaffe, il y a des choses, hein. Je sais vraiment pas ce que ça fait d'exploser des... Oh, mince! Je peux bloquer, hein. Ouais, je peux bloquer. Ok. Alors, regardez bien partout, il y a des trucs à ramasser. Ok. Ah bon? Y a la porte. Ça se casse pas ou quoi ça? Y a la porte colon qui me regarde. Oh putain, heureusement que je joue avec vous. Je serais passé à côté. Je serais passé à côté de la porte. Je l'avais pas vu. Ah. J'ai trouvé des pansements. Un tissu déchiré. Ah ouais, je démolis des livres anciens. Ouais, ouais, les loots, y a vraiment beaucoup de trucs. Hein. Ah ouais. Pas quoi trop quoi servent les livres. Bah là-dedans qu'il y a des sorts ou des recettes. Peut-être de la déco. Ouais, c'est là, tu devrais manger. Tu veux une potion? Tu perds de la vie? Ah oui, attends. Faut que je mette... T'as pas un pansement ou quelque chose pour aller mieux? Oui, ou j'ai... prendre une petite baie ou il y en avait dans le coffre. J'ai. Hop là. Et n'oubliez également... pas qu'il vous reste 3 minutes de survie hein, si jamais. Ah oui, c'est vrai que... Bon, c'est bon, on a clean le truc, hein. C'était pas très grand finalement. Oui, oui, c'était un petit truc de départ. Hein. Je vais recliquer sur l'établi histoire de. Ah, du coup, ça ma barre de vie a augmenté grâce à la viande que j'ai mangée. Ah, c'est ouais. Cool. Oui, oui, la nourriture, t'as vraiment tout un système là-dessus. C'est pas une question de survie la nourriture, mais c'est vraiment une question de buff, quoi. Oui, oui. C'est sympa. La nourriture, c'est une histoire de bœuf. J'ai mal pensé le toit. Ah oui, je vais essayer de trouver de quoi faire de la ficelle encore, parce que ça, on en manque tout le temps. Alors, ah, LB. J'ai de quoi faire le grappin, mais il me manque de la ficelle. Je vais essayer de monter ou... Ça me dit, on va se faire la première quête pour voir. Traverser la brume? Ouais. Attends, non, trouver le... Ça, c'est la fin, traverser la brume, non, je sais plus. Trouver le survivant du coup, endormi. C'est quoi la quête Oui, voilà ouais, ça. Oui, bah, attends, il suffit de regarder. Traverser la brume, ouais. Alors, l'objectif dit « Le monde est perdu, mais pas stérile. Ceux qui ont survécu à la brume attendent d'être réveillés par votre feu intérieur. Trouvez le survivant endormi indiqué sur votre carte. Vous devrez vous aventurer dans la brume. Okay. » Ah, merci. Ouais, sur ta... En haut, sur ton, sur ta boussole, tu vois, t'as un point d'exclamation. Ah oui, le point d'exclamation. Okay. Ah bah oui, bah bon, voilà. Allons-y, ouais. Allons, donc on allons le voit en haut. En haut de l'écran, en fait, on voit la direction. On y va? Ok. Oui, deux secondes, je suis fini. On remet un petit bout de temps. Oui, on y va. Il faut que je finisse ça. Attends, une petite seconde, on va partir. Je suis prêt. Un truc bizarre sur le toit, là, non? Ouais, j'ai un peu de... On va avoir fait 50 mètres, elle va faire demi-tour. Réussi. Attendez, j'ai oublié mes clés. Ouais, ça va le faire. Hop. Yeah. Hop, désolé. Alors, deux secondes. Je suis à vous. Tac. Lui, voilà. Hop. Ah oui, juste alors... Juste le toit là qui dépasse, faut le couper. Il y a un arbre de compétences, garde forestier. D'ailleurs.
quand ah, il manque ah, un ah mais oui, l'arbre de compétences. Ah oui, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi ça. Est-ce que alors, j'ai pas pris de level? Non, j'ai pas pris de level. Pour l'instant, j'ai mis qu'un point dans maçon. Voilà. Ah, il faut un peu plus. Voilà, l'arbre de compétences, il y a tellement de trucs. Barbare, oh, guerrier, athlète, survivant. Oh, c'est vrai. Oh, maître cool, de la bête. Maître de la bête. Tu peux être healer aussi. Moi, ça me tente bien, healer, mais je sais pas où ça. Ouais, c'est spécialiste contre les animaux, je crois. Ok. Il faut respect. J'ai mis un point, je veux déjà respect. Ok. Ah ouais, il y a plein de trucs. Il y a moyen de nous protéger de certains animaux qui sont censés nous agresser si tu as certaines capacités de maître des bêtes. Ok. Oh la vache. La je suis à vous, hein. Je suis à vous. Je suis à vous. Ouais, l'arbre de compétence, il est venu, hein. Ça y est. Alors, ça me va pas, c'est pas assez grand. Faut que je fasse un truc plus grand. Voilà. Et j'ai passé de bandit. Ok, bah le toit est presque fini. Après, il faudra juste faire le carré du ciel. Voilà. C'est bon. Nice, nice. Hein. C'est et bon. Un peu magique au milieu, ça fera la évaporer maison. La pluie, c'est bon. Mais tout est fini. Voilà. Ah, c'est beau, hein. C'est... Ah, on va être confort, hein. Ouais, confort. Ah, bon, oh, regardez pas, levez pas les yeux. Hein. Ouais, enfin, s'il y a pas de pluie, hein. On va être confort, quoi. La tête, non, non, c'est bon. Celui, ah mince, j'ai le plus à droite. La personne la plus à gauche est safe. Okay, on est go. Ah tiens, il nous donne on quoi le bonus reposé? J'avoue que je sais pas trop. J'ai pas de bonus d'eau. On va boire un petit coup. Reposer. Détail du statut. Ah tiens, il dit pas. Endurance et régénération maximum augmentée. Ça doit être ça le repos, 4 minutes 44. Ah oui, c'est ça. Endurance augmentée, machin. Ok. Ouais, pour l'eau, ouais. Ok. Donc, bah, c'est par là. Go 100 mètres. On court tous, mais dans 2 secondes, on appuie dans du, hein. Vas-y, arrête de courir parce que j'ai déjà plu. Eh ben alors, on crache ses poumons, le mage. C'est pas ma spécialité. Ah, oh, trop beau. Ah oui, je me souviens de cette zone pendant la bêta. Alors, ceci dit, il va peut-être nous manquer quelque chose. Ah. Parce qu'on n'a pas crafté les grappins. Ah non, mais on je pouvait? Pense que le grappin te permet de passer le pont sans passer dans la brume. Du coup, nous, on va passer la brume et comme des guerriers que nous sommes. Tu peux vraiment tout ramasser, quoi. C'est... Là, ouais. Il y avait des tentes ici, Pressea. Il y avait plein de tentes, c'était assez classe. Et du coup, t'as tout détruit. C'est super. Ça. C'est ça. Ok. Bon. Cabane ici. Donc là, il faut qu'on traverse et on peut pas trop rester longtemps. Ah oui. Ah oui, par contre, il y a... Oui, d'accord. Oui, en effet, d'où l'intérêt d'avoir un grappin. Est-ce que c'est faisable dès maintenant, le grappin? Il faut farmer plein de mobs, quand même, donc... Je pense qu'ils veulent que dans un premier temps, t'ailles dans la brume, là, que tu tues plein de mobs, et voilà. D'accord. Il faut de la ficelle aussi. La ficelle, on en manque vraiment tout le temps. Alors, je sais pas si ça marche vraiment, mais sans faire exprès, j'avais Décoroco sur mon serveur solo et ça avait fait repop les arbres. Donc, la fille. Ah! Justement, je me demandais comment on revenait, si les arbres revenaient ou pas. Ah oui, meuf, ce gros champignon. T'as eu quoi? T'as eu un champignon? Ok, on est embrumé, on a 5 minutes, il faut qu'on traverse. Ok, c'est parti. Restez sur le chemin, ok. C'est quoi ça? De la brume liquide. Ah, il y a une petite... T'es où? On a perdu Maf. Je suis tombé dans le trou. Il est pas... Ah mais... Il y a des mobs là. C'est bon, t'es la Maf. Ok. La brume liquide. Ok, j'arrive. Et là et après, c'est A qui passe en mode berserk. Ah ouais. Oh là là. Il y a un anneau. Oh, trop bien. Fais gaffe, Crane. Les anneaux, c'est jamais bon. Mais il est tout seul, celui-là. Cette capsule saluée remplit votre temps dans la bombe maximale. Comment on équipe personnage. Oh, venez ici, ah c'est pour restaurer votre temps pour traverser. Quoi? Ah, mais je l'ai pris pour moi, je sais pas. Vous l'avez aussi Ah oui, c'est remonté.
Ça a été valable pour toute l'équipe. Oui. Nice. Ah, c'est valable pour toute l'équipe. Ok, nickel. Mais bon, on peut traverser. Il doit y avoir des trucs là-dedans. Rapide. Ah ouais, faut peut-être pas hésiter à aller de droite à gauche, mais. Hop. Bon, et la petite lumière, tu la vois la petite lumière qui nous indique où aller ou pas pressé hein? Ouais, je vois surtout le point d'exclamation, c'est ça ou non, tu parles d'une autre lumière? Ah non, il y avait une petite luciole qui avançait avec nous et qui nous disait bah faut monter. Ah non, ah ouais, j'ai pas vu. J'imagine que c'est par là. J'espère. On voit ouais, que là. Dalle. C'est là, c'est là. Ah oui, d'accord. Ah, on peut grimper là? Oh oui. Putain, je me demande, ouais, on me demande dans le chat comment est gérée la difficulté du jeu. Parce que c'est vrai que à aucun moment j'ai dit qu'est-ce que je voulais comme difficulté. Donc peut-être que ça doit être en fonction du nombre de joueurs. Je sais pas. Du lore. À tous ceux qui ont posé les yeux sur mon merveilleux. Non, laissez. Oui, de la ficelle! <rire> 250 mètres. Ok. Alors le jeu consiste, c'est un jeu de survie. Un jeu de survie qui te force vraiment à explorer les environs. Donc tu peux construire ce que tu veux. Le mode construction est très varié et très... comment dire intuitif. Très intuitif. Et si tu as une âme de constructeur, sache que tu peux absolument... tout faire de ce que j'ai cru voir du peu que j'y construis. Et on a quelques petits objectifs, il semblerait que ça soit un peu un soul-like. On n'a pas encore vu de boss. Ouais, action RPG ils disent donc. Action RPG, donc hâte de voir des mobs un peu plus... Il n'y a pas de roulade donc on sait pas. Si, il y a une roulade. Ouais, voilà. Ouais, sur contrôle. Attends mais moi alors attends. Ah oui. Moi ça serait quoi la roulade? Tu peux bloquer, tu bloques avec clic droit, roulade avec contrôle. C'est bon, j'ai. Trop bien, trop bien. Alors, je sais pas si elle te rend invincible, par contre. Oui, s'il y a des iframes. Je sais pas si t'es intouchable. Voilà, je pense qu'on a, dit l'essentiel du jeu, en réalité. Par contre, c'est par là. Mais c'est action qu'on doit RPG, construction, survie. Ouais, là, il y a un petit passage. La route est bloquée. Un grappin est nécessaire, du coup. Oh non. Ah non, tu veux la le fameux grappin. Et ça, tu sais comment on peut avoir le grappin? Ah, s'il y a des dégâts, donc on peut détruire ça. Ah, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités d'avancer dans le jeu. Ça, je trouve ça tellement cool. Tu peux vraiment interagir avec n'importe quoi. Tu vois un truc dans le décor, tu peux le détruire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment trop cool. Bref, je me demande si la porte, on peut vraiment la détruire. Ah, si, on peut. Oui. Si, tu peux tout péter. Il y a des gens, ils ont l'air énervés. Ils sont pas pareils. Ah, oui. Pas pareils, ils sont pas foutus comme les autres. Excusez-moi, je lis. Pardon. Oh, il y a un arc magique. La culture avant tout. À quoi? Un arc magique, enfin il était bleu. Oula, il est violet lui. Ah oui. Attends, je vais sortir les flèches en silex. Non, contrôle. Paf. Ah d'accord. J'ai touché, j'ai participé, j'ai droit à prendre son truc. Ah attends, il y a ça, et il y a la foudre du berger qui a un bâton. Bah je prends le bâton si ça vous dérange pas. Ah bah vas-y. Bah prends l'arc. Non, attends, je crois que j'ai fait tout prendre, je vais te donner l'arc. Un sac à dos, il est là, offrir. Ok. Et oui, et du coup, le jeu est bien parce qu'en effet, comme vous avez pu l'entendre de mes camarades, on peut tout détruire. La tente, donc si je comprends bien, je peux la détruire. Tout. Ouais. Tout. On peut tout détruire. Tout l'univers. Et regarde, c'est même encore pire que ça, viens voir. Ah, j'ai pas... Oui. T'es où? Ici. J'aime quand même beaucoup le principe cassé de... Le mur y a en un bois. Message du jeu carrément qui dit faut un grappin. Oh là, attends, je me fais tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu peux faire... Oh, mais tu peux creuser ouais. Oh, on va faire une galerie, on va les s'enterrer dedans et on en sortira quand toutes ces histoires de brume seront de l'histoire ancienne. Mais Crème qui se fait tirer par qui? Attends, Guillaume. Le... Hein mais... Attends, j'ai mis de la régène. Il y a un truc qui m'a tiré dessus quelque part. Attends, il est où? Peut-être quelqu'un qui est en haut. Attends, il est là. Ouais, t'es bloqué, un grappin est nécessaire pour traverser. Ah oui, il faut le grappin. Oui, mais ça m'a fait beaucoup rire, c'est bloqué, mais on... Il y a un message du jeu carrément et... On est passé quand même. Oula. Je l'ai fait tomber. Mais attends, je redescends. Moi, je l'ai bloqué là. Et ben voilà. Prendre un petit pansement. Utiliser l'objet. Ah mais j'ai très envie. Non mais attends. Non, c'est pas possible que le jeu ait pensé. Oh, mais vous pensez qu'on peut faire vraiment une galerie? Oui, mais attendez. Tu peux. Sure, oui.
C'est sûr. Attends, mais alors... Non, je te jure, tu peux creuser. J'ai des idées. Mais je vous jure, je vais refaire Kazakh Doom. Hein. On peut faire une on peut faire une douve autour de la base. J'ai pas fait de pioche encore, moi, dans... Attendez, je vais peut-être crafter une pioche. Pioche en pierre, il me faudrait... Vous avez de la ficelle sur vous? Non, sur moi... Il n'y a plus de ficelle. Non, j'en ai un petit peu. T'en faut combien? Une seule, c'est juste une seule. Une seule, je peux. Alors, moi, je veux bien que tu me le donnes. Tu sais comment donner... Attends, j'en ai aussi, si tu veux. C'est bon, c'est bon. Offrir, presser... Ah, trop loin. Trop loin, pas de ficelle. Non, je suis là. T'es là? Ah, là, il faut fermer le menu d'ailleurs. Là, je suis là. Hop, hop. Là, ah non, j'ai donné. Si, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Là, ta ficelle. Ah, mais on peut en fabriquer des ficelles avec des fibres de plantes si jamais. Ok, mais j'avais pas vu. C'est ce qu'on fait tout à l'heure. Oui, j'avais pas entendu, désolé. J'ai utilisé les fibres de plantes pour autre chose. Le saviez-vous, il y a deux façons d'entrer dans une tente. Ah, voilà. Alors. Entrer dans quoi? Dans une tente. Oui, alors. Je vois pas de tente. Hé, attends. Regardez les... Là, il y a du silex, je crois. Ouais, pierre de silex. Oui, du silex. Un gros filon de silex. Oh ouais. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est trop bien. Bah, fabriquer des flèches en silex. C'est sûr. Peut-être des outils. Ouais, sûrement. Oh, puis le bruit. Ah, tout en terraforming, par contre, un mince. Attends. Dans le... Ah, non, oui, j'avoue, ouais. Le bruit... le bruit de l'ASMR. Qui résonne. Hein. Non. Mince. Non, là on est ensemble. Attends, je veux en décaler. Vas-y. Tellement... Ah non, l'arrêter. Bon, tant pis. J'ai pas entendu, pardon. Non, c'est pas grave, j'étais dans mon délire. Le bruit, il était joli quand on faisait à deux. Ah oui. Ça fait quoi, le miel? C'est en canon. La dose de sucre qui est réduite. Qui suit recharge l'endurance. Ah, nice. Attends, mais j'ai vraiment envie de faire un rad avant. Il y a la petite barre qui monte. Ok, j'ai envie de traverser une montagne entière comme ça. Allez, on viendra rechercher Pressea à 4h du matin. Faudra crafter plusieurs outils par contre, hein, parce que... Ou alors... Ouais, parce que c'est très vite. Hein. Est-ce qu'on peut claim... Attends, je veux juste voir un truc. V, si je fais artisanat hôtel, fabriqué, j'en ai fabriqué un. Et si je fais ça... Tac. Ah oui. Si je veux, je peux le poser à un hôtel ici, ça devient chez nous. Et du coup, tu peux faire un établi, réparer ton outil et creuser. Et creuser, okay. Et du coup, je traverse la montagne. Super. Et ouais, c'est possible. Et du coup, ça veut dire qu'on peut vraiment construire des camps où on veut. Oui. En fait, tu peux habiter toute la... Tu peux habiter partout. On peut faire des maisons partout. Ah, et d'autres ruines ici. Mais là, j'ai très envie de trouver. Moi, j'ai envie de me. Alors, on m'a dit que peut-être que ça pouvait se re-terraformer. Et que malheureusement, même si tu fais peut-être un. Tu creuses dans la montagne, peut-être que ça peut se détruire, tu vois. Des éboulements. Enfin, que ça peut... Si tu reviens, ça peut se. Enfin, non, c'est pas que ça. Je m'exprime très mal, désolé. Mais en gros, si tu quittes ta session et que tu reviens, peut-être que ça a pu, comme les arbres qui repop. Se reboucher. Ça peut re-terraformer, en fait. Peut-être. Ah. Faudrait tester, en fait. Parce que vraiment, là, j'ai tellement une idée de casser une montagne et en faire une maison à l'intérieur, tu vois, enfin... une maison troglodyte. Ouais, une maison troglodyte, ouais. Ça serait fou. Mais faut qu'on teste, faudrait qu'on teste. Il y a vraiment un énorme filon de silex, hein. Normalement, si c'est creusé dans ta base, ça ne réapparaît pas. Ah, c'est cool. C'est une bonne nouvelle, alors. C'est une bonne nouvelle, si c'est ça, en vrai. Je vous attends pour la suite, il y a l'air d'y avoir un endroit cool. J'avais besoin de muscler un petit peu les bras. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Un champignon. Du lore. On peut pas le détruire. Il est où notre camarade? Il est là-bas. Tac. Oui, du coup, Crane, tu sais comment on fait pour avoir un grappin? Tu vas regarder dans artisanat. Ah, mais tu l'as déjà et... Non, je l'ai pas crafté encore. Il apparaît sur l'établi. J'ai pas l'impression qu'on puisse voir la recette. D'accord. C'est pas très dur à crafter, hein. C'est juste qu'il faut tuer les mobs. Les mobs chelous là. D'accord. Et tu peux aussi crafter un deltaplane. Ramassez bien tous les buissons, vu que c'est là-dedans qu'on peut faire la ficelle. Les booléens donc disparaissent quand tu quittes la partie. Ok. Je m'y connais pas trop, mais.
Je sais pas ce que c'est que le terme boléen. Boléen. Ouais, on me dit qu'il y a quelqu'un qui joue dans l'industrie du jeu vidéo. Et justement, la question de savoir si est-ce que si tu creuses dans la montagne, ça peut rester ou pas. Et quelqu'un me dit qu'il y a un système de boléen. Et je sais pas ce que c'est. Ok, je sais pas non plus. Je lui fais confiance. Et quoi, pour dire que ça réapparaît ou que ça réapparaît pas? Alors, en gros, il dit, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo et à mon avis, ça utilise un système de boléens pour enlever le terrain. Les boléens doivent donc disparaître quand tu quittes la partie. Voilà. Ça, c'est quelque chose quand je suis entré. J'ai l'impression qu'il y a un TP. Un objet qui enlève la matière dans un autre objet. Ok. Attends, t'es rentré, par où, Craig ? On va attendre. L'entrée. On est pas loin. J'ai une entrée énorme. Tu ne peux pas la louper. Alors, tu me connais pas encore bien. Merde, j'ai cliqué dessus, pardon. Vas-y, j'arrive. Il ne peut pas la louper. Oh. Challenge accepted. Attends, j'ai envie de casser ça. Ok, let's go. C'est bon, j'ai une potion. J'ai potion de quoi? J'ai eu de l'eau. C'est juste de l'eau. Ah, c'était juste de l'eau. D'accord, ok. Et j'ai eu du sel. Ah bah parfait. Oh, il y a un truc violet, c'est quoi? Peut-être qu'on va pouvoir cuisiner des trucs et tout. Ramasser, hein. Oh, il y a de la farine violette. De la cire. Ah, une potion de mana. Ah, c'est plutôt pour toi. Attends, je te la donne. Ouais. Bah, ouais, j'utilise pas de sort, mais après pour le bâton, si, pourquoi pas. Ouais, vas-y, je te la donne quand même. Hop. Je monte. Merci. Bon, c'est notre premier donjon alors, ou c'est juste un endroit à visiter? Ah là, on peut pas casser par contre. Attends. Ah si, on peut casser, c'est bon. Certaines portes sont verrouillées mais peuvent être ouvertes si vous trouvez appuyé sur le bon bouton. Bah j'appuie sur le bouton, ça ouvre la porte. Et c'est un flécheux qui arrive. Oh la vue. Oh la vue, trop cool. Et ça, je peux casser. Ça fait des dégâts. Ah ouais. Ah bon. Moi c'était... Ah c'est pas là. Là quand même. De la pierre seulement. Une masse magistrale. Ah, alors bon. Si vous pouvez me la laisser. J'avoue que une petite masse là. Si on peut pas louer. Tu l'as pris? Ouais, j'ai pris la grosse masse. Je l'ai. On va mettre ça là. Alors, je vais faire du dégât. Est-ce qu'on peut claim le terrain ici, me demande-t-on? Bah je vais essayer juste pour voir. Alt. Oh, j'ai trouvé de la farine d'os. Non, impossible de construire ici. Non, tu peux pas claim le donjon. Ah, faut pas exagérer. Ça aurait pu. Hein. Attends, c'est quoi ça? Il y a de l'air d'avoir des portes. Mais je pense qu'il faut le grappin. Je pense qu'il faut vraiment le grappin pour certaines le coup. Certaines portes sont verrouillées, mais peuvent être ouvertes. Il y a une porte qui est dans les hauteurs, mais on peut pas l'atteindre. Tu disais, Matt, pardon? Peut-être vraiment bloqué parce qu'on n'a pas de grappin. Certaines portes sont verrouillées, mais peuvent être ouvertes si vous trouvez et appuyez sur le bon bouton. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre en fait en haut. Attends, mais il y a un truc en haut là. On peut encore monter? Maintenant, c'est d'où on vient, ça. C'est pour partir. Ah oui. Bonsoir, je n'ai pas de sens de l'orientation. Mon dieu, l'équipe de m'agacer. En vrai... Ça veut dire que crafter son grappin, c'est assez important à faire dans le jeu. Ouais, faut le faire. Je vais essayer de voir si je peux faire un établi là. Comme ça, on peut continuer quand même sans revenir... au camp. Ouais, faudrait s'installer ici. Ouais, mais on va être bloqué, il faut les mobs. Ouais. Il faut 10 mobs chacun. 10 mobs chacun? Attends, j'en ai sur moi. Il faut des spores de brume. Il faut 10 spores de brume, c'est le truc un peu relou. Et des ficelles. Spores de brume. Ah ouais, ok, c'est ce qu'on a en tuant les mobs, effectivement. Ouais. Bon, bah alors allons-y, allons tuer des allons mobs. Allons dans la brume, hein, ouais, ouais. Ouais, on peut retourner dans la brume tuer des mobs, hein. Je fabrique quand même un établi ici. Bon, je pense pas parce qu'il y a pas. Alors attendez, par contre le fameux survivant endormi, on n'est pas loin. Hein. On peut aller voir. Bon, ouais, vas-y, go. On trouvera bien des mobs sur le chemin. Le truc est cassé. Est-ce qu'on peut sauter ici? Ouais, vous pouvez y aller. Je viens d'essayer. Ah oui, les dégâts de chute. Ouais, il y en a. Un petit peu mal. Ouais, il y a des dégâts de chute. Il y a une grotte. Non, c'est pas une grotte, pas du tout. Je vais explorer pour vous. Il y a des genoux tellement solides, maf. Vous êtes où? Ça va, maf? Ça passe. Il est tombé. Ah. Je suis pas tombé, je teste la hauteur. Oui, alors il teste la hauteur de chute.
Et tes genoux ont tenu cette fois-ci ou aussi ou pas? Disons que mes genoux ont fusionné avec mes chevilles, mais tout va bien. Il marche à quatre pattes. Moi, je suis morte, par exemple. Merde. Il y a moyen qu'il grimpe vers moi ou pas? Escalader, je crois qu'on peut pas. Ah, on peut pas escalader? Je crois pas. Attends, il y a une solution. Il y a une solution. Cette solution s'appelle « Je vais creuser pour descendre ». Oh, il y a du monde! Ah oui. Oula. Ok. Dites-moi, sinon je vais... Ah non, ça marche trop bien, ça marche trop bien. Ah, ça marche trop bien? Oui. Ah, nickel. Bah, regardez le Crane, le nain, qui vient vers moi. Le sauveur. Ça mine dur, hein. Non, je suis fatigué. J'avoue, je suis... Je vais boire un petit peu d'eau. On va boire un petit peu d'eau. Oh merde, je me fais attaquer par des moustiques. C'est mes RTT, j'arrête de creuser. En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand on est mort, on n'est pas obligé de revenir immédiatement. On va peut-être sauter sur toi là, mais je me dis qu'on va éviter un accident. Oui. Par contre, j'ai fait un chemin unique, hein, je peux pas remonter. Hein. Bah, maf, comme il peut pas remonter, je pense que tout le monde en est parti pour ça. Mais c'est tellement une bonne idée de creuser dans la pierre pour descendre. Je le sens bien là, je le sens bien, je le sens bien. Yes, ressuscité. Ah, t'as pas un timer? Je l'ai eu! Non, j'ai pas de timer. Ah, nice. Merci. Bon bah voilà. Je vais voir si je peux. Est-ce que t'as une potion? J'ai une potion de soin sur moi si tu en veux une. Ah, je veux bien que tu m'en donnes une, je crois que j'en ai pas. Alors, on va mettre ça ici. Diviser la pile. Offrir, Pressea. C'est bon. En fait, on n'a pas de problème de poids, je pense, dans ce jeu, mais de place dans le sac. Et en vrai, je préfère. Les buissons peuvent vous cacher parce que vous êtes dedans, appuyez sur C. Ah oui, on peut se planquer dans les buissons. C'est ton avis ou pas? Non, c'est bon ça. Non, c'est bon. Ah, la potion de soin, ok, nickel. Et on avait un autre. Ok. C'est un peu. Je pense qu'on va recreuser pour descendre. Alors, c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Ah, moi, j'y vais. Je vais en mode bourrine, moi. Ah, ça passe? Ah, t'as pris un peu de dégâts, mais ça va. J'ai pris un peu de dégâts, ouais. Good. Ok, il a une jauge de... Ah! Il y a du lore. Il y a vraiment toute une notion de combat avec jauge de garde et tout. PCA. Il est et quoi? Il est là. Ouais. Ah oui! Ah. Oh, des renforts. Fais gaffe, il tape. Il pris une grosse patate. Il tape fort, waouh! Ça a l'air fort la magie. Ça a l'air pratique surtout. Non, pressé. Ah oui, d'accord. Okay. Ah. Merci de me prévenir, meuf. Oh, ça a creusé. En plus, c'est là où on doit aller. Ah oui. Crypte des anciens forgerons. Oh, mais ce jeu est trop bien. Ok, vas-y, va tanker, après c'est... Oui, alors, d'accord. Tu peux parer, hein. Ouais. Ah mais oui, la magie, ça a l'air beaucoup trop fort. Pas très suscité, ça y est. Ouais, les dégâts sont chauds. Bon, en même temps, on est à poil, hein, pour l'instant. Ouais. Tiens. Je ah bah merci pour les potions de soin. Alors... Ok. Le forgeron s'est porté volontaire, il doit entrer dans la capsule et dormir jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Donc il doit être un peu comme nous quand on s'est fait réveiller là, donc on doit trouver le forgeron. Ah bah il est là. Ah mais c'est pas un donjon, c'est juste une pièce en fait. Réveiller le survivant. Oula, il a une bonne tête de forgeron. Âme découverte, Oswald. Procédé appris, baguette d'invocation. Oh, ça a l'air bien ça, une baguette d'invocation. Ah ouais, ouais, vas-y. Procédé appris, charbon. Tu peux l'invoquer? On invoque un forgeron? Ah mais non, la baguette d'invocation, c'est pour invoquer... Ah oui, c'est pour invoquer le forgeron, du coup. Il faut juste une bradille. Oh, bah oui, rappelle les survivants sauvés dans vos bases autour d'un hôtel de la flamme. Oh, on peut faire un village avec des habitants les et PNJ. Tout. Oh, trop bien. Porte, ça. Ah bah, c'est une porte. Oh. Ah. Ah. Vous avez pas vu? Ah, par contre, il peut accrocher. Non, elle est enfermée avec le loup. Bon, bah, on y va. Elle est enfermée avec le loup. Non. Il faut décrocher, vite.
En vrai, on peut en crafter des crochets? Ça pas étonné qui oui, ça se craft, mais je suis pas étonné qu'il en ait pas loin. J'en ai fait. Oh merde. C'est vraiment la bourrine jusqu'au bout. Ah, attends, il y a une technique. Ah, ça y est, vous pouvez venir voir. Il y a une hache de bourreau. Attends, comment tu l'as eu? Je l'ai crafté dans mon artisanat. Bah, je sais pas si ça vous intéresse. Le coffre. À vous de dire ce que vous voulez. Ah oui, attends, vous pouvez pas accéder au coffre. On peut pas. Ouais, on peut vas-y, pas allez-y. Tomahawk, c'est ce que j'ai. Hache de bourreau, ok. Et le Tomahawk, quoi, non, je m'en fiche. Vous en fichez? Je vais prendre le précédent. Ouais, je vais prendre. Ça peut me servir. Même si j'avoue que j'essaye de trouver l'arme la plus massive du jeu. Et du coup, à quoi elle ressemble? Bah, je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais juste qu'il y en a une. Carte, on a bien sur la carte. Sélectionnez votre maison. On peut se téléporter à la maison? Attends, elle est où la maison? En utilisant ça. Lanky. Maison, niveau 1. Ah oui, on peut faire le voyage rapide. Bah, go! Ah oui, on peut vraiment se téléporter sur ces endroits-là. Oui, mais attends, parce que. Ah, on a bien voyagé, hein. Bon, je me suis TP, hein. Maison! Attends, est-ce qu'on pourra se re-TP vers ici, par contre? À la tour des anciens, non. Mais le voyage, ok. Tu me dis de fabriquer la baguette d'invocation. Ouais, je vais rentrer aussi, de toute façon. Attends. Hop! Pratique! Alors, baguette d'invocation, fabriquer. Et là, vous avez vu, c'est sympa cette maison. Et regardez. C'est encore mieux avec un toit. Ouais, je vais le faire. Quand j'ai appuyé sur la baguette d'invocation, t'es apparu. Ah merde, désolé. C'est moi, pardon. Hop, faut regarder. Non, c'était maf. C'était maf. Os, brume liquide, étincelle. On va fabriquer. Et pourquoi je peux pas le. Ah, ça y est. Oh. Bah voilà, regardez. On a un copain. Ouais. C'est pas trop si il va forger un truc ou ouvrir une taverne, mais bon. Ah oui, la forge. Sa voix. Faut de la pierre. Ah, faut du charbon. Faut qu'on fasse un four à charbon. Je fais le four à charbon. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais le poser. On va le mettre dehors. Oh. Ah ouais, il y a des trucs classe. Comment le pivote? Ah, mais il y a la forge. Ah oui, il faut mettre charbon en effet. Ouais, je vais mettre un petit four. Le grappin. Qu'est-ce qu'il faut pour le grappin? C'est ici, alors, on va mettre à disposition la fabrique. Si vous pouvez suivre le processus de production, l'usine produira la recette sélectionnée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients. Ouais. J'ai tout sauf la ficelle, comme par hasard. C'est bon, j'ai de quoi faire la ficelle. Crochet de grappin. Il faut de la terre, on en avait de la terre, je crois. Ça y est, j'ai mon grappin. Ça y est, le toit est fini. Ah merde, par contre, il y a un point d'exclamation, c'est que. Non, c'est bon. Pas de munitions. Il va falloir que je comprenne aussi ce que c'est que les munitions pour un bâton, parce que dans ma vie, j'ai jamais vu de bâton à munitions. Je suis un humble forgeron, à votre service. On va vous préparer pour la suite de votre aventure. Oui, vas-y. Je vais parler avec toi. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Oh, vous êtes en train de fabriquer la forge? Je fais le four à charbon, je m'occupe de ça. Ouais, il faut du charbon pour la forge, donc. Je vais me faire un grappin. Ça y est, ça produit. Par contre, il va nous en falloir plusieurs des fours à charbon. Ah, par contre, ah oui, le sport de brume. Oui, merde. J'essaye de comprendre c'est quoi les munitions d'un bâton. Ah, la ferraille. Ah, j'ai aucune idée. Tu fais des charges de sort pour incanter. Mince. Bon, bah, va falloir que j'aille XP, je sais pas. Peut-être qu'il faut trouver des sorts avant de pouvoir utiliser le bâton, je sais pas. Je crois que oui, il faut que tu les lootes. D'accord, ok. Hop. Bon allez hop, on n'a pas le temps, les flammes de l'industrie. Ah cool, c'est comme ça qu'on a des sports de brume, ok. Première chose qu'il vous faut, c'est une arme. Fabriquer une épée rudimentaire ou un gourdin clouté nous servira. Ou un gourdin clouté, ça me plaît. Évidemment. Est-ce que vous savez comment on fait pour récupérer de la ferraille? Qu'est-ce qu'il faut détruire ou... Tout ce qui ressemble à un truc métallique. Merde. Ça me paraît évident. Ça me paraît intelligent, merci.
Je vais faire ça. Voyons voir. Tu le lèches, si c'est un arrière-goût de métal, c'est bon. Un petit arrière-goût de sang. Ouais, c'est ça, un petit arrière-goût ferreux, là. Ah, mais parce qu'il faut faire la forge, c'est normal, on le voit pas, il faut la forge. Ok. On dirait les marcheurs blancs. Vous avez pas level up d'ailleurs, au cas où, je regarde. Moi, j'ai pris aucune compétence, rien du tout. C'est vrai qu'il va falloir que je regarde cet aspect du jeu. Mais je vois Le grappin doit s'équiper sur ton perso, merci. Hop. Nice. Comment je prends la moitié? Il paraît que les sorts sont des consommables, Crane. Et il y a des charges de différents types à l'autre. Bon, je pense que tu vas le découvrir par toi-même. Hein. Mais... Ah, j'ai hâte de voir comment la magie fonctionne, ouais. Ça va être amusant. Oh et oui, une petite luciole, je crois. Alors pourquoi j'ai la longue portée puissance d'attaque? J'ai récupéré les lucioles. Oh, j'ai envie de tout prendre. Il doit y avoir un bouton arme à distance, du coup. Bon, je vais me charger des flammes de l'industrie. Ça marche. Miaou. Ah non, c'est Minou. Minou. La tentative. Miaou. Précéa qui tente l'infiltration chez les nains du chaos, c'est un échec critique. Hein. Elle s'assied à la cantine des nains du chaos là, avec sa belle barbe, avec les élastiques sur le côté, et tout le monde la regarde. Miaou. Miaou. C'est parti où là du coup, pressé hein? Je suis en train de récupérer des... Tu sais les petits sports en brume pour faire le grappin, il m'en manquait. Mais du coup t'es parti sous le pont ou autre part? Ah, je suis juste à côté de la maison. Ok. Il y a quelques monstres qui pop en fait tout autour. D'accord. Je vais essayer d'en trouver aussi. Je mettrai ça dans le coffre. Et en vrai j'essaye de trouver de la ferraille. Ah, il nous faudrait du miel, c'est bien pratique pour l'endurance. En fait tout ce qui est sucre ça augmente l'endurance. Mais ouais. Genre là. Il y a pas un petit tu bois un coca, tu peux faire toute l'aventure. Hein. Attends, la zone du camp, elle se serait pas étendue là? Peut-être qu'il y a un système. Vu qu'on a avancé la quête, c'est possible. Hein. Je sais que quand tu vas prier, tu as le choix d'étendre le cercle du camp. Tu utilises le feu en plein milieu de la maison. Ouais, tu peux étendre. C'est une supposition, enfin, c'est une possibilité. Oui, je vois. Les ennemis, parce que là, il n'y en a pas. T'as trouvé des ennemis, après ça? Bah là, j'ai un peu de mal, là. Ouais, je pense qu'il faut qu'on aille sous le pont. Ouais. Même dans la brume, t'en trouves pas? C'est vrai qu'il faudrait qu'on aille dans la brume. Là, il y en a une juste à gauche, si tu veux, Crane, on peut voir, mais t'es peut-être... Ouais, t'es peut-être j'en viens, il y avait rien. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on aille sous le pont, là, juste en face, ici. Ah, je vois un mob juste devant moi. Ouais. Graphiquement, c'est... Ouais, mais tout autour de la base, ça pop de temps en temps. Moi, c'est comme ça que j'en ai eu. Oui. Dès que c'est la nuit, en fait, ça sort. Il y en a deux, là, près de la base. Je vous confirme que graphiquement, c'est hyper agréable. C'est joli, ouais. Ouais, non, ça passe bien, c'est fluide, c'est... J'entends par contre un grognement... Ah, c'est pas systématique par contre, hein, les sports. Ah voilà, j'en ai encore. Ça grogne, c'est vénère, là. Un petit grognement, ça doit être un petit chat. Oui, un petit chat, ouais. Un petit chat, ouais. Bon, par contre, Miaou. Ah, attends. Minou. Minou. Ah, je n'avais pas prévu. Mais c'est bon, on peut remonter, tout va bien. Par contre, ils sont où les mobs? Alors là, t'es allé dans un c'est endroit... C'est la nuit, dorme peut-être, hein. Peut-être aussi, ils vont se coucher. Hein. J'ai très peur de là où tu... Oh, je sais pas, moi je le sens bien. Mais y a personne. Ah, par contre, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Attends, et ça se loot pas? Ça se trouve, ça c'est des sports. Hein. Attends, on a pas moyen de les casser ou je sais pas quoi. Non, ça a l'air de... Je crois que les sports, c'est vraiment sur les mobs. Ouais. Okay. Vous avez prévu plusieurs parties ensemble? Oui, on a une seconde session. C'est des armes. Mon PC, alors c'est vrai que j'ai une question, j'avais un peu peur. Mon PC, c'est pas non plus, enfin c'est un bon PC, mais c'est pas non plus un PC de compétition. Et il y a un... Peut-être qu'on peut aller là. Oh, il craigne, il y a un coffre ici, là où je suis. Il y avait un petit trou. Et mon PC, ça va, il souffre pas trop.
Tiens. Et ça lag pas non plus. Ouais. Oh. Oh, j'ai une baguette brûlante pour toi. Vas-y, oh, récupère. Nice. En plus, elle a l'air d'être assez rare. Oh, violette et tout. Bah super. Oh, ça y est, ça loot. Par contre, on fait gaffe au timer. Ouais, bah, à la base, on voulait des mobs, mais il n'y en a pas. Ah, alors, d'ailleurs, j'ai vu que si on améliore le feu, là, à la base, on peut rester plus longtemps dans la brume. Ah, oh, ça peut être bien, ça. On gagne une minute, je crois. Là, il y a un mob en haut, là, après ça. Vas-y, prends... Enfin, attends, j'arrive. Ah, c'est pas le bon bouton. Vite, changer. Hop. Tac. C'est quoi, d'ailleurs, notre prochaine quête? Entrer dans le puits de l'élixir, je vois. Le puits de l'élixir est une fosse suintante de spore qui crache de la corruption et des fumées dans l'air, depuis le bas. Entrer dans le puits de l'élixir pour trouver la racine de ce mal et l'éradiquer. Ah oui, on a pas mal d'XP là. Moi, faut vraiment que je vois ça. Je te laisse le prendre si tu veux. Tiens. Ah, on n'a pas encore découvert la zone en fait. Deux minutes trente, hein, gaffe. Hein. Ouais, on va peut-être devoir revenir. Je me demande si on peut se TP. Oula, ça grogne quand même vénère là où je vais. Hein. Vas-y, je suis avec toi. Oh, la taille de la map! Ah, t'as une petite idée de la taille de la map là? Bah, tu regardes avec. Tu vas voir sur Monde. Tu dézooms à fond et puis tu regardes, tu défiles. Oh, c'est immense. Ah, tant mieux. On a trouvé un camp, Rook mort. Ah mais c'est vraiment immense. Ah, il y a du monde. Par contre, ça je sais pas bien, s'ils ont des âmes. Petite maison, là. On va peut-être revenir avec Maf, hein. Gaffe. Oui, je suis mort. Moi, je fais brûler la forêt, là. Vous en faites pas. Par tu contre, brûles la forêt, le loup plus... Bon, là, tu vas t'en sortir. Ouais, tu vas t'en sortir, mais c'est chaud, ouais. Bon courage. Je vais essayer, mais. Je fais du charbon. J'ai plus d'endu. L'endu revient. Ah oui, il faut beaucoup de bûches. Ah, en fait, ça servait vraiment à rien de faire 4. C'est bon. 4 trucs. C'était vraiment inutile. On a l'air d'avoir fait une bêtise. Merci, Peter Auguste. Bah en fait, c'était pas utile de faire 4 fours parce que je pensais que ça allait lentement, mais en fait, non, pas du tout parce qu'il les fait par stack. Ah oui. Ah bah, j'ai de la ferraille. Ah, alors en vrai. Ou pardon. J'ai plus de place dans. Ah si, j'ai de la place. Pour l'instant, j'ai 4 sports de brume et 11 ferrailles. Bah, go à retourner au camp. Si t'as un excès de ferraille, je t'avoue que je te les piquerai bien. Je vais finir tout ça. Attends, il y a d'autres cadavres là ici. Ah bah, des sports de brume encore. Enfin, des sports. Alors, voilà le charbon. Acide de bois. Ah, mais oui. Du coup, dès que t'as trouvé quelque chose, Maf, nous aussi on l'a le procédé appris, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est partagé. Ah, c'est bien. Ok. C'est vraiment pour favoriser une progression assez dans fluide. La brume. Ah, je me disais bien qu'il devait y avoir ça. Sinon, ça serait mais trop simple. On n'est plus là. Attends, comment on sort ça de la brume? On doit être. On doit être à la limite peut-être. Ouais. Essayer de monter ici. Mais bizarre, notre timer descend pas. Normalement, on n'est plus dans la brume ici. Hein. Il y a un truc chelou. J'avoue, je suis mort, chat. J'avoue. Mais je suis à poil. Deux fois. Mais je veux pas balancer. Ouais. Super, Crane, super. C'est pour les archives. Faut des cailloux. Je crois qu'on est buggé. Pas un petit peu bugouillé. Bug, ouais, on me confirme le bug. Ah mince, il y a un bug, dis-moi. On est on est considéré dans la brume alors qu'on a pu... Ah merde. Donc on peut pas se TP. Même si on s'éloigne vraiment. Bah logiquement on est déjà plus dedans donc... T'as aussi le 5 minutes bloqué en haut et marqué embrumé? Ou pas? Moi j'ai réussi à voyager moi, Crane. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est que moi. Ah merde. Même pas de solidarité dans le bug. Je suis désolée. Oula, après c'est qui revient à moitié morte. Oui, je reviens à moitié morte. C'est mort. Bah, je vais faire un dodo. Hein. Je sais pas si ça... Oh merde. Sac à dos plein. Non, bah je vais faire le chemin de retour.
Ah mais attends, vraiment là où tu étais, t'étais encore, tu pouvais pas te... Oui oui, je suis considéré comme embrumé. Hein. Ah oui, donc doit y avoir un petit bug. Soit tu quittes et tu reviens. Ouais, je vais faire le voyage à pied. Ah bah oui, c'est Presea qui héberge donc. Hop. Le forgeron a sa forge. Ah bien. Ah, oh, en vrai, j'ai hâte de voir. Alors, il faut l'alimenter en ferraille et en charbon. De... Ah bah en ferraille, ouais. On en a. Hein. En fait, on me dit que peut-être en sortant, ça remet le timer. Je pense que ça devrait me débugger. Ouais, je pense, ouais. On retente d'aller dans la... Ah oui, en effet, t'as fait beaucoup de... Ça, c'est meuf, ça. moi, on m'a proposé de faire brûler la forêt. Mais en fait, ça prend du temps, et du coup, je me disais, ah, ça va être long, va falloir en faire plusieurs, mais une fois que le temps est écoulé, il t'en donne 15 d'un coup. Non, mais c'est pas mal, en vrai. Ça va être bien, ça va être utile. La vie, elle, on est d'accord qu'elle revient toute seule. Bon, hein. Non, faut que tu manges des baies ou des trucs comme ça. Ah, je vais manger. Je vais manger. Est-ce que t'as fini ton toit pressé, hein? Oui, il est fini. Ah, nice. Par contre, va me falloir effectivement de la ferraille. J'arrive. Moi, c'est ce que j'ai du mal à trouver, pour le coup. Je vais vous donner tout ça. Combien vous en avez besoin? Bah faut donner au forgeron, il va nous débloquer des trucs quoi. T'as crafté ton grappin ou pas, Maf? Ah non. Ah oui. Il faudrait que tu fasses ton grappin avant, je dirais. Donc t'as besoin de 3 toi, Presea, c'est ça? Ouais. T'en t'éloignes pas trop que je te les donne. Alors... Ouais, franchement. Enfin, je sais qu'il faut pas comparer des jeux, mais en vrai, si vous avez adoré Valheim, franchement prenez Enshrouded parce que... J'ai l'impression que quand même le jeu c'est... Plus, hein. T'as pas besoin de sport, de trucs de mob? Non, moi j'ai tout. De ça. Et toi, Maf? Pour le grappin? Ouais. Attends, je sais pas du tout ce que j'ai et ce qui me manque. Ça n'a rien à voir avec Palworld. Là, y'en a pas. C'est un jeu de survie? Y'a rien au coffre en tout cas, donc c'est tout ce que t'as sur toi. Ok, bah j'ai hâte de voir comment on utilise le grappin. Alors. Il te faut. Oui, mon grappin. Hey. Alors, ah là, je suis bête. Il te faut 4 ferrailles, 7 ficelles et 10 spores de brume. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu as sur toi, Maf? Alors attends, tu dis 5 ficelles, 10 spores. Alors déjà, les 10 spores, je sais pas, j'en ai 3 là sur moi. Ok, bon, j'en ai 6, ça fait 9. Alors je regarde dans les coffres. Non, dans les coffres, il n'y en a pas. Bon, tiens. Et qu'est-ce qu'il faudrait? T'es à combien? 4 ferrailles. J'en ai 12 là. Ça va. Ah bah c'est bon alors. Ok. Donc il te manque juste un. Bon, de la ficelle. Ficelle, ça c'est pas le problème. J'ai plein de. Il te manque un sport, c'est tout. T'as pas un sport qui traîne, Presea? Pardon, j'ai pas entendu. Il lui manque un seul sport de brume, t'as pas ça qui traîne? Ah si, je dois avoir ça en vrai. J'ai ça. J'en ai. Je vais faire quelques pansements, tiens. Tant qu'à faire. Profite pour rappeler rapidement qu'on est en session sponsor pour le jeu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le chat, !Enshrouded, ou le bot qui défile, ou sous le live, la petite image. Ça soutient la chaîne, c'est toujours cool. Que ce soit sur ma chaîne ou sur la leur, vous pouvez aller sur tous les lives, cliquer sur tous les liens. Et voilà. Enshroud. C'est un énorme soutien énorme si vous le faites. En et bonjour aux personnes qui arrivent, désolé de moins répondre sur le chat, mais comme on est plusieurs, on focus sur le game skill. Matériaux insuffisants, non mais vas-y. Qu'est-ce qu'on peut nous faire? On me dit que le grappin, on pourra l'utiliser que certains objets. J'essaie de l'utiliser, mais en fait, je pense qu'on ne peut l'utiliser qu'à certains moments, le grappin. Ah, ça y est, il produit des feuilles de métal. Donc, tu peux l'équiper dans ta feuille de personnage, hein, pas directement sur ta barre. Ouais. Donc attends, le grappin. On peut faire quoi avec lui pour l'instant à la forge? Des feuilles de métal? C'est où le grappin? J'ai hâte qu'on puisse construire des armures et tout. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Débloque. Crochet grappin. Ah bah voilà. Je l'ai. Alors je crois pas qu'on puisse. Il n'y a pas un système d'escalade, hein, justement. Escalade, je crois pas. Il n'y en a pas, non. Non, non. Après, il y aura peut-être un objet qui. Mais non, il n'y a pas d'escalade. Pourquoi ça brume liquide? C'est surtout des sauts. Article équipé. Ah bon? Ah oui, c'est un équipement comme ça. Ok.
Bah, je suis chaude pour partir à l'aventure. Bon, let's go, je fais juste un peu de place dans mon inventaire. Parce je file des choses au forgeron, histoire que... Je vais peut-être vider mon inventaire. Okay. Vas-y, fais donc ça. L'autre. Ah, on peut ranger comme ça, ok. RB, tout déposé. On va mettre ça là. Ça, je vais garder. Attends, ah, hache d'abattage supplémentaire, pioche en fer. Ok, le forgeron, il peut faire plein de trucs. Il peut faire un bouclier plus élevé. Quartier, c'est quoi ça? Un bouclier magique qui permet de parer les attaques physiques. Parer consomme de l'endurance. Oh, ah, bouclier spectral. Arme à une main, épée rudimentaire. Ah ouais, ouais, il a vraiment débloqué plein de trucs. Plastron bon, de combat en herbe. Super. Ah, y a de quoi s'habiller? Ouais. Ah, trop bien. Attends, en vrai, on a plein de choses. Alors, Précéa, si tu veux jouer le tank, on va te laisser t'équiper chez le forgeron avec les meilleurs trucs. Hein. Ok, je veux bien, j'avoue. Casque et compagnie. Toi, là. Tu veux l'armure du haut ou on veut l'armure du dessous, je pense. Renforcer avec des ferrailles pour une meilleure protection. Il y a. Il faut plein de choses quand même. Hein. On va te laisser te crafter tout ce dont tu as besoin déjà. Alors, faut parler au forgeron pour voir ça. Yep. Alors. Ouais. Je veux fabriquer. Alors, montre-moi. Armure. J'ai casque de combattant en arbre. N'oublie pas de regarder le gourde clouté. Oh, ok. Et là, il fabrique. Il faut des clous, ceci dit. Ah, mais on peut. Oui, mais il peut les faire. Il peut les faire. Ah oui, le gourdin. Donc le plastron de combat en herbe, c'est pour moi. Hein. Ok. Oui, fais-toi ce que tu veux avec ça. Pas beaucoup de choses. Oh, de la résine. La résine, on en a au coffre, ça c'est pas un problème, ça se trouve sur les arbres. Ok. Et t'as vu, pareil, en haut, tu peux switcher entre toutes les différentes parties. T'as aussi le casque, t'as tout ça. Ouais. Ce qui va vraiment falloir qu'on trouve là maintenant, c'est de la ferraille. Hein. Ah, le problème, c'est les feuilles de métal. Ouais. Ça prend un certain temps. On en a qu'une seule en stock pour le moment. Il en fait d'autres, il en fait d'autres. On en a plein. Après, il va pas pouvoir en faire 10 000, quoi. J'ai remis de la ferraille. Ficelle. Donc là, il peut encore en crafter pas mal. Ça prend du temps, par contre. Il se met en attente, ok. Ah, j'ai plus de ficelle? Est-ce que j'ai je vais devoir aller. Non, ficelle, j'en ai plein, si tu veux. Ah, je veux bien. J'en ai pas besoin de beaucoup. Tu m'en donnes 2-3. Je sais plus de quoi j'en avais besoin, mais... Merci, Honard. Merci. Oula, merci. Et du coup, il me faut des feuilles de métal. T'en as fabriqué? C'est le forgeron. Enfin, dans la forge, en fait, si tu parles au forgeron, tu peux voir tout ce qu'il peut te crafter. Mais si tu ouvres la forge, là, tu peux voir ce qu'il est capable de faire comme matériau, en fait. Ah oui, il est en train de crafter, c'est ça. C'est les et là, il y en a. Ok. En effet, je vois qu'il y en a une de prête. Ok. Faut qu'on trouve. Oh, bloc en métal établi. Oh, ok. Pouah, on peut faire des châteaux. Je peux faire un énorme château médiéval. Oh. En fer. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui sont tellement doués, tu vois, un peu à la Minecraft pour nos constructions. Ils peuvent tellement recréer l'environnement, ils peuvent recréer plein de choses. Franchement, au niveau construction, tu peux modeler ton environnement énormément, quoi. Ouais. Ah, il y a de l'amélioration d'équipement et tout. Ah, ça c'est cool. La aussi, baguette ça. Que je viens de looter, je pourrais l'améliorer. Et il y a tout un arbre, plus 2 dégâts magiques, protection, etc. Là, sympa. Créer des escaliers en terraformant, tu vois, toute une montagne, j'avoue que c'est une dinguerie ça. Et c'est ça qu'il faut. Mais tu peux pas créer non plus des escaliers de fou, enfin, t'es limité à ta zone de construction, quoi. Le ninja. Faut l'étendre. Ouais. Mais ouais, il y a moyen de se créer des trucs assez dingues. Ah mais du coup, ouais. Bon. Améliorer l'équipement. 8 sur 8, si je fais améliorer, bim, je viens de gagner 2 dégâts magiques sur la baguette. Ok. Ouais, limite de hauteur. Par contre, j'ai pas découvert comment... Ouais, bah ça va prendre du temps. J'ai pas découvert comment créer des flèches. En silex.
Ça, j'aimerais bien. Bah alors, attends, je vais te donner un truc, je crois, Maf. Alors, j'ai une flèche en ferraille du... Ah, moi, j'ai juste les flèches en bois. Merde, ah non, je me suis trompée. Ah, ah oui, non, attends, c'est... Oui, tu m'as filé des trucs. Oui, je t'ai filé, je suis désolée. Tiens. Je te fais un cadeau du fond de mon cœur, Maf. J'avais cette flèche qui traînait. Mon oui, précieux. Il me manque juste une feuille de métal et c'est bon. De la cire. Est-ce qu'on peut pas... on n'a pas débloqué des coffres de meilleure qualité, par hasard. Bah maintenant qu'on a trouvé du fer, de la ferraille, ça serait possible. Hein. Non, on n'a que ça. Ah mais c'est sympa parce que ça veut dire qu'on a débloqué le forgeron. Là, si je vais sur ma game, j'ai ma baguette d'invocation, je peux invoquer mon forgeron. Donc tout le progrès que je fais sur une autre game est quand même un minimum gardé. C'est très cool. C'est très très cool. Ouais. Alors ça explore, ouais. On n'a pas beaucoup exploré. On a surtout essayé de comprendre les mécaniques. Mais j'avoue que là, je trouverais ça important qu'on s'équipe bien comme il faut pour qu'on aille explorer encore plus loin. C'est surtout que toi que tu t'équipes en fait. Je reste à distance. Ouais. Bah là vraiment, faut qu'on trouve un filon de fer en fait. Ouais, Il doit y avoir, ça doit se miner ou je sais pas quoi. Ah, sûrement, ouais, sûrement. Se miner, ouais. Ou alors il faut peut-être crafter d'autres forges. Hein. Il doit y avoir des filons, un peu comme le filon de Silex qu'on a vu. Hein. Merci pour les follow. Attends, si ça se trouve, je vais voir s'il n'y a pas un petit filon affleurant en fait. Je pourrais avoir des bugs. Ah, on me dit que la game est liée au la game est pas. Enfin, c'est lié à la game et pas au personnage. Donc, non, faudra retourner chercher le forgeron. Ok. Okay. C'est du Silex. Hein. Ouais, c'est du Vous silex. Pouvez enchanter les coffres. Hein. En les enchantant, ils deviennent... Enchantés ? Compétence. Hein ? Attends, on va lui parler à lui. J'ai du maïs. Oh, de l'agriculture ! Ah, je vais aller voir dans la grotte du début, voir s'il n'y a pas du... petit filon de fer qu'on aurait loupé. Mais je sais pas si on a vu des filons de silex, mais est-ce qu'il y a des filons de fer et pas le fer, c'est pas juste de la ferraille qu'on trouve sur les trucs en cassant quoi. Ouais, à mon avis, il doit y avoir. Il doit y avoir des filons. C'est pas possible autrement. Je sais plus si dans la bétail on en avait trouvé ou pas. Qu'est-ce qu'a l'air d'être en fer qu'on peut casser ? Ah, il y a des trucs, mais ça me fait mal au cœur, genre la chaîne, tout ça c'est joli, je veux pas casser. Non, je crois pas. Il y a des choses. L'arbre de compétence, il est touffu. Hein. Ouais, l'arbre de compétence, il est assez violent. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a moyen de faire plein de combos différents. Tu peux spécialiser un personnage ou au contraire faire un truc très polyvalent. Ouais. Ok, j'ai déjà pris un truc ici. Le crochetage. De la terre. Ah, je sais pas. Non, j'ai tout sauf du fer. Ouais, le fer, c'est dans la première zone, c'est pas évident à trouver. On ferait peut-être bien d'explorer, hein, on va peut-être trouver. Hein. Ouais, bah moi je suis équipé, donc on peut y aller. Allez, je casse juste ce gros lien en métal qui peut que me donner de la ferraille, c'est pas possible autrement. Vu le bruit qu'il fait de toute façon. Bon, il a l'air très très dur à casser. Oh. Très très solide celui. Hop. T'as tellement aucune idée si t'es proche de le casser ou s'il y en a pour 45 minutes. De quoi ? Voilà, le soleil, moi j'ai pas l'habitude. Hein. Je suis toujours dans ma pièce fermée, moi. Ouais, quand tu restes longtemps à l'intérieur et que tu sors, t'as vu, ça fait bizarre. C'est lumineux. Ouais, ouais, t'as l'effet ébloui. C'était renforcer la flamme pour... Augmenter le truc de la brume ? Ouais. Oui, pour détruire les meubles. C'est ce que j'ai fait, agent. Ah mais j'ai pas assez. Ah oui, t'as besoin de quoi ? La résine, des champignons, des os, des baumes liquides et des étincelles. Ah oui, d'accord, t'as quand même besoin de pas mal d'objets. Pas ouais, mal, mais là. Je crois qu'on a à peu près tout. Hein. Non ? Alors faut fouiller dans les coffres.
T'as crafté des trucs déjà un peu ou pas? Ouais. Ouais. Regarde, puis moi, je suis toute belle. Oh. C'est solide. T'as pas de chaussures. Non, j'ai pas de chaussures, j'avoue que... Ah, c'est solide. Ah, attends, on va remettre du métal. Il y a une nouvelle feuille de métal qui est faite. Je vais peut-être faire un truc. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Un gros rat. Un gros rat? Oui. Où ça? Ah. Tain, il m'a fait peur. C'est les tout petits rats du début, tout gentils, là. Mais non, c'est mais il était peur. Tapis dans l'ombre, moi j'avais le soleil dans les yeux. Aouh. Il est mort. C'est rien. Attends, ne bouge pas, je suis à côté. Ah non, t'es pas mort. Ah si, t'es encore... Non, je suis pas mort. Et oh. Et oh. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Bon, c'est bien. Moi, tu ressembles vraiment à un pecno à côté de moi. C'est cool. Oh, super, on te laisse tout et tu nous critiques. Bah oui, merci messieurs. Vous êtes vraiment de gros puants, mais bon, je vais quand même rester avec vous. Il faudra vraiment quand même que tu fasses des chaussures. Hein. Ouais, je vais m'en faire là, je peux les faire, faut juste c'est que j'attende la ferraille. C'est un flex. Ah, c'est pas possible ça, merde. Ouais, les gueux me suivent. Ça, ça doit se défaire. Vous voyez que c'est des paysans, ils me suivent. Ils ont reconnu leur seigneur, c'est tout. Allez, Taïo. Et Slager, ça te dit quoi le prochain point à 160 mètres? On doit faire quoi? Faut qu'on aille voir un puits. Nettoyer le puits de l'élixir. Hein. Et ça va donner un... C'est quoi? On dirait un casque ou une tête ou je sais pas quoi. Hein. Oh, ça donne un point de compétence en récompense. Oh, c'est bien ça. Ah, il veut... Ah, vous avez forgé une arme comme celle qu'il vous demande? Une arme comment? Il demande quelque chose? J'ai même pas vu qu'il demande. Ouais, forger une arme, fabriquer un gourdin clouté ou une épée rudimentaire. Attends, bah, dans la quête? Ouais, quête. Ouais, il y a une quête qui demande, ouais. Bon, je vais faire. Je vais fabriquer le truc qui demande le moins. Attends, tu vois ça où? Dans J, dans quête. Dans nettoyer le puits de l'élixir? En dessous, ouais. Mais t'as peut-être déjà crafté un truc, non? Atteignez le puits de l'élixir. Moi, je vois juste atteignez le puits de l'élixir. Le forgeron veut lutter contre la brume, le brouillard ruiné envahit. Là, hein. Ah, parce que t'as pas parlé au forgeron, je pense. Tu dois avoir les dialogues encore. Un. Une bûche, trois ferrailles, deux clous. Les clous, ça demande une ferraille. Alors attends, est-ce qu'il je reste je vous laisse la ferraille après, en vrai. J'ai pas tout, mais c'est déjà pas mal. Néant. Je me laisse porter. J'étais vraiment à 20 mètres de la cabane, mais j'ai préféré faire le voyage rapide. En plus, il me faut de la fourrure, de la résine. Bien fait. Ok, j'ai fait deux clous, arme à une main, et il me manque deux ferrailles et une bûche. Ah oui, on a plein de fourrure. Ok. Non, annulé, divisé. Non. Tac, tac, et une bûche. Ah oui, forger une arme, c'est pas la même... Ok. Mais ça, je suppose que c'est pour l'équipe, de toute façon. La quête? Ouais, forger une arme. Tu veux pas essayer, Précia? Ce serait une arme plutôt pour toi. Ouais, ok. Je pas grand-chose, hein. Je sais pas si y a ce qu'il faut en termes de matériaux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut? Fabriquer... C'est un gourdin clouté hein, que je dois faire. Oui, par exemple. Ou alors l'épée, c'est comme tu veux. Faire le gourdin. J'ai masse charbon. Bûche et clous. Les clous... Oh, attendez, je vais m'équiper. J'ai de quoi... Voilà. Je peux la faire. Vas-y, hein, fais l'épée hein, si tu veux. Je te la donne. On va voir ce qui va se passer. Le gourdin. Est-ce que ça t'a validé la quête ou pas? Alors, je vais voir dans le journal. Bah en fait... Mais on a peut-être pas la même quête, hein, c'est bizarre. Si, je pense qu'on l'a tous, mais ça veut dire qu'il faut la faire chacun. Bah, est-ce qu'elle apparaît dans le journal? Dans le journal, elle a disparu. J'ai nettoyé les puits de l'élixir et à la recherche des tombes cachées. Bah, juste là, il y avait crafté l'arme avant. Bah, en dessous, dans terminé, est-ce que tu as forgé une arme dans terminé? Trouver sur Endormant, réclamer un emplacement pour votre base. Donc, et non, j'ai peut-être pas parlé. Une arme. Ok, il y a qu'à moi qui l'a demandé de forger une arme, bah très bien. Mais moi j'ai toujours, hein. Il me demande toujours de le faire. En fait, je lui ai pas parlé, je pense. Ah, c'est toi, ah, voilà. Parler, okay. Ouais, je lui ai pas parlé. Ok. Donc fabriquer, c'est ma faute.
par ma main. Alors. 11 dégâts, 17. Bon, bah, vu que vous devez la fabriquer, je vais garder mon gourdin parce qu'il est bien. Ça, on peut virer, on peut virer. Ça, ça m'embête plus qu'autre chose. Ça, je garde en secours. Un Little Swiss pour les 30 moitiés 3. Est-ce qu'on peut. 30 mois au façonnage des touillettes à café, c'est long, mais quel prestigieux poste. Vas-y, je vais démanteler ma hache. Bien sûr. Oh, ah, ça file masse rune. Ok, démanteler les armes file masse rune. Il nous faut des clous. Il nous faut de la ferraille. Mais celle-là, vraiment. Je peux pas. Je peux que l'offrir ou la jeter. La résine, on est d'accord, c'est en coupant des arbres. Glaroquin, merci beaucoup pour les 4 mois. Argeltail, oui, merci pour les 35 mois. Ah bon, il y en a dans le coffre. Merci pour les 20 mois, monsieur Susu. Merci pour les 7 mois. Merci à Lelouch pour les 2 mois également, monsieur Pepperoni, ouais. Merci pour les 2 ans. On a peut-être plus. Là, il y en a plus. Le ventre jaune, merci aussi pour les 5 mois. Leeds Overcraft, merci pour les 25 mois. Mordor, merci pour les 5 mois. Gros Minet, merci pour les 2 mois. Calderoc pour le Prime. Merci à Vargas pour les 18 donc, ça, mois. Didartis pour les 16 mois. Merci à Akatshan Art. Et bonjour à toutes les personnes les 3 qui nous mois rejoignent à l'instant. Et oui! Et oui, bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Je rappelle que on est sur une OP cet après-midi sur Enshrouded. Okay. Et n'hésitez pas à aller checker le lien qui est en dessous. Vous avez le panneau qui est cliquable en dessous du live. En dessous de la VOD YouTube, il y aura le lien, évidemment. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Enshrouded, ça coûte moins de 30 balles. Il est à 26 euros maintenant, si pour l'instant, je ne m'abuse. Et donc, je rappelle pour ceux qui rejoignent en cours de route que c'est un jeu de type... survie, exploration, construction, farm, avec un gros aspect, une grosse composante action RPG, comme vous pouvez le voir depuis le début. C'est-à-dire, on va développer son personnage à la fois à travers son stuff et à la fois à travers ses compétences. Et c'est très 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 bien fichu. Regardez-moi cet arbre de compétences. Est-ce qu'il n'est pas sexy? Toutes ces spécialisations possibles. Vous pouvez mettre des points partout. Comme vous le voulez, multiplier les... Enfin, mélanger des arbres de compétences pour débloquer des trucs différents. Enfin, bref. Moi, je suis parti vers garde forestier. J'ai vu garde forestier, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. Moi, je vais là-bas. Du craft d'équipement, du loot, de l'exploration. Beaucoup d'exploration. Il est dispo que sur Steam. Je sais pas s'il est que sur Steam. Mais en tout cas, sur Steam, oui. Mais je sais pas s'il y a une autre plateforme sur laquelle il me semble que c'est que Steam. Merci Ogma pour les 2 mois. Karat, merci pour le Prime, bienvenue. Et bonjour Monsieur Crapaud. Garde forestier, ouais ouais. Mais oui, qu'est-ce que tu veux, moi je pouvais pas faire autre chose. Ok, ça marche. Fais ton rôle de tank, tout va bien explorer aller. Ouais, yep. Faut explorer. Let's go. Faut couper du bois attendez, de boue, c'est ça. Petite chose. Bah, je fais juste une petite pause IRL, mais je reviens dans une minute. J'en profite pour faire cuire ma viande. Est-ce que je vais en profiter aussi, je vais regarder. Non, j'ai rien à faire. Hein. Est-ce que le monde est aléatoire? Non, il est fixe. Mais il est... Regardez, là, c'est là où on est, hein, avec la maison, tout ça. Potentiellement là, très, regardez, très là, il y a les ruines. Vous voyez, Long Keep, vous voyez, ça, c'est les ruines. Donc, les ruines... elles sont, je crois que c'est celle-là. Oui, voilà. Donc, vous voyez la taille des ruines là. Voilà, ça c'est les ruines pour vous donner une idée de l'échelle. Hein, d'accord. Vous avez les ruines, ok. On a perdu Maf. On voyait les ruines. C'est grand. Voilà, je montre au chat. La taille du monde, mais putain oui, c'est absolument gigantesque. C'est grand. Pas si grand, leur lit ne fait que 16 km², la map finale en fera 64. Hein? Ah! Donc là, on n'a qu'un quart de la map finale. Ah bon? Ah bah je comprends qu'ils mettent des téléportations. C'est hein, faut pas oublier ce détail, hein, c'est pas un jeu fini, oh, donc c'est déjà très très propre pour Delorly. Hein. Et franchement, oui, c'est très très propre pour Delorly, et à ce prix-là, il est à moins de 30 euros. C'est ça qui est ouf, moi je trouve. C'est moins cher que gratuit. Non, je suis prête à taper du monstre. C'est complètement moins cher que gratuit. Eh ben, on te suit après ça. Passe devant. Le quart déjà, de la map. On peut descendre par ici. Oui, je vais tester. Ça va être compliqué. Mes chevilles vont encaisser la chose. Oula. Ça glisse. Oh, il s'arrête pas, mon perso. Il était très motivé pour descendre. Je n'ai absolument eu aucun contrôle sur mon perso.
Par contre, mon inventaire va peut-être plein, moi. Ouais, moi je l'ai un peu vidé avant, j'avoue. Donc il faut couper des... Alors, du bois dans la brume. Est-ce que c'était pas ce qu'avait coupé Maf ici? Là. Comment ça, il faut couper du bois dans la brume? Kren avait l'air de dire... T'as une quête qui veut... Il faut du bois de brume. Il faut du bois de brume. Attends, mais peut-être les... les gros champignons. Ouais, j'en ai cassé, ça m'a rien donné. Ah, bloc de bois établi. Bois de brume, ouais, c'est bon. Si c'est juste du bois, couper juste un arbre dans la brume, c'est du bois de brume. Ah, c'est, okay, de, la, c'est de la brume liquide que ça donne les champignons. Bois de brume. Ah, ok, nickel. Bon, ça servira à quelque chose, hein. Brume liquide, ce serait utile aussi, je vais en ramasser un peu. Nos persos semblent bien petits. Et plus on est petit, plus on est costaud et plus on est résistant. D'ailleurs, parce que là, 4 minutes, faut quand même surveiller. Sauf si on trouve une petite lanterne, on peut rester plus longtemps. Alors attends, mais il y a un truc à 27 mètres. Qu'est-ce que c'est? 12 mètres. Emplacement ci-dessous. Ouais, il y a une sorte de truc dans lequel on doit descendre, mais je pense que s'il faut y descendre, faut qu'on ressorte de la brume. Voilà. En vrai, on a le grappin. Il nous reste 3 minutes. Tu penses que c'est trop dangereux qu'on y aille? Bah tout de suite... Attends, peut-être qu'on va juste ressortir, rentrer pour rechoper 1 minute 30 de timer, non? Je sais pas. On va suivre Maf, il a l'air de savoir où il va. Non, pas, absolument pas. Oula. Ah mais attends, faut traverser de l'autre côté, vous avez vu? C'est par là. On est quand même mort dans 3 minutes. Hein. J'ai un instinct. Ok. Ignorez les mobs, sinon déjà, on va mourir. Ouh, y en a plein. Bah là, on va pouvoir se faire des sports. Merde. Oh là là. Attends, il doit y avoir un TP. Attends, ça, c'était pas les trucs. Oh, du mycélium. Je sais pas ce que c'est, mais... Sauvegarde, remplisse votre temps précieux dans la brume. Placez-vous près d'eux pour... Ah bon, mais oui. Pressez A, viens. C'est bon. Mais normalement, si tu le prends, c'est pour tout le monde, non? Tu l'as récupéré? Bah regarde si ton timer est revenu. Non, il est pas revenu. Ah bah viens. Non, alors. Ça je pense que c'est un truc fixe, genre un viens près du truc et voilà, ici on peut... Ah oui, ça y est, c'est revenu. Mmh, ah okay, nickel. Bon, nickel. Bah c'est peut-être là notre premier donjon du coup. Oui, oui. Ok, oui, wow. Gaffe, gaffe, gaffe. Ah, j'arrive. Ouais, donc. Ouais, l'armure, c'est pour ça qu'on va peut-être craft une armure pour vous aussi. Hein. Le mob, il faut beaucoup trop de trucs. Le mob, il s'est dit, je vais commencer par l'archer et le mage. Voilà. On va marcher, on va pas passer devant. Ok. Oui, c'est Pressea, on te suit, hein. Allez, hein. D'accord, ça marche. Pressea, on l'a équipé sa petite armure, on lui a mis son petit casque et puis, allez, hop. Attends, j'y vais. Attends, hop, Crane. Alors. Mais tiens, j'ai nickel. Du maïs. Alors. Hop. Plus un de force. Ah, c'est pour toi, ça, Pressea. On va boire. Enfin, prendre un petit pansement. Pressea, je te donne ce maïs. Fais-en ce bon maïs, usage. Ah bah. Merci, Maf. Tes cadeaux sont toujours absolument incroyables. Ah, tu m'as donné aussi du maïs. Tant que tu nous raises, je t'ai donné aussi du maïs. Ah bon? 4 guerres. Ah, je crois que tu t'es trompé de. Oui. Ah. Bon, j'ai un cadeau pour toi, Pressea. Oh, merci. Je l'ai cueilli moi-même. Voilà. J'y tenais beaucoup, c'est mon maïs préféré. J'espère que tu l'apprécieras à sa juste valeur. Merci. Bon, on va rester, okay. On va rester loin, ouais. Ah, il y a un archer qui arrive derrière. Ah, ok. Hey, oh, il fait pas grand-chose, hein. Ça a l'air de très très bien marcher là. Mais oui, bien, mon armure, mais j'ai une grosse barre de vie. L'armure de Pressea, j'avoue. Ah, c'est bon. La dingue. Je vous laisse prendre un peu. Là, il y a... ça se fait exploser. J'ose pas l'éclater. C'est pas une bombe, ça? Je peux le faire. Vas-y, recule. Oh, il y a des trucs auxquels on peut accrocher notre grappin. Hop là. Ah, ouais, c'est vrai. Ici. Mais bon, c'était juste pour monter. Hein. Ça sert pas à grand chose. Ah, oui. Ok. Ah mais là-bas aussi. Non mais je l'ai jamais fait, je vais le faire une fois. Yeah. Nice. Ah oui, trop bien. Ah, par contre faut orienter. D'accord.
Faut trouver de la ferraille. Qu'est-ce qu'on doit faire, ce Bah ici, je sais pas trop, faut peut-être explorer, j'avoue, mais... Ouais, ça a l'air un peu... Là, il y a un pot, j'ai envie de le casser. Je sais pas si ça se casse, vraiment. Je vais refaire un petit... Ça m'a l'air solide, hein. Ça m'a l'air solide. C'était quoi, ça? Bon, sinon, y a une entrée, y a un truc. Ici? Ici? J'arrive. Il faut trouver la racine du mal pour l'éradiquer. Venez. J'arrive, maf. On remet le timer à 5, et... voilà. Attends, les maïs sont revenus. Oh oui. Bah, Crane a offert le maïs, du coup. Attends, tiens, est-ce que c'est toi qui les as reçus, pressés à cette fois? Oui, là, je les ai reçus cette fois-ci. Merci. Décidément, ce maïs. On se les passe l'un à l'autre. C'est bon. Ils sont bien arrivés chez leur destinataire. À son destinataire. On n'est pas fait pour ouvrir un truc de poste. Non. Le service de livraison Crane Maf. Faites demander votre livraison, vous l'aurez peut-être. Vos voisins n'en seront que plus contents. Tu joues au loto, en fait. Ok, sympa, hein. Oula! Quoi? Mais attends, le tank va pas, passe pas devant les mages et tout ça. Enfin, fuis pas oui, plus loin. Si, si, il est prenable, okay. Allez, la roulade! La roulade! Pressé à la roulade! Ok, go! J'essaie de focus, c'est moi qui faut focus, hein! C'est moi qui faut focus! Ok, je fais la roulade! La roulade! Ok, ça se passe bien, On voit pas sa vie, mais ça va bien se passer. Ah, moi je la vois, sa vie. Ici, en haut à droite. Ouais. Ah, presque mort, Okay. Oui, mais voilà, first try. Regardez un petit peu. Oh, il y a sa tête. Et il a un... Ah, mais voilà. Alors, je vais prendre la hache empoisonnée. Rune, bon, ça c'est le truc de... Alors, c'est à tout le monde. Est-ce que ça valide pour tout le monde, coup de la tête ou pas? Ah, à mon avis, ouais. 1, 2... Il faut détruire la racine maintenant, donc il doit y avoir la racine pas loin. Ah oui, il y a la troisième étape de la quête. Ah là, regardez ici. Ah bon bah je pense qu'on l'a trouvé. J'ai la hache, je pense que ça va aider. J'ai une hache empoisonnée. Et détruisez-la avec une hache d'abattage, ouais. Imagine la hache. Yes. Voilà, parfait. Vous l'avez eu? Oui. Cool. Et ça remonte notre... Oh, nice. Ah, mais ça... Ah, oui, mais en fait, ça dégage la brume, en fait. On est dans une zone safe. Hein. Par contre, faut... Non, c'est joli, ça. Faut regarder s'il n'y a pas du... Oh, c'est très, très envie de mettre mon pied dessus, voir ce qui se passe. Vas-y, Crane, vas-y, ouais. C'est vas-y, pas de la lave, hein. C'est pas de la lave? On peut marcher dessus. Ah, on voit... Attends. Ça ressemble pas exactement à de la lave. Mais ça t'a fait quoi? Ça a rien fait. T'as vu la barre? Moi, j'ai la barre qui a augmenté alors que je l'avais plus. Ah, là, j'ai accouché à 4 minutes. Ah, yes. Ben non, ça y est, ça a disparu. Ah, puis ça nous fait. Ça nous fait l'effet de la brume. Alors, mais genre la brume qui va nous tuer. Donc, on en fait gaffe, pressé. Bah, du coup, je sais. Ok, d'accord. Mais ça va vite, hein. Pas bon, vous pouvez mettre quelque vos petits points de compétence. Moi, je vais le mettre dans la vitesse de res. Oh oui, on a 3 points. Pourquoi on a autant de... Ah oui, mais ça coûte 2, le... Ok. Augmente le gain de la barre. Je vais faire l'iris. Lorsque vous êtes équipé, il faut que je me fasse un bouclier. Augmente votre intelligence. Ok. Bah, j'ai envie de traverser ces sortes de lave racines, là. Je suis sûre qu'il y a des trucs, mais en fait, c'est que la barre apparaît et on meurt, on est d'accord, hein. J'ai augmenté mes dégâts à distance. Je pense qu'au bout d'un moment tu meurs. Hein. Enfin, je pense que c'est une très très mauvaise idée parce qu'il faut que tu puisses... Oh, t'as réussi? Ouais, je suis allé en face. En fait, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre... Il y a quelque chose là-bas? Là-bas. Là, je suis embrumé là. Tu perds pas des points de vie? Non, je perds rien du tout. Ok. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. On peut retourner au camp, hein. Ouais, on va retourner. Ouais, je pense qu'on a gagné. Hein. Ah, il y a peut-être d'autres trucs à explorer, je sais pas, en bas. Faut voir. Ouais, ouais. Peut-être. Vas-y. Regardez. Peut-être là, des coffres, un truc planqué quelque part. Ah, un coffre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Boulon de glace, un coup en mana, munitions magiques. Je prends ça. Ah bah voilà des munitions pour ton bâton. Flèche en silex, flèche en fer. Ah non, je les ai pris sans faire exprès. Les potions de mana. Potions de mana, je le prends, je vais te donner les flèches. Ah, je veux bien. Je fais un petit peu de alors, place. Offrir à Tressea. Non, du mycélium là-dedans. Je n'ai rien reçu. Ok, c'est bon, t'as tout eu, logiquement. Normalement, on est bon. J'ai eu les flèches en silex. Merci beaucoup. Et les autres aussi. Les autres aussi ? Moi, je t'ai envoyé, je t'ai fait deux envois. Des flèches en silex et des flèches en je sais pas quoi. Mais ah, en ferraille. Tu avoir, peut-être que ça t'estaque. Oui, oui, ouais. En ferraille, ouais. Il serait temps qu'on sache les crafts. Cool, le jeu. Ouais, ah, il est vraiment, vraiment chouette. Je suis amoureuse, là. Il est très agréable dans sa progression. Et ici. Ah, attends, parce que ça se trouve, il y a des trucs. Ah non, peut-être des trucs planqués. C'est des serveurs multi-solo. Je crois qu'on peut totalement jouer en solo. Oh, il y a un coffre ici, peux... si vous oui, voulez. Oui, oui, je pense que oui, tu peux jouer en solo. Mais c'est vraiment le type de jeu où c'est trop sympa à plusieurs, quand même. Ouais, ouais, alors, mais c'est jouable en solo, quoi. Si t'as envie de le faire en un solo, tu peux. Un niveau 3. Ouais. Une hache niveau 3, mais blanche, et une baguette niveau 3. Je vous laisse la baguette. Mais du coup, entre ma baguette de PGM... Prenez tout et démantelez ce que vous avez pas besoin, en vrai. Ah, ma baguette violette améliorée a que 13 dégâts. Ah, le level up sur le stuff a l'air important. 7% de vitesse de la flèche... 20% de vitesse de la flèche. Ah, intéressant, ça. Ah, c'est marrant, les deux arcs que j'ai là, les différences entre les deux sont vraiment assez subtiles. Ouais, ça, là c'est une baguette feu et une baguette glace, donc je vais garder les deux, ça me permet de changer d'élément s'il y a une résiste, je pense que c'est pas mal. On a vraiment enlevé toute la brume, par contre là tu rentres dans la brume Pressea j'imagine. Ouais, pas. Je suis dans la brume, mais en fait pas tant que ça, non je suis pas dans la brume étonnamment là où je suis. Peut-être un peu plus loin quand même. Aïe, oula. Qui c'est qui te tire dessus ? Je dois y avoir un monstre pas loin. Il doit être en hauteur. Je suis content qu'il tire à toi, mais sur toi. Ouais, la brume, on va y re-rentrer, ouais. Bah, je sais pas que on peut retourner au camp en marche en. Oui, en, ouais, rapide, en se téléportant. Si ok, vous voulez TP ? Ouais, on va TP. Je crois qu'on peut... faites-vous une armure, ça serait cool. Avec la tête, il y a un truc qu'on pouvait débloquer. Ah ouais ? Ouais, 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 avec la tête que j'ai ramassée. Par contre, vas-y, attends. Je me TP. Forger une arme ? Il est très très cool ce jeu. Si jamais vous êtes intéressé ou vous en avez envie, vous pouvez faire la commande point d'exclamation. Moi sur ma chaîne c'est Enshr, je crois. Enshrouded. Enshrouded. Ou sinon vous avez la petite image et vous avez pareil sur les chats de Maf et de Crane. Vous cliquez et vous pouvez découvrir le jeu par vous-même aussi. Oh, c'est pratique ça. Recharge. Ah, il y a des matériaux insuffisants de son côté. Donc en gros, comment on fait ? Moi, je veux lui donner de la ferraille parce que j'en ai pas beaucoup. Mais je le mets immédiatement dans la forge. Et après, il s'en sert. Ah ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Il y a assez de charbon. Vous avez de la ferraille ? Non, la ferraille, on est toujours, toujours un petit peu dans la dèche avec la ferraille. La ferraille, non, j'en ai zéro. J'en ai zéro. Ouais, il va y avoir une mine quelque part. Oh, je peux améliorer l'hôtel. Avec le cœur de brume. Ah bah voilà, on a une plus grande zone de construction là. Nice. Est-ce qu'on voit. Ah, bah on peut faire dodo par contre. Étincelle. Moi je propose un petit repos pour se remettre de ses aventures. On peut réinitialiser les points de compétence si on veut. Ouais. Ah, je vais faire ça. C'est payant ou c'est gratuit ? Après, c'est différent. Réinitialiser les points de compétence. C'est payant, faut des runes, mais on en a. Ah. Je crois que ça y est, non ? Oui, ça y est, ça y est. Oui, c'est un peu la grâce mat, mais c'est par plaisir. Alors, il en faut combien ? Réinitialiser les points de compétence. Ah, il en faut 10. Je vais en reprendre une si ça vous dérange pas.
Oh, vas-y, vas-y. Tu veux réinitialiser ? Je mets tout dans le healer. Qu'est-ce qu'on veut là ? Ah oui, moi je veux une armure. D'ailleurs, il y a deux types d'armure. Il y en avait une qui avait l'air un peu plus axée distance. Attends. Et on doit chacun se forger une arme d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Je vous mets toutes les ressources que j'ai dans le coffre. Ah bah, il n'y a plus de place. Donc, les points de compétence. Ça, je vais l'offrir à Maf. Ça, c'est quoi ? Augmente l'intelligence. Oh, merci. Je fais des cadeaux. Je suis mis des dégâts magiques, vous avez 10% de chance. En tout cas, guérisseur, c'est ici. Ok. Non, c'est pas un MMO. Un petit RPG, oui, mais pas un MMO. Par contre, vous pouvez avoir un serveur à plusieurs. On peut avoir un énorme serveur sur ce jeu. Fourrure, tissu. J'ai plein de bonus sur les sortes de guérison, mais j'ai pas de sorte de guérison. C'est le seul problème. Je vais me balader un petit peu à l'extérieur et je vais essayer de trouver un endroit où peut-être on peut avoir de la ferraille. Après, de la ferraille en vrai, c'est pas, ça se mine pas. Bah, je pense que si, mais faut trouver un filon quoi. Bah, on va aller explorer. Ouais, bah là vous pouvez craft des petites armures pour vous déjà. C'est vrai que j'ai des... Ah, il faut de la ferraille. Pour démonter une arme, vous faites ça avec le forgeron ? Non, clique droit dessus. Ah, c'est clique droit dessus ? Mais seulement celles qui ont été lootées. Sinon, apparemment on peut pas. Donc les jeter. Alors attends, clique droit, démanteler. Allez, je démantèle celui-là pour voir. Ah, ça m'a filé des runes, ok. Démanteler. Ok, en effet. Attends, est-ce que j'ai des trucs à démanteler ? Ça, je l'ai crafté. On garde un truc corps à corps, on garde ça. Ça, malheureusement, ça me file crafté. Juste des runes. Démanteler, ouais, c'est moi, que des runes. Ouais. Je les runes, ça sert à quoi, en vrai ? Je vais garder, c'est une seule Bah, apparemment, déjà, pour réinitialiser tes compétences. Non, j'ai rien, là. D'accord, ok. Je peux faire du popcorn ? Avec le maïs ? Cuisiner. Oui, mais attends. Oh là, j'ai une dégaine, c'est parfait. Je suis prêt à remplir mon rôle de paysan jusqu'au bout. J'ai vraiment... Oh merde, tu fais vite. Bon, vraiment, il faut de la ferraille. Hein. Là, je pense qu'on va être peu près bloqué si on ne trouve pas. On va essayer d'explorer. Alors, la tour des anciens domine les friches. Il doit y avoir un moyen d'y entrer. Vous savez quoi ? Moi, je vais aller explorer au pif. Ok, mais moi aussi, je pense que je vais explorer au pif. Je suis. Ouais ? Attends, on va réparer. Cliquez une petite fois sur l'établi avant. Voilà. Et on te suit. Allez. Ah, ma config, bah, je vais la changer. Ouais, alors. Faudrait trouver du miel aussi, parce que ça... Le miel, faut repérer bien sur les arbres si on voit... Oh, petit saligo. Je vous laisse tuer les petites bestioles. C'est barré avec ma flèche. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas ? Oh, il y a une brume rouge dans un village là-bas. Ouais, à mon avis, la brume rouge, c'est signe... c'est une, pas bon. Une racine ? Ah, ou pas bon ? Bah, okay. À mon avis, on n'est pas capable d'y aller, quoi. Ah, mais bon, on est trois, donc ça fait... on contrecarre le pas bon, je suis sûr. Ouais. Non, mais à mon avis, pas bon, genre... pas respirable. Ah, carrément ? À mon avis, ouais, ça sent le truc qu'on va devoir débloquer plus tard pour pouvoir peur, y aller, quoi. J'ai compris, t'as peur. En vrai, moi, je pense qu'ici, ça doit s'enlever le brouillard. J'ai jamais peur, moi. Brume rouge, c'est mortel, on me dit, mince. Tant pis. On aurait pu le découvrir par nous-mêmes, vous savez. Oh. Il a rien droppé, ce petit lapin. Bon, du coup, faut ouvrir les yeux pour essayer de trouver du fer. Tissu déchiré. Est-ce que, sans nous dire ce que c'est le chat, est-ce qu'il y a une strat pour le faire ou pas ? Autre que tout taper. Enfin, taper les décors. Et la strat, ça peut être un filon, hein, évidemment. Oui, je crois qu'il faut trouver un filon, c'est tout. C'est ouf à quel point on contrôle rien quand il y a une descente comme ça. Ouais, quand tu glisses, tu glisses. Hein. Oui. Bon, bah, je suis dans la brume. Pour voir si je trouve quelque chose à casser. Et là, il n'y a pas de brume, c'est rigolo. Attends, je remonte où j'arrive, vous, là. Appâter les ruches depuis les arbres pour récupérer le miel et l'acier. Bon, là, il y a du silex, mais c'est pas ce qu'on veut.
ça, c'est l'endroit où on est descendu, je pense. Non, c'est quoi ça? Oui. Et attendez, le pont avec le grappin, on pouvait pas le passer? Bah du coup, maintenant, on peut. Ah maintenant, si. Moi, je pense, oui. Ah bah attends, vas-y, on va aller voir là-bas. Oh, je me suis défoncé. Oh, il y a des tentes. On a fait ces tentes-là? Ah. Il y a un lord présenté au tout début, on a une petite cinématique et Maf l'a très bien expliqué. Est-ce qu'il nous la réexpliquerait bien, celle l'histoire un petit peu du jeu? Ouais, bien sûr, avec très grand plaisir. Alors, que je me souvienne. Donc oui, le monde fut recouvert d'une brume. La brume fut mortelle, décimant les populations, détruisant les villages, ravageant les civilisations. Une fois le mal répandu, les demi-dieux anciens tentèrent de créer de nouvelles... une race particulière, nous, en l'occurrence, des guerriers capables de résister temporairement à cette brume afin de partir à la conquête du monde, d'éradiquer le mal à la racine et retrouver, ramener la vie dans le monde. Nous avons donc été réveillés de nos cryptes de stase et maintenant nous devons trouver le moyen d'éradiquer la brume. Voilà. Et voilà. Très bien. Alors, franchement, chapeau, Maf. Ouais, de la super ferraille, bien hein. Expliqué. C'est le moment de l'or. Mais après, il y a l'air d'avoir pas mal de l'or à découvrir tout au long du jeu. Ah bah, faut découvrir pourquoi. Ouais. On le trouve tout sauf de la ferraille. Moi, j'ai trouvé un peu, mais sur un cadavre. Par ça, contre, ça, on, c'est du fer, on peut passer le pont. Hein. Ouais, j'y suis au niveau grâce du pont. Grâce au grappin. Ouais, ouais. Ah, là, oh, non, faut vraiment casser des trucs en fer, quoi. Si tu vois des trucs tout en fer, il y a de la ferraille. Oula, Maf. Non, mais Maf. Dis-moi que t'as fait exprès. Non, mais je voulais m'approcher assez pour le taper. Il y a du fer. Attends, vraiment. Ah, là, pour le coup, il y en a même pas. Ben non, il y en a pas. Bah, c'est en métal. Bah, ouais, c'est en métal, c'est doré. Ah, oui, moi aussi, je me suis fait avoir. Les trucs, quand tu les tapes et que si ça fait du bruit de fer, logiquement, c'est bon. Bah, là, oui, il y a rien donné. Bah, là, du coup, on n'a pas eu de chance. Attends, oh, oula. Vous êtes tout du coup. Sur le pont. On est sur le pont. J'arrive, j'arrive. Attends, mais ces cages là, elles sont en métal. Oui, ferraille. Moi aussi j'ai de la ferraille. Ok, les espèces de cages, elles en donnent. On grimpe. Et là... Crane, il est pas loin. Ah, mais oui, il est là. Tu arrivais par la où? Pioche. Il faut la pioche. Je l'ai, moi, la pioche en fer. Tu... Une pioche? Pourquoi casser faire les, casser les structures avec la pioche pour avoir plus de métal. Oui, mais en fait, on n'était pas du tout obligé de passer par le pont. Genre ça. Après, là, je vais avoir de la pierre, non? Je veux de la pierre, logiquement, mais là, il y a un peu de métal, peut-être. Ça va l'air de très très bien marcher. Je vois pas de dégâts en tout cas, donc j'ai l'impression non, que le pont ne peut pas être cassable. Je pense que c'est mort. Ouais, peut-être qu'il faut des pioches plus haut level. Non, mais on va aller explorer. Tiens, hein. pendant qu'on est là, si vous voulez, on peut aller ouvrir la trappe qu'on pouvait pas ouvrir tout à l'heure oui. Dans le bâtiment là. Il fallait oui, quoi oui, pour oui. ça Bah le grappin. Oui. Ah, il y a aussi un camp ici qu'on n'a pas vu. Attendez, il y a peut-être. C'est pas là qu'on a trouvé le forgeron? Non, non. Non, non, le truc où on s'est téléporté. Ça se casse, ça. Les buissons peuvent vous cacher. On en a déjà tué... Attends, okay, attends. Ça, ici, c'est on ici qu'on a eu le forgeron. Ah oui, ça, c'est le forgeron. Oui, mais c'est pas ça que je disais. Ce que je disais, c'est la tour en haut, là. C'est celle où on s'est téléporté. Ah, je me fais attaquer par des abeilles, je sais pas pourquoi. Les moustiques. Yeah. Ah, alors peut-être. Mais c'est là, on peut. Non, non même pas. Tu lises ton gourdin. Attends, je peux les détruire les abeilles. Tu sautes et tu tapes. Ah oui. Bien joué. Ah bah oui, avec les sorts. Non mais ça donne pas de ferraille ça. Ouais, le gros ça truc. Ah ou alors c'est aléatoire. Il y en a juste en dessous de votre camp vers la brume. De quoi? Du fer. Attends, ça c'est un gros truc en fer, ça tu vas pas me dire que... Bah j'avoue, ça c'est un truc en fer, ça doit fonctionner. Ah, réparer équipement. Ah. Ah bon, c'est pas à casser alors. Ah, c'est sympa ça qu'ils mettent des trucs à... Ouais, j'avoue que j'avais mon armure cassée. Efficace. Ah. Ça va être en fer, ça c'est sûr.
Ah oui, peut-être. Et ça, tu me dis pas que c'est inefficace. À quel moment? Attends, mais la hache est mieux que la pioche sur ces trucs-là? What the fuck? Peut-être qu'il faut que je fasse avec la pioche. Ah bah non. J'avais le gourdin HS. Ah. Ok, ça en donne 3. Les espèces de cuves, ça en donne 3. Il faut 20 ans pour le détruire, ce truc. Oui. Yes. Ouais, si tu tapes sur le côté, c'est plus marqué inefficace. Ah, ça y est, je l'ai eu. Et j'ai eu 3 fers. En fait, je crois que inefficace, c'est parce que quand tu tapes avec la pioche, ça tape légèrement en zone. Et si tu cognes le sol, tu vois, il y a un espèce de sol en pierre. Et en fait, si tu tapes ce sol-là, la pioche est trop bas level pour l'avoir. Et c'est d'accord. Là que ça fait apparaître le message inefficace. Parce que si tu vises un peu plus haut sur la cuve, il apparaît plus le message. D'accord. Bon, bah, on peut avoir 3 ferrailles par truc qui prend 20 ans à détruire. Mais en attendant, ça reste 3 ferrailles. Non, on va aller voir. On ira bien par trouver. Je rentre du boulot. C'est pour 3 ferrailles, bordel. Ouais, non, puis ça met 20. Ah, mais parce que j'ai plus d'eau, faut que je boive. Ah, j'ai envie de mettre la musique j'avoue, des nains. J'ai plus rien là. Vous aviez trouvé un truc pour réparer là? Oui. En plein milieu de là où tu vas. Où je suis. Ah oui. Ouais, le son, il indique le type de loot qu'on frappe. C'est cool. La hache d'abattage pour tout détruire plutôt? Bah non, ça frappait à 1. Là, ça frappe à 5, donc la pioche était mieux. En fait, ça dépend. Tu dois utiliser les objets à bon escient. Du coup, on va voir le truc en haut, là? Ouais. Go. T'es où? Ah, il est là-bas. Il y a du miel ici, si vous voulez du miel. Le miel, c'est très bien. Non. Ça renforce l'endurance. Il faut faire tomber les... Tu peux le ramasser direct. Ah, c'est de là qu'elles venaient, les abeilles. Non, allez, pas ceux en haut. Tu vois, il y en a plein, là. Hop. Ah ouais. Oh, plein de miel. Ah, donc c'est pas ah ouais, les fibres, il faut prendre à balle. Attention, t'as un loup! Qui ça? Derrière toi. À moi. Roulade. Ah, j'ai plus d'envie. Ah, y'a un doigt. Diggy, haul. Pauvre loup. Oh, tiens, je peux faire des brochettes de loup, par contre. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas fait ça. Oh, un petit coffre. On a pas monté ici. On l'avait déjà vu. Ouais, un peu. On l'a déjà vu, ah oui, on l'a déjà vu, oui. Merde. Alors ça fait rien de monter, donc ouais, on pouvait vraiment casser là, ça change rien. C'était juste pour peut-être nous prévenir qu'il fallait par la suite vraiment... Et tout du coup juste derrière le toi, trou il y est encore. Je voyais plus. Ah, le trou il est là encore. Putain, trop bien. Ouais, mais c'est la déco roco, est-ce que c'est ça qui va... Ouais, il faudra qu'on voit ça. Alors... Ah, la viande cuite qui augmente la constitution, c'est tellement indispensable. Ouais. Ça prolonge tellement ta barre de vie. Je vais peut-être en prendre une alors. Hein. Utiliser l'objet. Voilà, c'est vrai. Ça fait un go up. Hein. Non, beaucoup de silex, mais je suis sûr si on va plus loin, on va retrouver un filon de fer. Vous avez vu les mines sur le poté? Non. Le silex? Ah, les mines de... Ah oui, si tu peux... Les filons de silex, oui, ça, on les a vus, ça. Hmm. Ok. Le grappling. Et c'est vrai qu'elle est immense, cette tour, en fait. Yep. Alors, oui, je vous attends pour qu'on voit ce que ça fasse, que tout le monde puisse voir. Alors, voyons voir. J'espère que c'est un passage. Ah, j'espère. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Oui. Ah, ça permet juste de sauter ici. On peut ouvrir la porte. Ah bah, oh, elle est ouverte. Nickel. Ah, ça se frappe, ça. Ça, ça se frappe. Ah, ça, c'était en caillou, tiens. C'est en caillou, ouais.
tonnes de la cire. Okay. Ouais, parfois tu récupères juste les matériaux qui sont dedans, enfin c'est déjà pas mal. Ou gaffe, il y a des pièges, yeah, mais ceci dit, on dirait qu'on peut quand même descendre un peu. Il y a un escalier. Attends. Ça monte ça? Ah, oh, ça se frappe ça aussi. Oups. C'est un nouveau ça? Ah, je sais pas, tu vas nous dire. Ah oui, c'est une nouvelle zone, venez, venez, venez. Oh, bon, nous, regarde, il y a des coffres. Ah, je ramasse, il y a pas mal de choses à récupérer là. Un coffre ici. Avec. Oh, des trucs magiques. Oh, canal de guérison. Bah, non, ça veut dire ça y est, je vais pouvoir vous guérir. Oups. Flasque de survie à la brume. Oh! Nice. Dommage qu'il n'y ait pas de ferraille, mais. Je suis trop con. Ah, vous avez pris l'ascenseur? Oui. Bah, moi je suis au-dessus. De quoi? Je suis en train de casser non, des. Je suis avec toi encore. Hein. Je suis en train de casser des jarres, vous en faites pas. Je récupère ce qu'il y a dedans. J'arrive. Ok. Oh, y a sur plein le chat, on me dit bon bah, me revoilà, j'ai fait un aller-retour à Micromania pour m'acheter une carte porte-monnaie Steam pour acheter le jeu, c'est de votre faute. Ah, ça fait plaisir ça! Amuse-toi bien. Potion de mana, cool. C'est pour toi ça. Ça vaut le coup. Je veux bien. Par contre, du coup, là, j'ai 9 trucs de guérison, mais est-ce que ça veut dire que je peux guérir que 9 fois et après j'ai pu? Comment ça marche? On m'avait l'air de dire que c'était tiens, Crane, il y a encore une potion de mana ici par terre. Je prends. Merci. J'ai une feuille de métal. Comment on va en face? Ah, oh, c'est cool, sauter. Tu as la feuille de métal. Oh. Ouais, en cassant les grosses jarres, en vrai, il y a des items qui sont assez sympas. Hein. Tu viens après, Céa? Ouais, j'arrive. Oh, il y a un truc lumineux chelou ici. Oh bah attends, il y a plein de jarres en bas. Il y a de la lave. Qu'est-ce que c'est que ça? Certains boutons peuvent être hors de portée. Tirez-tu avec une flèche pour les activer. Encore ah, une... On va essayer avec un truc magique, sinon ce sera quoi. Ah non, c'est une potion de soin, ça. Non, ça marche aussi. Ok. Lumière... Arc level 3 et masse magistrale level 3. Il y a plein de trucs dans ces jeux. Il y a une masse magistrale? Je les ai pris, je vais vous les donner. Cool. Attends, moi merci. J'ai un truc pour toi, Crane, encore. Attends, j'ai plus de place, laisse-moi juste envoyer. Ah merde, je l'ai envoyé chez Pressia. Oui, j'ai beaucoup de mana. Vous êtes trop loin tous les deux. Je vais me rapprocher. Ok, je suis là. Putain, c'est vraiment alors, les postiers. Les livraisons, hein. T'es full ou pas? Parce que j'arrive pas à t'envoyer l'arc. Ouais, attends, qu'est-ce que je vire? La terre, ah oui, moi j'ai eu la mage magistrale, trop bien. Après c'est un arc de base, hein, ça se trouve t'en fous, mais il est level 3, donc je sais pas si t'as mieux ou pas. En fait je l'avais déjà, mais c'est pas mal. En vrai c'est cool. Voilà, j'ai de la place. Arc du chasseur. Oh, j'ai trop de bordel. Ouais, la il terre, est... on s'en fout la terre. Je l'ai un petit peu moins bien que celui-là. J'ai une question, mais en effet, je vais répondre et vous me corrigez si j'ai faux, hein, m'a fait Crane, mais on me demande si la progression d'un perso est maintenue quand on débarque sur un nouveau monde, sur un nouveau serveur. De ce que j'ai l'air d'avoir vu, oui, en effet, c'est là, par exemple, là j'ai mon personnage Pressia, et je peux utiliser le même perso pour aller de serveur en serveur. A priori, ah, ouais. Donc, que tu peux rester là. Qu'est-ce que c'est? Il me stresse. Ah oui, ça soigne. Il est un peu. Oh non, c'est cool. Coup, ça a utilisé une charge, ça a utilisé deux charges même. Ok, donc ouais, mais ils sont vraiment dépendants de si je trouve des sorts de heal. Mais du coup, on a très. Il doit y avoir un moyen de les crafter parce que sinon, je fais un heal tous les 6 mois quoi. Oui, mais sûrement, il y aura moyen de les crafter. Oui, pas la base par contre. Est-ce qu'on a tout fait? Je crois que ça c'est en métal aussi. C'est d'où on vient ça? Non, rien eu. Ah, ça a l'air dangereux. Attends, c'est par ici qu'on est arrivé? Je sais plus on du est arrivé tout. Ici, si, oui, non, c'est un autre TP là-bas. C'est un autre TP? Bah alors, ah non, c'est celui-là. Celui-là, je crois que c'est pas le TP qu'on a pris, celui-là. Eh mais attends, il y a moyen d'aller par là? Oui, celui-là c'est nouveau là où je suis. Ça c'est un nouveau. Il y a moyen d'aller là. Et du coup, ça nous amène devant une porte fermée ou avec des pièges. Voilà, j'ai trop de trucs. Gaffe. Ah oui, il y a des pièges. Oui. Oh là, attends. Alors attends, faut aller où? Mais jamais j'ai le temps de traverser. T'as traversé? Alors, non, j'ai un petit bug là. Je te vois courir.
Et toi, okay. tu me ouais, vois t'as disparu, donc... Moi, j'ai disparu. J'ai trouvé une grande potion de mana. Ah, mince. Ah, je vais peut-être de reco déco. Mais le problème, c'est comme c'est moi qui héberge, il y a moyen que ça vous déco. Ah, normalement, oui. Ah, oui. Ah, attends. Après, du coup, je triche. Pourquoi? Parce que du coup, je peux passer le piège. Donc vous êtes où là? Attends que je prenne le coffre avant de... Vous avez pris le TP? Déco-reco. Oui, on a pris le TP. Okay. Prends le coffre et puis je vais déco-reco parce que là, j'ai un petit bug. On peut aller en face, ça a ouvert. Pas du tout, pas du tout. Vous avez passé les pics? Bah, je peux pas... Ouais, j'ai passé les pics, ouais. Je vais déco-reco maintenant, donc... Oh, il y a des trucs trop cool. Attention. Adieu. Vous me dites si... Non, ça vous a quitté aussi, je pense. T'as quitté? Non, on est toujours là. Ah si, erreur. On n'est plus là. Je ok, je si reviens bon, sur va... la session. On va voir, on va reco. On va reco, ouais. C'est le même code. Ok. Rejoindre... Hop. Rejoindre... Est-ce que... Je vais taper des trucs... Ah, par contre... ok, bah on a repop... Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai repop à la base. Hein. Progression du jeu, c'est amusant. Et comment ils font quand on se repop. Trop bien. Ah oui, moi aussi. Ok, d'accord. Ouais, on va devoir malheureusement refaire tout le chemin. Vous savez quoi, repartir. Je vais en profiter pour couper la VOD de 2h45 pour YouTube. oui, vas-y. Donc, on va faire des bisous à YouTube. Voilà, vous avez vu notre découverte du jeu. C'est très très cool. Franchement, j'ai passé un super moment. Si vous voulez bien continuer à explorer encore derrière, moi je suis chaud. Ah, moi je suis chaud aussi. Hein. Et bah go. Mais en tout cas, on fait des bisous YouTube. Et c'était très sympa. Et avec Prissia et avec Maf, à bientôt. Ciao, ciao. YouTube. Hop, j'ai c'est plus tout qu'il bon. Faut en faire la tête voilà, de monstre. C'est vrai qu'ils aient une vidéo de 6h, déjà 2h45. C'est YouTube oui. friendly. Oh, ça, c'est ça, les vidéos qui percent. Alors, on va essayer de vider un petit peu notre inventaire. Je voulais faire, je refais une pause. Excusez-moi, je reviens. Vas-y. J'ai plein de ferrailles, enfin j'en ai 10. On va mettre ça ici. Ouais. Enfin, quoique, me crafter un peu d'équipement, ça pourrait être bien aussi. Ensemble d'armure en fourrure. Je peux faire un chapal, là. Ou je peux faire un plastron. Tac. Il me faut des... Est-ce qu'on a des fourrures en stock? Ouais, je pense qu'on en a encore. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a plus. Vous avez tout volé. Il n'y en a plus? Non, alors, attends, plus, je regarde sur moi... Moi j'en ai encore 14, attends. Attends, je vais te dire combien j'en veux. Combien il en faudrait? 1, 2, 3... Attends, 1. Ouais non, il en faut beaucoup. Au moins le plastron et jambes, ça ferait 5. Tu peux m'en passer 5. Je viens de t'en passer 7 normalement. Ah bah c'est encore mieux que 5. Merci bien. Et alors, regarde si je peux faire ça. Ok. Bah, je pense que Prissia est très contente d'avoir eu les. Oui, les trucs en. ouais, en là, fourrure. Je pense qu'elle est très heureuse d'avoir eu la fourrure. En herbe? Elle, c'est le truc, ça s'appelle en herbe. Tu les as pas mis dans le coffre, tu les as envoyés à Prissia, hein, c'est bien ça. Attends. J'ai. c'est possible. Prissia. Attendre qu'elle revienne. Tiens, pourquoi donc, ça? Dans les remarques qu'on peut faire sur le jeu, le système qui serait à revoir, c'est le transfert de. Le pire, c'est que c'est même pas. C'est, non, c'est juste c'est que je le cours, gros, quoi. Hein, et on peut faire faut cuire les champignons. Le petit publicité. Oh oui, on s'en fiche. C'est, pas... c'est vrai qu'on est plus en OP, mais. Toujours la suite de l'OP. Voilà, je l'ai enlevé. Ah oui, on peut faire cuire les champignons. Voilà, j'ai enlevé publicité. Hop. Est-ce que j'ai encore des champignons à cuire? Non.
J'ai entendu mon pseudo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux vérifier si t'as... des fourrures, si... mais Est-ce que par hasard, t'aurais pas reçu un colis qui ne t'était pas destiné? Il va peut-être falloir penser à une reconversion, meuf. Ouais, tout à fait. Oups, les envoyer, s'il te plaît, ou les mettre où? Hein. C'est une fourrure, c'est ça? Ouais, 7. Ok, oui, en effet. Hop. C'est bon. Merci. Alors, fabriquer ensemble, on va fabriquer le plastron. Et il me manque une ficelle. Ah, moi aussi, que j'ai la viande de loup. Alors, ficelle, oui. Voilà. Non, c'est pas toi, c'est toi. J'aimerais quand même bien voir comment fabriquer des meilleures flèches. Okay. Vous avez besoin de feuilles de métal ou pas? Équipé, non. Okay. Oh. Je vais juste pas finir mon armure, du coup j'en profite. Donc on peut faire ça, on peut faire ça. Il faut juste de la ficelle. Ça c'est un. Ah, vous avez vu l'amélioration des équipements? C'est vraiment, c'est les pièces justement. 4 ficelles. Quoi? J'ai pas compris. Chez le forgeron, t'as l'onglet améliorer l'équipement et c'est en payant avec des pièces. Donc quand tu démantèles un objet, tu gagnes des pièces. Ouais. Et okay. Avec les pièces, tu peux améliorer les autres. Ah, ok. Et ma baguette level 1 est devenue baguette level 2. Mm. Par contre, pourquoi vous mettez vos pantalons usés au coffre, tout ça là? C'est pas moi. Là, je les jette maintenant. On peut les jeter, oui, parce qu'effectivement... Il y en a obligatoirement un, c'est toi, non? J'en ai marre de ramasser vos slips sales et le panier à linge, bordel! C'est fait pour les chiens! C'est bon, je les jetais. Alors, est-ce que vous auriez 4 ficelles? Par hasard. Malheureusement, non. J'en ai pas, j'en ai qu'une. On peut aller chercher un peu. Je vais ramasser. Comment on fait des clous? Oui, les clous, bah faut de la ferraille. Encore une fois, ferraille, ferraille, ferraille. Toujours. Nous manquons de ferraille. 4. Ok, 4 terminés, j'ai forgé ce qu'il fallait. C'est cool. Ah oui, ça que des flèches en bois. La ficelle, comment on la récupère? C'est... Les buissons. Mais on peut en fabriquer. Donc je peux peut-être... Oui, avec les buissons que tu ramasses, les petits. Ouais, absolument. What? Baguette d'invocation. Rappelle les survivants sauvés dans vos bases autour d'un hôtel de la flamme. C'est le truc qu'on a utilisé pour invoquer le forgeron. Ah, ok. Il y a plein de miel sur les arbres si jamais il y a des intéressés. Ah ouais, le miel c'est trop bien. Bon, par contre vraiment les flèches, pour l'instant c'est que les flèches en bois quoi. Non, c'est... pas de mal à me repérer. Et fabriquer. Tu veux combien de ficelles? Parce que je peux en faire beaucoup, Crane. Oh, je vais avoir, je pense que j'aurai ce qu'il faut. J'ai ramassé plein de trucs là. Ok, d'accord. Ce qui va me manquer, je pense, c'est peut-être deux fourrures, mais je suis pas sûr. Ah, moi aussi, il va falloir que j'aille partir à la chasse. L'herbe dans le coin à l'entrée de la maison me trigger un peu. Bah, c'est joli un peu, mais on peut l'enlever. Oui, mais, j'avoue vrai, que... J'aime bien, mais ça s'enlève. J'ai pas réussi à l'enlever. Alors, ficelle, ouais, il va me falloir deux fourrures aussi. Planeur. T'as mis des flèches en silex, je vais pas utiliser ça moi. Je crois que je fasse un planeur. Bon, je vais essayer de trouver des petites bêtes pour récupérer leur fourrure. J'en ai une. Ah, mais là, je peux tout faire. Y'a là. C'est bon, la foule. Y'a là, créature du Satan. Non, j'ai plus besoin de. J'ai rien dit. Équipé. Y'a là. Voilà. Au niveau 3, yes. Ok. Je crois que j'aurai assez. Là-bas. Moi, ouais, j'ai pu bien upgrade mon arc aussi. Il va devenir pas mal. Dommage que les moutons courent moins vite que les humains. Après, moi, je veux ça. Hein. Un truc qui régénère passivement les gens autour de moi, là. Ça a l'air trop bien. Oh, j'avoue, ça, c'est stylé. C'est ça, c'est le coin commodité avec l'herbe. C'est ça, c'est là où on pisse. En vrai, il n'y a rien de plus naturel. Ouais, c'est absorbant. C'est absorbant absolument. Je suis auto-nettoyant. Il te manque 2 points, pourquoi?
pour avoir le skill qui permet de tous les joueurs dans un rayon de 15 mètres et génère un point de vie par seconde pour chaque point d'intelligence. Ah. C'est quand même très très sympa. C'est la litière pour humains, quoi. En vrai, il n'y a rien de plus naturel. Je suis sûr que c'est hyper efficace. Faudrait que j'essaye ça chez moi, en vrai. Oula. Ah, je voulais un bouclier. Ah, oh, il est trop joli ton bouquet de fleurs. Non, non, non. C'est là où tu fais pousser ton basilic. Ah ouais, c'est ça. Sur la salade. Ça me heal, là. Oh, chouette d'avoir son persil directement à disposition chez toi. Tu permets, j'en prends. Apparemment, bon. Quelqu'un sait comment on se heal passivement sans utiliser de trucs à bouffer? Tout ça, s'il y a une strat, j'ai essayé en m'allongeant, j'ai... Ah, ouais, ça serait intéressant à savoir. J'ai pas l'impression. Ça s'essaye en coin du feu? Je pense pas. Non. Oh. Non. Coucou. Peut-être qu'il peut... Oh, niveau supérieur, niveau 3. Trop bien! Deux. Ça fait moi, y a un... On a tous pris un niveau 3, non? Ouais, c'est pour ça que je viens de mettre des points. C'est cool. Ouais, ça. Oh putain, les feuilles de métal, c'est fou ce dont on a besoin. Il y en a tellement besoin tout le temps. Ouais, mais vraiment, la ferraille, il faut qu'on trouve un truc. Ouais. Il nous faut un filon. Ah merde. Par contre... Ouais, je sais pas. Quand j'ai fait ma maison, c'était marqué confort niveau 10. Pourtant, j'ai rien fait de plus. Ah, il y avait des étages. Peut-être c'est ça la différence. Fabriquer des flèches. Ah ouais. Ah, parce que là, on est confort niveau 6. Est-ce que c'est parce que il y a de la fraîcheur encore quelque part? C'est normal le trou dans le toit? Ah, il y a un trou? Oui. Non, c'est pas normal. Je sais pas pourquoi il y a un trou. Qui a fait un trou dans ma maison? C'est pas moi. T'as fait un trou? C'est Molly là. T'as fait de trou? Qui? Quelqu'un fait un trou? C'est toi, t'as pas oublié de poser un truc? J'ai pas fait de trou. T'as fait un trou? J'ai fait zéro trou. Je fais pas de trou, moi. Je suis occupé. Moi, je me souviens que le toit, il était terminé. On a eu une vision du futur quand ils streameront à 90 ans. Ah oui, les bandages, il faudrait que j'en fasse. Oh, mais on peut sauter sur le toit. Ah bah, tu vois, t'avais pas besoin de... On peut sauter sur le toit? Ouais, ici, là. Vu que c'est assez haut, faut prendre un peu d'élan, et puis... Youhou! Ah oui, ouais, juste avoir un petit peu de talent. Ah. Je continue de me moquer. Je l'ai fait qu'une fois, ça se trouve je redescends, je remonte plus jamais. Hein. Ouais, j'arrête. Attends, vas-y, je vais réessayer juste pour voir. Je veux du fer. Ah non, j'ai raté. Ah, tu vois, j'ai eu un coup de chance du coup. C'est fou. Ah non, j'ai réussi. Non, ça va, c'est toi qui mets de la mauvaise volonté. Ok. Hey, mais j'ai l'impression mais après, que... Après moi, les plateformes, ça n'a jamais été mon fort. Mais t'as une armure plus lourde, ça se trouve, ça joue. Hein. Peut-être. Oh, c'est l'armure. Hein. Je pense que tout le camp a repop à côté de chez nous. J'ai l'impression que tout est réapparu. Ah, ah ouais, vu qu'elle a des coreco, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des chances que... Ça a l'air. Ah bah du coup, on va pouvoir voir la grotte en acrosi aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a un truc qui s'illumine. Hein. Donc là, il y a un mob, logiquement, s'il a repop, ouais, il est là. Eh oui. Ah oui, tout est revenu ici. Oh, du coup, ça, les coffres ça veut dire que... Oui, les flèches. Ah oui. Les loots sont apparus. Intéressant. Ouais, tout est revenu en fait. C'est un peu cheaté. Ok. Est-ce qu'il y avait des coffres? Il n'y a pas de coffres. Je sais pas si c'est voulu de la part des devs, ça. Que ça repop comme ça? Ouais. Ça peut peut-être poser des problèmes en vrai, le fait que ça repop. Bah, parce que du coup, effectivement, ça peut faciliter le jeu, mais. Tu décores Reco et tu refarmes tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux. Ouais, c'est merci ça. Tu peux avoir vraiment cette technique merci infâme de décores Reco. Merci à Ogma aussi pour les deux mois. Bon, ça casse l'immersion, mais. Oui, après. Au pire, si t'as envie de le faire, hein, c'est oui, chacun son gameplay, ouais. Oui. Mais chacun je veux dire, en termes de game design, je pense pas que ce soit voulu comme ça, quoi. Oui. Bon, je vais aller faire un tour à la recherche de fer. Ouais. Comment on ouvrait ça? Ah non, juste là. Ok. Moi, je refais le tour des coffres. Je fais plein de flèches. Ok. Par contre, les animaux, je pense que eux, ils repop normalement. Ouais, mais même quand on était connecté régulièrement, je voyais des animaux revenir.
donc... Ah non, on me dit dans le chat que ça n'a rien à voir avec Déco Roco, c'est juste qu'à un bout d'une certaine heure, ça revient. Ah ouais ? D'accord. Ah d'accord, c'est donc le... Voulu. Après, c'est info de chat, mais... désolé, hein, je me permets toujours de préciser info de chat, chat. Vous avez peut-être certainement raison, mais... Sac à dos plein. C'est vrai qu'on n'est pas allé là. T'es déjà allé par là, après ça, ou tu découvres Là où je suis, non, je découvre totalement. Okay, attends, je vais venir. Il y a... Bon, il y a des pansements. Ah oui, il n'y a pas de petite grotte. Attends, si, il y a un truc en face, là-bas. Y a un comment truc... on y va? Ah bah ça, tu vois ce que t'as fait. Ok, mais moi, je sais pas trop si je vais y arriver. Faut courir, hein. Oublie réussi. Pas de maintenir... C'est bon. De maintenir le shift. Et on peut monter là. Bon, il n'y avait rien. C'était des flèches. Oh. Ah, c'est du silex. Oh, oh, attends, 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 ils font peur. Non, ils font peur ou ils font pas peur? Ils font pas peur. Ils font pas peur, ok. Let's go. Elle n'a jamais peur. Hop, hop. Oh, ça va, ils sont fragiles. Surtout qu'en plus, on peut les faire exploser si tu tires dans les tonneaux rouges. Mais... Non, attends, n'y va pas. Alors là, il y a un filon, je pense que c'est un filon qu'on connaît pas. Ah. Non, si. Non, ça c'est... Oh, regarde en faisant exploser ce qu'on a découvert. Oh, oh, un coffre. Ouais, bon, par contre, c'est encore les mêmes loot. Ah ouais, mais à démanteler, c'est pas mal. Vas-y, je les prends. Un cadeau plein. Bon, ça, c'est... on connaît ça, malheureusement, ce filon. Ouais, je crois qu'on le connaît. Je suis full... j'ai des flèches en silex, ça, je te garde, mais les flèches en bois, tu veux que je te les garde aussi ou pas Ouais, ouais, parce que je les utilise pour chasser. Comme ça, ça me fait des flèches bas de gamme pour, pour tirer sur des mobs. Je suis là, hein, je suis à côté. Je peux les prendre si tu veux. Ah, tu peux me les donner, j'ai de la place dans mon sac. Offrir. Non, trop loin. Tu peux me les offrir si t'as vraiment plus de place. Ok. Après, je les donnerai à Maf. Ouais, tu peux comme ça. C'est pour dire que c'est toi qui fais le cadeau, j'ai compris. Voilà. T'as tout compris. Les ai fabriqués moi-même. Ah, ça me fait deux places. Good. Yeah. C'est cool, en plus, la musique, elle est belle. Bien, mais... Elle est très très douce, la musique de Nature Nature, j'aime bien. Ouais. Ah, je vais grimper là-bas, je suis curieuse. Et du lore ici. Oh, il y a masse bois. Argon. Oh. Oh. Ah, j'ai besoin de vous, je pense. J'arrive, hein. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Non, ça c'est mal. Non, c'est du silex encore. Ouais, c'est du silex, ouais. Ouh, oui, je vais peut-être avoir besoin de vous. Fait... Ah non, j'ai ouvert le truc Steam. C'est bon. Là, on arrive. Ouh là. Ouh, ils sont... En fait, ils font des dégâts. J'arrive. Attends, résistance, faut moi aussi, je fais du dégât, mais eux, ils font vraiment du dégât. Efficace. Ok, une fois que je suis passé en gif, ça va beaucoup mieux. Heureusement que j'ai des pansements dans mon sac. Yeah oh, en dégâts, je fais beaucoup mieux, là. Oh, les dégâts à l'arc qui ont monté d'un coup. Sac à dos... Sac à dos... Ah non, ça, c'est anecdotique pas au début. Non. J'ai sympa, un élixir, un peu de ferraille sur le gars. Ah, il y a un camp. Ouais, il y a un camp. Ouais, c'est là d'où il venait. Alors c'est rigolo parce que la baguette de feu faisait pas de dégâts sur les maraudeurs, mais beaucoup sur le loup, et inversement pour la glace. Ah oui, il y a des effets... Voilà. Interesting. Ok, c'est bon. Ah, désolé, j'étais en train de manger, j'ai pas vu. Pas grave, pas grave, j'ai juste failli mourir. Attends, on va prendre un petit pansement. Saloperie d'abeille. Voilà. Le maïs, il fait quoi déjà? Plus 2 de force. C'est maligne quand on aura éradiqué votre écosystème. Coffre. Avec des flèches en silex. Je te laisserai les ramasser. Je suis pas loin. Qu'il y a d'autres choses. Gaffe aux tonneaux explosifs. Il y a un endroit pour réparer son stuff aussi. Ouais. 2 ferrailles, on prend. Des pots, mais je suis niveau full. Qu'est-ce que je vais jeter? Qu'est-ce que je vais virer? Ça, c'est quoi, on a dit? En vrai, ouais, s'il y a quelqu'un qui veut bien exploser les mines qui sont dans la grotte, faut qu'on aille explorer. Je suis ah ouais, dis-moi, tu es où? Elles sont où? Ouais, là-bas. Elles sont où les flèches? Là, il y a un coffre ici. Là, ici. Là. Ah.
je tout découvre. Voilà. Oh. Y a un coffre. Et il y a du lore aussi. Oh la masse. Je prends. Je vous laisse le reste. Je le jure, non, c'est moi, j'ai la bouche pleine de poussière, elle est m'engorder, mais malédiction que la brume nous emporte tous, d'accord. Il y avait quoi de beau? Je suis full. Moi j'ai une masse, ça va. Oh, il y a un bâton vert. Ça doit être mieux que le bâton blanc. Ah non, oui, si, c'est mieux ce que j'ai. En fait, j'ai l'impression que les items bleus, verts, etc., plus la rareté augmente, plus ils ont des améliorations possibles. Moi, mon arc bleu, par exemple, il avait 3 améliorations possibles, alors que mon arc vert en a 2. Ah, ça me fait penser qu'il faut que j'améliore à la fin, je tiens. Donc, si c'est un truc plus bas que ce que vous avez, vous le démantelez, comme ça vous avez le pognon et puis vous augmentez le reste, quoi. Ouais, ok. Mais je peux pas démanteler là, j'essaye de savoir pourquoi. Peut-être parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Ah, c'est que tu l'as crafté. Si tu l'as crafté, tu peux pas. Non, c'était pas un crafté celui-là, justement. Il y a marqué démantelé, mais il est grisé. C'est ça que j'essaye de comprendre. On me demande dans mon chat s'il y a une classe île possible, et je pense que oui. C'est ce qu'est en train de faire Backrain. Tu es en train de voir un petit peu si tu peux heal tout le monde. Il y a des sorts de heal en tout cas. Il y a des sorts de heal, ouais. Il y a l'air d'avoir plusieurs moyens de heal les gens, donc ouais. Ça a l'air. Ah, mon sac à dos. Bien vu, bien vu le chat, merci. C'est parce qu'il est équipé à cet endroit-là. Bien vu, bien vu, merci. Hop. Qu'est-ce que c'est malin, chat Twitch. Ah oui, sans eux, qu'est-ce qu'on serait. Ah bah, je sais pas jouer aux jeux vidéo. Hein. Et encore du silex. Il y a beaucoup du silex. Il y a ça à chauffer. Là, il y a encore du lore. Oh ! C'est quoi ça ? Salut ceux qui rejoignent ! On peut monter ici. Fouiller. Ça vous fait quoi d'être intelligent ? Pierre. Ah non, c'est une pierre. Mince, ouais, il y a il tank, archer, magicien, barbare. Oh, et c'est dans les arbres de compétences que vous pouvez voir ça. Justement, par de compétences, je me demande si j'en ai pas une. Ah, venez voir, c'est trop beau. Ah bah voilà, survivant, maître de la bête, garde communauté assassin. Moi je suis parti pour faire... tank. Oh, des loups. Je sais pas où vous êtes allé. Ah, vous êtes parti du camp. On est parti. Oula, attends, maf, j'arrive. Je vois rien du tout, mais j'arrive. Non, ah, la vache derrière moi, maf. Oula, mais ils te veulent, hein. Ta chair est tendre, maf. Ils ont compris qui était le chef de cette équipe. Allez, à l'autre bout du monde. On répare. C'est bon. Ah, la vache. Attends, je vais tenter de te heal. Ah oui, j'ai essayé bien tout à l'heure. Alors, tu veux poser un sort, lancer un sort chargé, canal de guérison. Ah, vas-y. Et là, il me fait pousser un énorme tentacule. Bah ça me heal moi. Il y a rien eu, j'étais trop loin. Attends. À moi. Tu crois que si je... À mon avis, ça va vers le plus près, ouais. Ah oui, ouais, ça t'a healé. Ouais. Ah, c'est moi, c'est venu à moi. Okay. Vous avez vu ça comme regardez, c'est joli. De la brume rouge. Il me reste qu'un sort et demi, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, ça utilise 2. Oh. Wow, de demi-tour. À ce point ? Ah oui, oui, non, ah ouais, faut pas y aller, faut pas y aller. Ok, ok, oui, ça clignote, c'est pas bien. Ça descend très très vite. C'est pas par là qu'il faut aller. Pas tout de suite en tout cas. Ah. Oups, oula. Il y a du monde en bas. Du monde. Moi je pense qu'il faut aller leur dire bonjour. Bon, peut-être pas en prenant 5000 dégâts en descendant, mais... Ouais, comme moi, si, éviter en fait, de faire les mêmes bêtises. Okay. On va prendre une petite potion. Voilà. Je vais en avoir une potion, plus ça va me soulager. Hop là, en douceur. Parce que j'ai quand même pas mal d'objets là, moi. Ouais. Hop. Non, c'est l'invocation de PNJ, Angel. Attendez, bougez pas. Ok, ils ont l'air en colère. C'était quelque chose. Ouais, je reste derrière, t'inquiète. Vas-y, maf, tire. Attends. Ah, ça va, level 3. Vas-y, maf, je crois en toi. Bien joué. Malva. Ah bah je me... même pas le temps. Bandai okay. Bim. Nickel, l'archer est mort. Ah oh, les dégâts qu'il fait mon arc maintenant. Par rapport au début, c'est ouf. Hop. Et du coup, où est-ce qu'on est?
Par contre, on voit pas quand on a pris des compétences. J'ai combien, moi? Ah, faut regarder régulièrement. Regardez régulièrement. J'ai un point d'épée. Non, il m'en faut 3. 10% de dégâts aux ennemis qui attaquent à distance. Oula, il y a beaucoup d'ennemis. Hein. J'ai la tête d'un ennemi, c'est augmenté de 20%. Essayez de tuer les distances. Ah oui, attends. J'arrive. Il y a du monde là, c'est dangereux. Et j'avoue, là, il y a du monde. Ça a l'air de bien se passer. Ah, oula, ils m'ont pris en sandwich! Gaffe. On te couvre. Oula. Faut parer. Est-ce qu'il reste des popos PCA ou est-ce que t'en veux? Ouais, j'ai des potions, en vrai j'en ai. PCA, t'as pas de bouclier? T'as pas de bouclier? Ouais, ouais. Non, j'en ai pas. Mais ta masse, c'est à deux mains, non? Et la masse, bah j'ai à une main, je sais pas si on peut la prendre à deux mains. Ah non, celle-là est une main, ouais. Mais ça, c'est la toute petite que t'as eu au début? Ouais, c'est la toute petite que j'ai eu au début, ouais. Mais y'a pas mieux, en vrai, pour l'instant. Mais ouais, il faut. J'ai vu comment faire un bouclier, mais il faut 6 de fer. Quoi, ça là-bas? Chauve-souris. Ah, ok. Ça a pas l'air simple à viser. Ça remue, hein. Ah, j'ai des petites ruines là où je suis. Oula, il y a des petites araignées. Ciblable. Oh, ah oui, des petites araignées. Attends, il y en a une là-bas. Morceau de bestiole. Ah ouais, je suis cool, il y a d'autres biomes avec d'autres animaux. C'est vrai que je passe sur la glace. Ah oui, elles prennent très très cher sur la glace. Par contre, je me suis complètement fait empoisonner là, non? Donc c'est le décès ou comment ça se passe? Non, c'est bon. Il y a peut-être des antidotes, non? C'est bon, je suis pas mort. Ah, il est où? Je suis coincé, je suis tombé dans un trou. Mais encore. Mais ah oui, mais attends, mais comment t'as fait pour trouver cet endroit? C'est pas possible. Eh ben, j'ai suivi la chauve-souris. Il y a des trucs bien en bas ou pas? Ah non, c'est un trou. Non, il y a que du filet. C'est un trou, tout ce qu'il y a de plus trop. Oh, trop bien, ça me passionne. Des loups encore. Ah. Ouais, non, c'est ton armure, je pense, hein, tu sautes moins loin. Il y a du monde là, gaffe. Ouais, en effet. Oh là, faut que je passe. Hop là. Aïe. On va tuer l'archer en premier. Oula, il est vénère. J'en ai un qui. Attends, mais il frappe. Il frappe un peu trop là. Il y a aussi des loups. Ouais, je veux bien que vous. Oula, il vise ma. Dès que ça bouge, mais ça, je touche rien. Attention, il y a un loup. Il y a le loup. Ah, flelou. Désolé, la non, faut pas. On la garde, Je suis pas flelou, ça fait afflelou. Non, c'est bien, j'aime bien. Non, c'est. Non. Faut pas valider ce genre de choses. Coupé, non, on la garde. Non. Ah, c'est la brume rouge de nouveau ouais, là-bas. J'ai une roulade, ouais. Mais j'avais pas d'endurance. Attends. En effet, on peut pas aller plus loin. Mais c'est immense cette map, c'est abusé. Ils vont faire 4 fois plus grand. C'est des malades. Ah, parce qu'ils ont prévu de faire 4 fois plus grand. C'est ce que m'a dit le chat, ouais, que là on a 16 km carrés, qu'après ce sera 64. Oh putain. Vu qu'on est en Orly. C'est quand les grosses boules de feu? C'est vrai que j'ai des sorts de feu, mais j'en ai tellement peu pour l'instant. Utiliser des spells, c'est compliqué. J'ai envie de grimper dans la montagne. T'as tes potions de mana? Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai des. C'est inconsommable les sorts. Ah oui, c'est des munitions. Donc, oui, mais oui, effectivement, il y aura sûrement une table d'alchimie pour les crafter ou un truc comme ça. Il faut, parce que sinon. Ça veut dire que je peux faire 3 sorts de soins toutes les 6 heures. Oh, trop bien, on a trouvé un donjon! Oh. Sanctuaire de la flamme, en plus de la flamme, ça monte trop classe là. Trop bien, peut-être qu'on va trouver un PNJ justement. Attends, c'est quoi ça? Cet amoureux ont cherché un refuge dans la flamme, mais elle ne les réchauffe plus. Oh, c'est triste. Tiens, il y a des trucs en fer. T'as vu, il y a deux plaques de fer au sol, si tu veux les prendre pressé. Hein. Une étincelle? Il y avait une étincelle là-dedans, c'est ce qu'il faut pour améliorer le camp, je crois. Ah, trop bien. J'adore l'ambiance. Ça fait très rune d'Oemer. Ouais, j'aime un peu. Tu avais posé une pierre. Une pierre? J'ai pété un truc qui a donné une pierre, mais j'ai pas su la ramasser. Mon inventaire est plein. Ah.
Non, il se passe rien. Donc c'est juste pour ça, il n'y a pas un truc planqué, une salle, quelque chose. Ah, petite potion. Potion de mana, ça non. Ah, moi non plus, je peux, j'peux pas. Potion de mana, ouais. Ok. Donc, bon, bah, je pensais qu'on allait trouver autre chose. On va par où, du coup? Alors, je me demande si on peut... Y a pas un autre endroit, ouais, par là. Je peux grimper ici. De toute façon, tu peux aller où tu veux, puisque tu peux miner. Oui. Aïe, j'ai failli mourir. Il a fait... T'as failli tomber? Oui. Enfin, je suis tombé, c'est là mais où pas... le, tu sais, le... Mince, t'as le forgeron qui te demande de créer un autre objet, là. Ça a l'air d'être un parachute, un parapente. Ah, j'ai pas encore vu ça. Oula. Ah oui. Bon, on peut descendre, mais faut creuser, quoi. Ou un parachute. Ouais, non. Ouais. Ah, ça va être sympa quand il y aura le parapente. Hein. Je pense que je vais me TP au camp. Ouais, TP, c'est ouais. Ce que j'étais en train de me dire. Ouais. J'ai trop de choses dans mon sac en vrai. Let's go. Quand ah oui, mais on a bien... Ouais, on est bien allé loin. Oui. Et à la fois pas loin du tout quand tu vois la taille de la map. Ouais, j'avoue. Oh, j'ai une très bonne idée, mais bon, c'est trop tard. Vous pouvez pas claim le terrain devant le donjon pour pouvoir vous TP quand vous voulez et pas refaire tout le trajet à pied. Ah oui. On aurait pu. Bon. On aurait pu, il est vrai. Oh, je me demande s'il y aura des montures dans le jeu. Ah, oh, ce serait génial ça. Ah, j'ai rien vu qui tease. Bah après, pendant l'early access, on sait jamais, hein, mais il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est marqué hôtel actif 1 sur 2, donc ça veut dire qu'on peut en avoir que 2 pour le moment. Je l'ai dit, vous venez à peine d'y rentrer. Bah oui, mais comme on stream à plusieurs, on lit pas forcément tout ce qui a marqué, désolé. C'est vrai. Ah non, c'est cœur de brume qu'il faut. Cœur de loup. Ah oui, étincelle. Renforcer la flamme. Ah voilà, niveau de traversée de la brume, 2, temps de la... Voilà, on peut être une minute de plus. Nice. Alors attends, il faut 5 de résine, 5 champignons rouges. Brume liquide. Résine, champignons rouges, brume liquide. Qu'est-ce qu'il faut pour le planeur déjà? Alors, planeur, il nous faut... Il manque juste une fourrure. Brume liquide. Quelqu'un qui a pas une fourrure en rab. Si, j'en ai plein, regarde, je la mets dans le coffre ici à gauche. Et il me faut encore. Ta. Non, je l'ai pas là. Attends, on va le faire. Non. Bon. Hop. Champignon rouge. Merde, on a pas ça. Merde. J'ai pas réussi. Ah oui, ok, j'ai crafté mon planeur, je remets les machins. Ah bah oui, on a tout fait griller. Ça, faut que je le cuise. Ça, j'imagine que je peux l'équiper, le planeur. Vous avez crafté votre planeur ou pas? Non, pas encore, pas je vais encore le faire, je pense. Ok, c'est fait. Qui veut des baies pour se soigner? Non, ça va. Bon, j'en ai. Bon, alors j'en jette parce que j'en ai trop, là. Ça soigne combien? Est-ce qu'on profiterait pas de la nuit pour faire un petit somme? Oui. Oui. Petit dodo là. T'as pris... Eh oh, c'est mon lit! Ah, c'est le. Pardon. Non, mais. Okay. Trop tard, j'ai mis mes poils dedans. J'ai pissé dedans, désolé. Ah, mais t'es le genre de personne, quand on dort à plusieurs, tu prends un lit au pif, on a compris. Pourquoi pas après tout, hein. Oh, tiens, ça sent Crane, hein, c'est bien. Quelle horreur! Je te permets pas, quelle horreur, comment ça? Quelle horreur! Il faut des champignons. Faut pas l'entendre comme ça. il faut un bouclier. Est-ce qu'il vous faut quelque chose pour les planeurs que je vous aide à récolter si besoin? Justement, j'essaie de voir... C'est à l'établi. Tu peux le voir qu'à l'établi. Ah, c'est établi. Ah ok, je trouvais pas. J'essaye d'améliorer le camp. Juste le souci du jeu, si tu lances un serveur dédié dans la suite de jeu avec les gens... Faire plusieurs la fourrure, il y en a plein au... Dans le coffre de gauche. Ah, ok. Oui, en effet. S'il y a un tryharder... Oh, bah, j'ai cher moi. On avait plein de champignons, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah oui, mais le jeu est vraiment conçu pour être joué en découvert en équipe. Oui, effectivement, si quelqu'un... S'il y en a un dans le groupe qui tryhard à balle et qui avance tout le temps, les autres... Mais ça, c'est valable dans tous les jeux de ce type-là. Hein.
Si tu joues à ce genre de jeu et que t'as des différences, des très grosses différences de temps de jeu. Ça se voit pas, c'est ça ? Non, mais c'est parce que, en fait, vu que ce que tu débloques est débloqué pour toute l'équipe, bah, si quelqu'un joue pendant que les autres sont pas connectés, par exemple, et qu'il débloque plein de trucs, bah, quand les autres reviennent, c'est débloqué, quoi. Oui, ah oui. Ok. Okay, et du coup, tu peux rater beaucoup de choses, mais ça, bon, c'est valable dans tous les jeux de ce type-là. Dans tous les jeux de survie, ouais. L'idéal, c'est de se trouver des gens qui sont avec qui tu te dis, bon, bah, on joue, on se donne rendez-vous tous les X et on joue ensemble et on joue pas tant que tout le monde est pas là, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile à voir. Il faut voir aussi, est-ce que l'intérêt du jeu, c'est de débloquer ou il se passe quelque chose après ? Si t'arrives sur un serveur où il y a plein de trucs débloqués, où plein de gens jouent, qu'est-ce qui te reste à faire ? Est-ce qu'il y a des donjons pour aller chercher du stuff spécial ? Est-ce qu'il y a des boss particuliers ? Toutes ces choses-là. Ouais, oui, il y a les combats de boss et tout. Quelqu'un a un reste de fourrure ? J'ai tout mis dans le coffre de gauche. Ok. Après, t'as du bois de brume ou pas ? Du bois de brume, moi j'en avais, je l'avais mis dans un coffre. Ah, parce que tu vas en avoir besoin et je vois qu'il n'y a plus de place dans le coffre en fait. La flamme est renforcée ! Niveau 2, on peut tenir plus longtemps dans la brume. Qu'est-ce que je voulais faire cuire ? On va peut-être faire un deuxième ou troisième coffre. Ouais, ça serait quand même vachement bien d'avoir des coffres... Un peu plus gros, ouais. Ouais, le niveau au-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Alors, donc, on voulait le... Okay. Des clous. Ah oh, ouais, mais des clous, hein. C'est où le parachute, là ? Établi. Dans établi, ouais. Ah, je vais faire avec des brindilles. Hein. Je prends tout. Je ferai les plus tard. Les raccourcis. Y a pas une histoire de bûche à mettre dans le feu ? Oh, j'ai oublié mon feu IRL depuis des heures. Ah ! Mon feu, il s'est complètement cool éteint. Ouais, ça me fait penser qu'il faudrait que je refasse un petit feu. Faut qu'il fait encore un peu c'est froid. Important parce que le truc c'est que je suis obligé de refaire un feu, mais faire le feu c'est ça qui est chiant. Mettre une bûche de temps en temps ça va. Ouais. Faire le feu faut qu'il reprenne, faut remettre du petit bois, faut... Bah je l'ai pas moi le... Ah à moins que ce soit tu dans... Pas et... C'est pas dans fabrication manuelle ça. Ah oui planeur, ok d'accord. Ouais. Ah il me manque bois de brume. Ah, ouais alors je les ai en fait, c'est moi qui les ai dans mon inventaire. Mais il y avait plus de place, je te les donne tous. Hop. Tu les as. Ouais, merci. Là, je vais pouvoir ranger parce que j'avais plus de place. Voilà, c'est fait. Il faut l'équiper, lui, comme le crochet. Ouais. Ouais, ouais, ça, ouais. Je n'ai rien. Je vais tout ranger. Hop, tout déposer. Ah, on a un meilleur coffre. Ah bon ? Oui, ouais. Oui, on a un meilleur coffre, mais il faut des clous. Il faut des clous. Bah attends, on va en faire. Un emplacement disponible dans le sac à dos. Putain oui, le... Trouver les deux obélisques de haute pâture pour apprendre le destin du monde. Une histoire de pourriture et de feu. Ah. Ok. Deux emplacements ont été rajoutés. T'en fais voir un truc pour la map. Est-ce qu'on a des quêtes qui donnent des trucs de PGM ? Voilà. Est-ce que j'ai autre chose ? L'XP... Ah, alors vas-y, fais-nous des clous. Je crois que c'est 6. Non, y'a rien qui nous donne des points de compétence. Ah mais t'as fait un petit coffre ? Ouais, j'en ai fait parce que j'avais besoin. J'avais trop de choses dans mon inventaire. Ah oui, mais non, attends, j'ai débloqué l'autre, moi. Ouais, mais je les avais déjà... Oh, c'est pas perdu, hein, c'est toujours des coffres. Ouais, on les détruira. S'il faut. Ah, en vrai, le truc, c'est si vous voulez garder cette game et tout ça, il faudrait limite un tout petit peu trier les coffres, genre mettre... Comme dans tous les jeux de survie, au début, tu bourres, et puis après, tu tries. Après, il y en a un qui va tout ranger. D'ailleurs, on me disait, le chat me disait tout à l'heure que certains coffres, une fois que tu les poses dans la base, si tu ouvres un établi, ils considèrent tous les items qui sont dans le coffre. Mais je ne sais pas si c'est le cas de ceux-là. C'est bien ça. Parce que là, à chaque fois, on est obligé de récupérer les items. Ouais, mais je ne sais pas si c'est le cas de celui-là. Je ne crois pas. Je crois qu'il est encore trop petit. Ouais.
Dommage. Jetlander du l'os. Brume moi, liquide, bon. On en a besoin pour quelque chose ou pas? Oui, il y a certains crafts où on en a besoin, ouais. D'accord. Alors, compétences. Voilà, ferraille, c'est terrible. Ferraille, j'en ai 10 si vous en avez besoin. Je vais regarder si j'ai des trucs à crafter. Donc là, je suis vraiment parti pour... Ah, crafter des crochets, ça pourrait être pas mal. Je vais en crafter... deux. Tu t'es fait un bouclier, Pressa? Non, en fait, je peux faire un tout petit bouclier de merde, mais je voulais faire le gros bouclier, en fait. Le spectra, c'est le... Je vais pas faire ça tout de suite. Ah non, l'autre. Ah, il faut 5 feuilles de métal, on en a trouvé 2 tout à l'heure. Ouais, j'en ai... On peut en faire, hein, on a un peu de ferraille. Ouais, go faire un peu de... Ok, attends. Ah vas-y, je viens d'en mettre 8 des ferrailles. Tac. Il en faut combien? 2. Ok, ouais. Feuilles de métal, moi j'en ai plus. De toute façon, feuilles de métal, il en faut. 5 feuilles de métal, 6 ficelles et 2 bûches pour le bouclier, apparemment. Vas-y. Et qu'est-ce qu'un bouclier spectral? Il y a d'autres choses. Tac. J'en ai 2. Ça fonctionne. En fait, il m'en faudrait 3. Vous permet de parer les attaques physiques. Paranormalement. Tac. Mais ouais. Ah oui, après on peut recrafter le même stuff, mais par exemple le gourdin clouté est level 5 maintenant. Hein? Ah oh oui, je veux augmenter mes armes. Déjà ce level là ou pas? Attends, comment ça se trouve, je dis des bêtises, c'était déjà ce level. Ah non, je dis des bêtises. Par contre, tu peux l'améliorer en payant. Oui. Voilà, comment on améliore? Ah là, les pioches, les meilleurs trucs. Quartier. Oui, ça c'est, faut que je le jette ça. C'est un jeu de survie avec des donjons et des trucs à faire autres que juste crafter des trucs. C'est ça, Corvax. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais voir? Ferraille et bois de brume. On va se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin. Donc si ça reprend 10, ça va la mettre level 3. Ça me fait mal d'améliorer du stuff level 2 et 3, quoi. Mais bon, les baguettes... Oui, et le gear, c'est quand même assez hop différent là. De Valheim. Moi, j'ai une préférence assez marquée pour celui-là. L'amélioration. Je cite Edine Doril pour les 38 mois. Ah ouais, on se régale. Ça qui est pas mal. Ouais, le toujours pas de ferraille. La ferraille, ça met juste du temps. Il y en a une, il m'en manque plus que 2. Hop. Non, mais on a toujours pas trouvé de filon, quoi. Non, toujours pas. Oui. Bah apparemment c'est foutu les maraudeurs et ils en drop et les trucs comme ça, donc je sais pas. Il doit y avoir des filons, c'est pas possible. Des filons de fer c'est... quoi. Il n'y est pas. Bah ouais, je sais pas. Peut-être pas. Hein. On en trouve un. J'espère qu'il y aura moyen de faire des plus grosses cheminées. J'aime bien les grosses cheminées. Vous avez essayé le planeur? Non pas encore. Wow. D'ailleurs comment? T'appuies sur quoi? Venez. J'arrive. Je suis grimpé tout en haut là. J'aurais aimé. Attendez, il nous faut le plus haut, la plus haute salle de la plus haute tour. Comment t'es grimpé là-bas? Je suis passé. Par ici, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Il y a moyen. Oups. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il y a pas moyen. C'est dommage qu'il n'y a pas moyen d'escalader, mais. Non. Alors. Il n'y a pas. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Tu peux mettre des petits coups de pioche et puis avancer petit à petit, je pense. Yeah! Ah oui, j'ai juste sauté. Oh, ah oui, d'accord! Ah oui! Mais c'est trop bien! Vous appuyez sur quoi? Moi, ça n'a rien fait. Double saut! Double barre d'espace, mais faut maintenir appuyé. Ah, ok. Ah c'est fou. Ah par c'est contre, une quand on comment on appelle ça c'est un glider là. Wingsuit là. Ouais. Ah c'est trop bien. Oh trop bien. C'est trop cool. Par contre on peut pas redresser des masses. Hein. Ah ouais t'es obligé de descendre tout le temps. Oh c'est génial. Oh mais bah écoutez. Parlant du j'en ai presque plus. Non c'est bon. Faire de l'exploration. Ah c'est trop cool. C'est génial c'est ça. Trop cool. Oh bah attends il y a un truc là. Bah oui une ruine. Ça a l'air bien. Ah oh, du coup tu fais des trucs hyper haut et puis let's go quoi.
Attends, ça s'ouvre ça? J'espère. Non. Un wingsuit? Non. Ça veut ça pas. Ça s'ouvre pas? Bah, en tout cas, il est rien marqué quoi. Moi, je dis qu'il faut allumer ça. Hein? Non. Elle peut pas allumer? Non. On peut rentrer ah, dedans. Merde. Souvent, il y a. Ah, autant. Un bouton quelque part. Ah oui, tu peux rentrer dedans. Par des petites fenêtres. Hmm. Il n'y a pas d'ouverture. Pas de bouton ou je ne sais quoi. Bon. C'est trop cool le glider. Mmh. Peut-être pour plus tard alors. Après, là-haut, je vois qu'il y a une sorte de petite torche. Ouais, une petite lanterne là. Ça a l'air de. D'ailleurs, un principe, à un moment donné, on doit allumer avec une certainement un après, feu j'ai bizarre. Une baguette de feu, tu vois, je peux essayer de tirer dessus, mais... Je pense que c'est un feu c'est, particulier. C'est peut-être pas encore fait, hein. C'est peut-être un truc peut-être en construction aussi, ouais. Par les devs. Oui, c'est peut-être en early access. Enfin, oui, enfin, voilà, ouais, ok. Je vois. C'est pas ça que j'ai ramassé un champignon ? Oh là-bas, il y a une petite maison en face. J'avoue que je vais peut-être... En face de l'autre côté de la brume ? Ouais. Attends, bah ouais, vas-y. Attends. On avait pas de la brume rouge ici ? Donc ça a aussi changé le niveau voilà. De la brume, non ? Ouais, je... Qu'est-ce ouais. Qu'il y a ? Je viens de trouver un carabée. Oh, je l'ai one-shot. Il y avait un petit scarabée sympa. Je te vois. Oh, j'ai pas pu aller très loin. Ah ouais ! Ah non ! Viens là ! T'as vu que si tu... Attention derrière toi, t'as quelqu'un. Youf ! Youf ! J'arrive pas à viser ! Oh, y'a plein de monde qui nous suit, maf. Oups. Oh, ça va, ils sont arrêtés les autres. Ouais. Putain. Merde, avec Est-ce la bombe, je... finir par le toucher. Oh, ça me fait très mal. Ça m'a mis Ah, c'est merde. Des espèces de mages. Aïe ! Oui, tu vois, ils font mal. Oh, j'ai plus d'endurance ! J'avance. Partez maintenant. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Bresser ? T'es où ? T'es morte ou t'es pas morte ? Ah bah il y a des archers. Crane, fais gaffe. Attends, utilisez. Hop, j'ai pris un. Non. Attends, ah, on arrive. Je pourrais jamais ressusciter parce que je suis dans j'arrive, un endroit. J'arrive. Non, en vrai, vous ne pourrez pas. Ah mince. Ah. Ah. T'es tombé ? Oh, je vais réapparaître. Non, ah, c'est parce que je pensais qu'avec un peu de chance, je pouvais y aller. C'est quoi ce truc-là ? C'est les affaires de Pressea. Ouais, c'est mes affaires. Ok. Bon bah on monte la garde. Ouais mais je pourrais jamais récupérer mes affaires. Mais oui mais la brume augmente. On y accède nous donc. Ah vous y avez accès ? Ah tant mieux. Non attends c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Ah par contre moi mon inventaire est... Ah quoique je peux peut-être récupérer... reviens vers moi, reviens. Ah non ! Attends. Ah c'est bon. Ouf. Ok j'ai tout récupéré Pressea. Ok nickel. Oh j'avais pas grand chose en vrai. Il faut qu'on sorte de la brume et puis... Oh le soin c'est quand même trop bien. Ah bah voilà là on est en dehors. Oula mais t'as jamais un petit village là-bas. Alors est-ce que vous voyez où je suis morte ou pas? T'es encore morte? Ah t'es remorte. Hein? En fait j'étais sur le planeur là et j'avais plus d'endurance. Donc du coup je suis morte dans les hauteurs. Ah merde. Est-ce on t'avait rien sur toi là donc c'est pas non, grave. Non j'avais rien. Ah mais par contre t'avais toujours le glider. Ah oui, oui. C'est bon en à fait, savoir. Tous les items que j'ai, armes et tout, ça reste. Ouais, heureusement. Ça aurait été la galère. Vous voyez où je suis morte ou je me réapparais ? Un petit oh, je vais réapparaître. Non, mais je vais réapparaître. J'étais juste à côté attends. En vrai. Ouais, on peut sûrement t'atteindre, tu sais. Ah, trop tard ! Ça m'apprendra. Mais on est pas sympa, trop loin. Ce petit village là-bas, là. Ah oui, merde. Ouais, mais c'est pour ça que moi je voulais y aller. Faut pas atterrir là-dessus. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais si vous maintenez le glider enfoncé, même si vous êtes au sol, il continue à glisser sur le sol. Ah bon ? Oui. Ok. Une fois que vous avez sauté, il se met pas automatiquement. Enfin, moi, ça l'a fait deux fois. Il se met pas automatiquement. Si tu lâches pas, il se met pas automatiquement au sol. Ah, moi, j'ai fait une roulade okay. En touchant le sol. Ah, ok. Bon, moi, deux fois, ça a continué de glisser. Ça a arrêté quand j'ai lâché. Ah ouais, marrant. C'est peut-être okay. Un petit lag après, je sais pas. Ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Allez, on y va. Tentez-vous. Je vais vers le village. Ah, qu'est-ce que c'est ?
On va voir, je vais le refaire. Ah non, ouais, là ça m'a... Oh mince. Je veux bien un petit reste si vous êtes pas loin, mais faites attention au sol. Ok. Est-ce que vous êtes pas loin ou pas? Je me rapproche de Crane. Ah, je suis pas loin. Attention au sol, il y a les trucs rouges. Je suis pas mort sur les trucs rouges, mais disons qu'il est possible que j'ai un petit peu marché dessus. Alors, comment je peux t'atteindre en vrai? Attends, j'essaye de voir. Faut pas faire comme pressé, c'est ça. attends... Ok... Ok, c'est bon. C'est bon. Hop. Ah, super. Merci. De rien. Donc ouais, ça m'a fait faire la roulade, hein. J'ai essayé, non, c'était... J'ai dû avoir des petits lags. On va prendre une petite popo. Donc j'ai plus aucun sort de soin, si jamais. Moi j'en ai un, s'il faut que je donne... Ah non, mais comment on s'en fait ? Non. T'es mort ? Non. Ah. Mais j'ai... Non, ah, non. Et là tu pourras pas me... Par contre, est-ce que mon stuff... Est-ce que tu penses que je... Je pense pas que tu peux me tuer. Fais gaffe, tombe pas, parce que moi j'ai glissé. Hein. Ouais, je peux pas. Par contre, je suis Après, très je pense qu'il y a une strat qui consiste à mettre de la terre ou je sais pas quoi par-dessus, mais... On va faire réapparition. Si tu peux juste rester par là et voir si tu vois mon stuff. Ouais. Oui, j'ai ton stuff. En vrai, j'ai quasi tout. Hein. Je récupère tout ton stuff. Bon, si tu as... Il doit pas y avoir grand chose du coup. Qu'est-ce qu'il non, y a dedans? Ça va. Ficelle, rune, crochet, sport et brume. Je le rendrai. Wow. Par contre, comment je vais faire pour... Oui, je suis passé. T'as réussi à passer? Moi je suis... Ah, je suis de l'autre côté, 6 kilos pour les bits. je suis de l'autre côté. Oh là là, comment on va faire? Bah j'aimerais ne pas tomber dans le trou. On va voir. C'est cool parce qu'en solo tu peux vite galérer. Hein. Faut vraiment rester en groupe. Ouais. Mais à mon avis les monstres sont plus solides parce qu'on est en groupe. Alors... J'ai peur de pas avoir assez d'endu et de mourir dans les airs. Et de l'avoir dans le cul. Pardon. Toujours avec une grande poésie. La rime était gratuite, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas, moi, je peux pas faire semblant, là. Alors, où est-ce que vous êtes? Vous êtes par là. Moi, je vais essayer d'aller rejoindre Mav. Je Mais là, c'est rouge, là. Là, on aime pas trop le rouge. Non, je sais pas trop comment faire. J'ai trouvé un petit... Je vais y aller. Dites-moi... Aïe, aïe. Oh, c'est rempli de sales bêtes. Abattez-le, Legolas. Ok, je sens que je suis dans la merde. Alors, je peux abattre un le gros champignon. Je suis pas bien là. Je suis peut-être aventuré au mauvais endroit. Hey. Oh oui. Je vais... Je m'occupe du gros champignon rouge. Non, non, quel con, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Là, il y a plus de brume, c'est rigolo. Ok, comment je remonte ça? C'est pas forcément une bonne idée. Comment on fait maf? J'ai trouvé un coin pour un espèce de pont. Un espèce de pont? Ouais, un genre de pont dans la brume qui m'a permis de traverser. Mais je garde mon stuff et tout. Ah oui, le jeu est quand même vachement... vachement sympa, quoi. Effectivement, tu meurs, tu respawn avec tout ton stuff, tu perds rien, en fait. Mais seulement, en fait, l'inventaire, tu le perds quand même. Oui, tu perds ton farm, quoi. Ouais. Ok, je suis... Ok, allez, vas-y, j'y crois. C'est juste que j'ai une arme assez lourde. Je vais les rejoindre, mais dans 5 ans, je pense. Oh là. Alors moi, par contre, vu l'heure, je suis désolé, mais je vais devoir m'arrêter. Ouais, je vais m'arrêter aussi. Hop, en vrai... Même si l'envie de continuer est forte, mais j'ai des impératifs familiaux qui m'attendent. Et oui. La prochaine session, ouais. Yes. Le 2. Oups, j'ai réussi à m'en sortir. Et si jamais par un hasard vous êtes dispo avant que vous voulez en refaire, n'hésitez pas à envoyer un petit message. En vrai, il y a moyen. Ouais. Hop. Il y a totalement moyen, je sais pas du tout. Faut que je trouve le pont de maf. Attends, je sais pas si je peux te ping un truc sur la map que tu puisses voir. En même temps, il faudrait déjà que je.
Ah mais du coup je me suis coincée. Puis de l'élixir. Je me suis moi-même coincée. Pierre tombale. Moi je suis en train de creuser. Attends, presser à pour monter. T'es parti où? Wouhou. Carrière saline. Essaye de me débrouiller. Salut Dren. En conclusion, oui. Le jeu semble cool. Ouais, non, il est très loin là. Ah, les artisans, bah là, on les voit aussi. Dans un petit village là. On voit que les artisans en tout, il y en a 5. Ah, cool. Oui. Pour l'instant, on a le forgeron, mais il y en a 5. Bon, allez, je file. Moi, ça fait déjà 45 minutes que j'étais censé. Oui, bisous, Matt. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'après-midi. C'était très cool. Ah, oui. C'était très très chouette et puis content de t'avoir rencontré pour la première fois. Pareillement. Allez, bonne fin de session. Ciao. Bisous. Bye bye. Voilà. Bon, écoutez le chat et YouTube. Bah voilà, ce petit retour sur Enshrouded était très très cool. Cette petite sponsor. N'oubliez pas encore une fois que le stream étant sponsorisé, vous pouvez retrouver le lien pour Enshrouded en dessous dans le panneau avec la commande sous YouTube, etc., etc. Bref, le jeu est vraiment excellent. Il était déjà très bon pendant la bêta, mais ça donne encore plus envie là. Il a l'air immense et l'early access qui promet d'être encore plus grande. Il y a tellement de trucs à faire. Il a l'air tellement cool. Enfin bref. Allez, bise. À bientôt YouTube pour la suite.